bien voilà, nous sommes donc réunis pour cet après-midi pour reprendre nos travaux. Alors ce matin, on a beaucoup parlé technique et cet après-midi, vous allez voir qu'on va reprendre des questions qui ont été évoquées ce matin sur ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité sociétale, le côté politique, le côté économique, le côté sécurité. Toutes ces questions vont être abordées. Dans cet après-midi, on aura deux phases, plusieurs interventions avec une petite pause à 15h30. Rassurez-vous, on aura une pause café sympa. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, la première des véritables tables rondes, puisqu'on est aux tables rondes de l'Arbois, qui clôturera donc cette première journée. Je voudrais vous rappeler ou bien prévenir les personnes qui viennent d'arriver, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas là ce matin et qui viennent d'arriver, que nous sommes également en streaming avec des personnes qui nous regardent de leur bureau, de chez elles, et qui peuvent aussi intervenir par leurs questions dans le chat. Et puis on a avec nous notre dessinateur qui a eu un succès fou à la fin de la matinée, et donc je pense qu'il va nous réserver aussi, nous concocter quelques belles surprises pour cet après-midi. Je vais vous présenter maintenant la première intervenante de l'après-midi. Elle est professeure à l'Université Paris-Dauphine, directeur de recherche au CNRS et plus exactement au laboratoire d'analyse et de modélisation de systèmes d'aide à la décision. Elle va nous parler de penser et de construire la transition énergétique avec les territoires, une aide multi-acteurs et multicritères pour la mise en place d'une filière d'hydrogène décarboné en France. Je vous propose d'accueillir Myriam Merad. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et j'ai été très heureuse d'écouter mes collègues ce matin et les différents débats un peu pointus et des fois contradictoires qu'il y a eu dans la salle. Alors, pour commencer ma présentation, je vais essayer de commencer par trois points. Le premier est que quand on commence un nouveau projet pour les territoires, on le commence toujours avec une vision, une manière de poser le problème. Et cette manière de poser le problème fait que l'on fixe un cadre de la narration. Et ce cadre de narration, on l'a vu pour certaines des présentations ce matin, eh bien, beaucoup de ces narrations se rattachent, dans le cas de la transition énergétique, avec un problème global, un problème de réchauffement climatique, un problème de manque d'énergie ou de manque d'autonomie énergétique des pays. Ce cadrage global peut faire adhérer un certain nombre d'acteurs ou au contraire, les mettre à l'extérieur du cadre. Le deuxième point est que l'on soit des scientifiques, que l'on soit dans notre vie au quotidien, eh bien en fait, on a tous des croyances déconstruit, des éléments que l'on questionne ou qu'on ne questionne plus et qui font qu'à un certain moment, quand on doit en débattre avec des tiers, ceci finit par poser question, voire faire conflit. Et d'où cette question qui revient de manière récurrente, la question de l'acceptabilité. Ainsi, effectivement, pour beaucoup d'entre nous, cette transition ou cette non-transition est due au fait que eh bien, les tiers n'acceptent pas un certain nombre de choses qu'on leur propose comme étant une solution. Et que finalement la formation, la connaissance, le partage des savoirs pourraient participer à une résorption de ce manque de savoir des tiers. Ça pourrait, hein, jusqu'à une certaine mesure, mais vous voyez que ce qui se révèle dans tout ça, c'est une question de vision du monde. Et donc l'idée, pour avoir un projet de transition avec et pour les territoires, c'est d'arriver à comprendre cette histoire des uns et des autres qui crée hein, ce fait de société et cette trajectoire que nous construisons ensemble. Avant un cadrage de ce dont je vais vous parler d'un nouveau projet qui démarre. C'est un projet financé par l'ANR sur le PEPR hydrogène et qui s'appelle HYDI. Pour effectivement la manière avec laquelle on va considérer les avis d'un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes, d'experts, pour construire une nouvelle façon d'appréhender les projets d'hydrogène décarboné et d'évaluer toutes ces dimensions. Mais avant de les évaluer, il faut en comprendre les sous-jacents. Donc, un nouveau cadrage dont on parlait précédemment,
Nous avons une feuille de route au niveau français, qui en elle-même est une déclinaison de la feuille de route européenne et de la feuille de route internationale. Donc, lutter contre le réchauffement climatique, vous voyez que la France parlera de transition énergétique, alors que beaucoup de pays n'utilisent pas ce mot transition. D'autres pays parleront de substitution énergétique, qui en dit beaucoup hein, par rapport au type d'énergie auquel on se rattache au démarrage. L'hydrogène décarboné apparaît comme étant une solution. Et effectivement, pourquoi ? Parce que dans la narration nationale et internationale, ceci permettrait de lutter contre les émissions de CO2. À horizon 2020, la France a annoncé l'implantation et le lancement de beaucoup de projets, notamment 15. Et ceci a été annoncé en grande pompe par notre ministre Bruno Le Maire. De nombreux projets n'ont pas attendu l'arrivée de cette feuille de route et se sont lancés. Je vais vous en citer un qui s'est lancé en Nouvelle-Aquitaine, porté par des industriels, notamment Engie, Neoen et RTE, et qui consiste à notamment, vous le regardez dans le schéma à votre droite, à rajouter dans un schéma qui est centré sur la brique photovoltaïque, rajouter un certain nombre de briques, notamment un électrolyseur, avec effectivement, comme vous le voyez à l'écran à droite, eh bien, un service plutôt rendu à la mobilité et à l'industrie. Et en fait, ces projets qui s'implantent sur les territoires finissent par soulever un certain nombre d'interrogations parce qu'ils vont venir perturber un espace qui a un mode de vie, qui a une histoire des conflictualités, qui a une histoire des perspectives de leur territoire. Ce cadre-là vient aussi s'inscrire dans un cadre international que nos collègues de l'université Mohamed V ont rappelé. Et effectivement, ce cadre, Mohamed VI, peut-être que je me suis trompée, j'ai enlevé un. Et ce cadre-là, en fait, c'est le changement climatique. Et puis cette conscience au-delà du changement climatique et des crises conjoncturelles que nous vivons, de ce constat de l'effet systémique des choses. C'est-à-dire qu'une solution viendra apporter des éléments d'externalité positive dans un lieu, mais en même temps viendra décaler un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire transférer des risques vers d'autres systèmes. Cette conscience de l'effet systémique de la résolution des problèmes, donc de résolution du problème dans le cadre dans lequel nous analysons et l'extériorisation des problèmes vers d'autres cadres, eh bien, crée un besoin de revoir la manière avec laquelle on pense les projets de transition. Alors si on écoute la communauté des ingénieurs, ou en tout cas des sciences, des mondes de la science dure, si on peut appeler ça comme ça, eh bien en fait la filière hydrogène prend un peu le continuum entre la production, la logistique et les usages. Et vous voyez que malgré tout, c'est une vision très technicienne, la manière avec laquelle on voit les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être considérée, mais que pour que cette filière puisse se décliner sur un espace, eh bien, il faut prendre en compte un certain nombre de réalités. C'est que cette filière, elle est pour les tiers, elle se décline sur des espaces territoriaux. Et ces espaces territoriaux ont un historique de concentration urbaine. Elles ont un historique aussi d'un certain nombre de contraintes réglementaires qu'on y retrouve, d'installations industrielles qui sont déjà présentes. Et elles vont venir en écho, elles vont venir se rajouter à ces opportunités qui se posent sur les territoires, mais aussi ces contraintes. Pour ainsi dire, s'il venait à avoir un souci autour de ces problématiques de transition, elles ne se catalysent pas que sur l'objet de la transition, qui est la déclinaison de la filière hydrogène, mais elles sont le moment où, quand un projet nouveau se dessine, alors beaucoup de choses vont venir questionner et se rattacher à ces problématiques qui sont dues à d'autres éléments qui sont plus territorialisés.
Ainsi, les enjeux sont multiples et on va retrouver autour de ces éléments techniques dont vous avez discuté un certain nombre de questions clés qui en fait font sujet de préoccupation au sein de la population. D'abord, ces questions de lien entre santé et environnement. Qu'est-ce qu'on améliore dans une sphère et qu'est-ce que l'on crée comme nouvelle externalité négative, soit-elle des nuisances, soit-elle des risques. Le second point, c'est quels sont les avantages. Et quand on parle de la sphère économique, c'est finalement au-delà du bénéfice que l'on retire globalement, quel bénéfice l'on crée en local. Quel nouveau marché du travail on crée. Qu'est-ce qu'on va venir perturber. Quelle nouvelle forme de dépendance nous allons régénérer. Et puis, ces problématiques sociales, c'est que, effectivement, la vision que l'on a de ce qu'était appelé le progrès avant n'est plus la vision du progrès actuellement. Et en fait, ce qui pourrait être attendu comme étant une vision largement partagée, qui est d'aller vers toujours mieux, beaucoup vous disent qu'on atteint un certain seuil et il faudrait aller vers moins de consommation, moins de nouveautés que pour la nouveauté, et essayer déjà de capitaliser avec l'existant. Donc il y a aussi un certain nombre de points à prendre en considération qui sont des visions du monde qui ne sont pas toujours en écho avec la nôtre. Il y a aussi des nouveaux enjeux réglementaires. Au-delà de zones d'incertitude scientifique et technique, eh bien, il y a tout un monde à redéfinir dans la sphère de la réglementation, de la norme, sachant que en fait, ce qui se passe sur le territoire français, la conception de la réglementation à la française n'est peut-être pas la conception qu'en ont nos voisins proches, ni même nos voisins anglo-saxons. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il va nous falloir une nouvelle manière de qualifier, concevoir ces risques et ces opportunités, et de les mettre ensemble, les mettre en musique pour les estimer et voir ce que nous apportent ces projets de transition. Pour ainsi dire, en fait, ces nouveaux projets, si on rentre dans quelque chose de plus pragmatique, ces nouveaux projets d'hydrogène décarboné vont être soumis à un certain nombre de questionnements. Alors, si on revient sur le cadre français, eh bien, pour tout nouveau projet qui touche à l'environnement, il y a un débat public et notamment une concertation préalable. Dans les concertations préalables, les dossiers soumis aux citoyens doivent être assez fournis. Donc, ils doivent présenter les avantages, les impacts positifs et négatifs, mais aussi les risques. Or, quand on est sur des avant-projets, comment discuter de ce que l'on sait et de ce qu'on ne sait pas? Il y a aussi un certain nombre de concertations qui vont toucher, une fois qu'on a passé cette concertation préalable au Code de l'environnement, eh bien, il y a une concertation qui va toucher au Code de l'urbanisme, puisqu'on vient perturber les sols et ses usages, et qui vont toucher au Code de l'environnement. Et là, il y a un certain nombre de dossiers plus fins à soumettre à la concertation, avec des études beaucoup plus détaillées sur les projets qui vont changer le devenir des territoires. Et puis après, il y a les dossiers d'autorisation d'exploiter. Pour des industriels, pour les industriels qui sont dans la salle, et pour les autres, vous avez l'habitude de ça. Et en fait, ces dossiers d'autorisation d'exploiter vont être remis aussi au service déconcentré de l'État. Et en même temps, ils vont être soumis à l'enquête publique. Tous ces éléments-là montrent qu'au-delà de la transparence sur les projets, du rendre compte, il va falloir penser aux méthodes d'évaluation de la soutenabilité de ces projets. Mais au-delà de ça, il va falloir penser à la manière de construire des conditions de débat avec des gens qui vont vivre avec ces projets à l'échelle locale. Et si nous venions à reposer ces questions-là dans un cadre international, alors en fait, vous savez que beaucoup d'entreprises ont des cotations extra-financières, c'est-à-dire qu'ils considèrent des éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance, et que, au-delà des projets, ces entreprises, voire les pays, vont être cotées. Et si on n'anticipe pas cette cotation et l'homogénéisation de ces démarches d'évaluation, alors on va être soumis à des évaluations extérieures de tiers qui pourraient être peut-être encombrantes. Du coup,
ce qu'on s'est fixé dans ce projet, c'est d'arriver à construire des démarches multi-acteurs et multi-critères pour accompagner l'expertise des projets et accompagner la décision. En gros, une forme de packaging pour les futurs exploitants et pour une lecture critique des projets. Quand je dis lecture critique, c'est-à-dire une lecture éclairée des projets sur les territoires, soit-elle pour des élus, des associatifs ou des tiers. Ce qui veut dire qu'il faut se mettre d'accord sur une démarche d'analyse, d'évaluation et de caractérisation des projets en termes de responsabilité sociétale et de soutenabilité. Pour ceux d'entre vous qui connaissez la partie responsabilité sociétale, la responsabilité sociétale, c'est la manière avec laquelle les organisations, soient-elles entreprises publiques ou privées, prennent en charge les enjeux de développement durable. C'est une retraduction des enjeux de développement durable à l'échelle de l'entreprise et avec une façon de mettre en place ces challenges. Je vous disais que ce projet s'appelait ID, il est très ancré sur des projets qui, eux, vont se centrer plus sur la production, le stockage, l'usage et les systèmes. Abdou Slaoui vous en a présenté une vision globale. Et on va, à travers cette analyse socio-économique, eh bien, non pas à perspective uniquement de quantification, mais de description de ce qui est en train de se passer sur le territoire, eh bien, on va venir prendre appui sur ces travaux et venir alimenter nos discussions. Pour le consortium, vous l'avez sur l'écran, vous voyez qu'on a des universitaires, des différents centres de recherche et instituts publics. Et on a en plus de ça, la possibilité de rajouter un groupe d'industriels et d'acteurs qui vont pouvoir éclairer, discuter le cadrage de la recherche et nos productions. Ceci a visé pour que l'on ait une forme de recherche qui ne soit pas une recherche en chambre, mais une recherche intervention, une recherche, ce qu'on va appeler une recherche action. Qui veut dire que c'est un gros projet où l'on souhaite avoir auprès des doctorants, des 8 doctorants et 13 postdocs, eh bien en fait beaucoup de recherches qui se fassent entre les disciplines. Trois défis. Le premier, c'est la donnée. La donnée, elle est produite dans un cadre, elle est déclarée dans un cadre réglementaire ou un cadre opérationnel, et cette donnée, dans sa construction historique et par thématique environnementale, technique, sociale, et passons les autres thématiques, eh bien en fait, elles sont issues d'une façon de voir le monde et le niveau de déclaration de la donnée à un moment T. Qui fait que si on veut, après y apposer un certain nombre de modèles, nous avons besoin de savoir l'état de précision ou d'imprécision de ces bases de données. Et donc, notre grand challenge, c'est d'essayer de voir ce que l'on peut mettre sur une plateforme unique comme données, allant de données sur des incidents et d'accidents, et au-delà, sur de la qualification de niveau d'externalité environnementale, en passant par des observatoires de la confiance en un certain nombre de projets de transition et d'autorités. Deuxième partie, c'est la question de démarches qui permettent de gérer cette qualité de données. Alors, on ne va pas agréger les données de la même manière si on a de la donnée très pauvre ou si on a de la donnée textuelle ou si on a de la donnée qui vient de la mesure. Et donc, en fait, comment faire quand on a de la donnée, des critères d'évaluation qui sont sur des échelles différentes et de nature différente. Donc comment on met en musique des dimensions qui sont de nature assez diverses. Et donc toute une partie de nos travaux vont venir réarticuler un certain nombre de méthodes et d'outils qui existent et voir un peu leurs limites aux frontières, voir en fait ce que l'on peut faire avec et ce que l'on ne peut pas faire avec, et je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis,
La troisième partie, c'est de confronter nos méthodes à des cas pratiques. Alors là, c'est aussi une invitation à vous tous. Si vous voulez porter des cas et vous voulez partager des cas opérationnels pour venir justement nous permettre de tester les méthodes, voire de bénéficier en avant-première de nos développements méthodologiques, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vous le disais en début de présentation, ce qui est important pour nous, si on comprend que tout est inconstruit, alors en fait, il va y avoir une façon de modéliser les problèmes d'expertise ou de décision en passant par un certain nombre d'étapes clés sur la manière avec laquelle, en amont d'une modélisation mathématique, eh bien, on va cadrer le problème de décision. Donc, entre à gauche, à droite par rapport à vous, donc l'analyste, c'est-à-dire la personne qui conduit le processus de modélisation, et le décideur, c'est-à-dire le commanditaire de l'étude, eh bien, vous voyez tout en haut de l'écran un certain nombre d'acteurs qui peuvent rentrer dans le processus de modélisation, qui peuvent donner leur vision du monde sur la manière avec laquelle on construit la filière hydrogène, et la manière avec laquelle on peut comparer des options les unes par rapport aux autres. Cette manière de modéliser fait que, entre ce qui est donné comme vision du problème... je vais rallumer. Et je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Je pense que non, vous n'allez pas le voir. Mais entre la vision du problème qui est donnée par un décideur in fine et un analyste, il y a un besoin de reformulation de ce qui fait cadrage du problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans un processus multi-acteurs, alors on accepte que le processus de modélisation, hein, qui dans d'autres types d'approches est fermé, eh bien on accepte de réouvrir le problème du cadrage. Qui veut dire qu'on va donner au tiers la possibilité de proposer d'autres options que les options que l'on propose à la discussion autour de la filière hydrogène décarbonée. Mais aussi, on offre la possibilité d'ouvrir le champ des critères à considérer. Allons de ça, on va passer à ce qu'on va appeler la structuration du problème de décision, c'est-à-dire qu'on va passer d'une description que vous pourriez appeler molle des problèmes de décision, c'est-à-dire beaucoup plus descriptive de ce qui fait problème, ce qui fait conflictualité, par exemple, autour des projets de transition énergétique, à quelque chose qui est plus une formulation mathématique du problème, ce qu'on va appeler la structuration du problème. Et une fois qu'on l'a posé, eh bien, il va falloir passer à la résolution formelle jusqu'aux conclusions. Ceci veut dire que, si on revient sur ces problèmes, si je dois passer en abstraction, si on considère que sur chaque problème, on a des bénéfices et des risques, et qu'il y a différents critères et différents acteurs qui peuvent rentrer en considération, alors il va nous falloir choisir un certain nombre de formules qui doivent être des formules à la fois légitimes et valides. Je vais vous choisir, par exemple, quelques approches, si je prends un sous-élément de problématique d'agrégation, et je vous prends notamment les procédures d'agrégation multicritères. Alors, suivant que l'on soit avec beaucoup d'informations et de connaissances, c'est l'axe des Y avec information et connaissances, ou que l'on soit avec très peu d'informations, ou que l'on soit à des niveaux de décision qui soient très opérationnels ou stratégiques, c'est-à-dire avec peu d'acteurs de cultures différentes, ou au contraire une diversité d'acteurs avec des mondes différents d'action, eh bien certaines démarches formelles vont plus coller que d'autres. C'est un peu ce challenge que l'on va avoir à gérer, c'est qu'il y a plein de procédures d'agrégation multicritères et multi-acteurs, mais que toutes ces procédures ne vont pas coller avec la nature de la donnée que l'on a à prendre en considération et l'incertitude sur la donnée. Qu'est-ce que l'on va rendre ? On va rendre d'abord un livre blanc qui va fournir une méthodologie pour réaliser ces évaluations de la filière hydrogène.
On va remettre aussi une façon de faire pour, en situation de prévention de risque ou de gestion de crise, discuter de dispositifs organisationnels pour se préparer et gérer ces crises. On va rendre une base de données généraliste, accessible avec deux niveaux de code d'entrée et d'accessibilité à ces données. Et on va fournir un rapport sur de la gouvernance et les rôles et les démarches qui pourraient être un peu une façon de poser le European Hydrogen Safety Panel à la française. Et ce que l'on va rendre, c'est des productions de recherche, c'est-à-dire un certain nombre d'articles et de publications qui, dans notre cas, vont être éminemment pluridisciplinaires. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser me poser des questions. Alors, merci beaucoup parce que vous avez laissé la porte ouverte à 7 minutes au moins de questions. Vous avez gardé du temps. Nous allons faire le tour dans la salle avec un micro. Les hôtesses sont revenues, donc je pense qu'elles ont le matériel nécessaire. Session-réponse. Question-réponse. Qui veut poser la première question ? Moi, je voudrais, puisqu'apparemment, ça va peut-être faire... Ah, ben voilà, il y a une question... S'il vous plaît, voilà, on a une question première. Vous n'avez pas le micro, d'accord. Ça va arriver. Ils sont là ? Ah, il y en a un là, d'accord. Il y en a un sur le... Voilà. Allez-y, monsieur, vous vous présentez comme ce matin. Merci. Marc Guillaume, j'ai été enseignant dans votre université, donc l'Université Paris-Dauphine. Ma question touche au code de l'environnement que vous avez évoqué. Un certain nombre d'amis juristes m'ont signalé que dans ce code de l'environnement, il y a beaucoup d'exceptions qui sont prévues, ce qui permet d'ailleurs aux acteurs politiques, par exemple aux préfets, de s'appuyer sur ces exceptions pour prendre des décisions et donc qui sont un peu hors droit. Mais finalement, c'est peut-être une bonne chose, parce que la question que je voulais vous poser, c'est ne pensez-vous pas que les juristes, dans leur casuistique, n'ont pas tellement l'esprit systémique ? Et quand vous avez un code de l'environnement qui s'applique localement et que vous avez des nuisances évidentes, comment peut-on commensurer les éléments positifs qui sont au niveau systémique, par exemple de produire de l'énergie propre, et la dimension locale qui souvent est négative. Comment peut-on, à partir du code de l'environnement, si on ne l'aménage pas, si on ne le systémise pas un peu, comment peut-on faire de l'analyse de problèmes et de la décision ? Voilà ma question un peu générale. Merci pour votre question. En fait, avant de regarder effectivement le code, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, la manière avec laquelle la France est organisée pour retricoter les liens entre science et décision, entre science et aussi réglementation. Et si on regarde dans le code de l'environnement sur la partie chimie, pétrochimie, alors qu'est-ce que l'on a ? On a le ministère. Donc, principalement le ministère en charge de l'environnement, même s'il change souvent d'appellation, sur un certain nombre de parties liées aux risques et aux nuisances, c'est principalement la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques et des Pollutions. Il y a aussi la DGEC quand ça touche à la transition énergétique. Donc, il y avait une grande partie des parties risques et nuisances qui étaient avant au ministère de l'Industrie et qui, petit à petit, avait été récupéré par le ministère de l'Environnement. Je ne reviendrai pas sur les détails. Mais qui fait qu'une fois que l'on sait qu'on a la DGPR, derrière ça, on a les services déconcentrés de l'État, en l'occurrence actuellement la DREAL. La DREAL vient en appui au préfet. Donc, quand on voit ce continuum des services centraux et des services déconcentrés, on oublie encore deux à trois étages qui vont venir se rajouter, qu'on va appeler les instituts d'expertise. Alors, il y avait un collègue, ou ancien collègue de l'IRSN tout à l'heure, mais sur la partie chimie, pétrochimie et autres, eh bien, on va retrouver
Par exemple, des instituts comme l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, le CEREMA. On va retrouver des gens comme Santé publique France pour des parties plus globales, ou l'ANSES. Et du coup, en fait, quand on a compris cet appareil, qu'est-ce qui se passe? Avant de passer de construire la règle, il va y avoir des questions qui vont être formalisées, en l'occurrence par le décideur public, formalisées à des instituts d'expertise ou à des agences. C'est les saisines. Et ces saisines vont faire que, avant de pas aller à la réglementation, eh bien on va demander à l'Institut de produire un certain nombre d'études techniques. Il m'est arrivé, dans un certain nombre de cas, si nous prenons le poste AZF sur la fabrique, sur la mise en place de la loi risque 2003, de travailler sur des études techniques qui, quand j'ai publié le rapport, ont donné lieu directement à l'arrêté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de produire le document réglementaire, on démarre de l'étude technique et on a eu une tendance ces dernières années à prendre directement l'étude technique et à la traduire au niveau de la réglementation. C'est pour ça qu'on parle maintenant du millefeuille réglementaire, parce que en fait, le technique finit par devenir du réglementaire. Il y a une chose qui a évolué post-accident d'AZF en 2001, c'est que l'État et les ministères ont décidé de mettre en place ce qu'on va appeler les études pilotes. C'est-à-dire, avant même de faire rentrer ça vers du réglementaire, tester un certain nombre d'approches sur des cas qui allaient donner lieu à des applications. Pourquoi ? Parce que, justement, ils constataient la même chose que vous, c'est-à-dire que nous avions une diversité de sites industriels, de réalités industrielles, mais nous avions aussi une diversité de territoires et de réalités socio-économico-politiques. Par exemple, dans le cas des plans de prévention des risques technologiques, avant de produire et les documents et les guides nationaux, et de produire un certain nombre d'arrêtés, de circulaires et d'arrêtés, eh bien, nous avons dû tester ces démarches sur 7 sites pilotes, représentant une diversité de situations en France. Alors, est-ce que ça a résorbé cette problématique de distance du central par rapport au territoire? Non. Mais en tout cas, ça participe à essayer de retricoter les liens entre cet effet de centralité à la française et cet effet de distance territoriale. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question posée, mais en tout cas, voilà. Alors, vous avez une deuxième question ici, monsieur. Oui, Xavier Godard, je voudrais faire remarquer une question. La remarque, c'est que j'avais travaillé sur l'analyse butyricitaire il y a très longtemps, et notamment avec Bernard Roy, le fondateur du LAMSA. Donc, je me félicite que les travaux continuent dans cette direction de manière intéressante. La question, c'est sur la notion de territoire, et parce que ce n'est pas simple de savoir quels sont les territoires pertinents qu'il faut considérer. Et après, on a la question des emboîtements des territoires. Donc, je ne sais pas comment vous intégrez ça dans votre recherche actuelle. Je vous remercie. Donc, là, je suis ravie aussi de voir que, en fait, mon directeur de thèse, Bernard Roy, a effectivement été l'une de vos connaissances. Donc, en fait, c'est aussi une question de fond, c'est la question de la programmatique territoriale. Donc, si on regarde effectivement, par exemple, sur le photovoltaïque, il y a effectivement des études qui montrent les potentiels des territoires en termes de photovoltaïque. Et donc on voit par exemple la Nouvelle-Aquitaine ou la région PACA se dégageant comme étant des régions à fort potentiel. Il faudrait effectivement avoir quelque chose de similaire pour savoir en fait quels sont les potentiels par territoire, ne serait-ce qu'en matière de production de ressources vecteurs pour l'hydrogène. Il y a aussi au niveau des régions ce qu'on appelle les SRADET. Pour l'Île-de-France, c'est le SDRIF, le SDRIF-E, c'est-à-dire une façon de programmer le devenir industriel, économique au sens large, social et environnemental, à l'échelle de la région. Et c'est au moment de ces programmatiques SRADET au niveau des régions qu'il faudrait penser à cette question de programmatique
territoriale, pour voir en fait qu'est-ce qui est en train de se construire et quels sont les besoins. Ce qui fait qu'on revient à la question posée préalablement, c'est que en fait, on a à la fois une force à la française, c'est cette programmatique et cette multiplication de textes réglementaires qui vont venir et méthodologiques qui vont venir appuyer tout ça. Sauf qu'on a tellement d'outils qui sont dans des sphères de responsabilité différentes que l'on ne retricote pas les liens et que elle devrait être tricotée à l'échelle du préfet ou de l'élu ou du décideur in fine en local. Elles le sont très peu. Il y a aussi un silotage des corps de savoir et de métier. Il y a une des personnes avec qui que j'ai vu tout à l'heure qui travaille sur la problématique de l'eau, mais entre par exemple ceux qui travaillent sur l'eau, ceux qui travaillent sur la qualité de l'air, ceux qui travaillent sur le photovoltaïque et sur les autres sujets, comme il n'y a pas de collaboration, il y a une difficulté à faire programmatique, qui fait que post-Covid, il y a eu un rapport de la Cour des comptes montrant que l'État avait du mal à penser le futur. Je dirais qu'en fait, c'est devenu actuellement la même chose au niveau des différents territoires. On gère les problèmes comme des pompiers. On ne les anticipe pas parce qu'en fait, les anticiper voudrait aussi dire revenir sur les silotages disciplinaires, les silotages des corps et les limites entre les ministères. Et ceci, voilà, soulèverait un certain nombre de questions. On va essayer d'aller plus vite sur les réponses, si vous me permettez. Madame a une question. Bon, merci. Donc, Fabienne Trollard, directrice de recherche à l'INRAE et aussi Académie d'agriculture de France. Alors, effectivement, cette question d'analyse systémique des territoires, c'est effectivement une question qui était déjà même au cœur du pôle de compétitivité, gestion des risques et vulnérabilité des territoires en 2004. Des approches systémiques ont été proposées et en fait, le gros point qui bloque tout, c'est le système organisationnel et en particulier, vous avez commencé déjà à en parler, sur l'État et sur les collectivités locales. Et il y a aussi une question de temps. Sur quelle mesure de temps est-ce que vous pensez pouvoir avancer sur ces questions-là ? Merci. Votre réponse, et puis après, on amènera le sujet suivant. Merci. Oui, merci pour la question. En fait, là aussi, vous pointez un autre élément, c'est de croire qu'à chaque fois que l'on propose une solution, qui est souvent technique, alors on résout le problème. Par exemple, là aussi, on parlait avec un autre collègue des effets de la mode de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses nouvelles, néanmoins c'est quelque chose qui est ancien. Et donc la façon de concevoir les approches systémiques aussi, elle est ancienne. Par contre, en fait, l'inertie des systèmes qui permet qui a des côtés positifs, qui permet de maintenir la vie des systèmes, a aussi des effets négatifs. C'est qu'il ne suffit pas de comprendre pour changer le système. Et donc, en fait, si on accepte, et c'est ce qu'on va essayer de creuser au niveau du projet ID, si on accepte qu'au-delà des causes patentes, il y a des causes profondes à un certain nombre de problèmes qui sont toujours d'actualité. Et si on accepte d'aller remonter aux causes profondes, que l'on dit organisationnelles ou institutionnelles, qui font qu'il y a un frein, il y a une compréhension du terme systémique, mais il y a un frein à leur mise en place, qui souvent aussi sont des freins de lieux de pouvoir ou de chaises gardées. Alors on arrivera à comprendre pourquoi, eh bien on arrive à comprendre, mais à ne pas changer le système. Ça reste une réponse légère, dans la réponse que je viens de vous donner, mais c'est une réponse qui dit que en fait il suffit pas de trouver une solution technique ou une bonne solution pour changer le système. Il y a tout un écosystème socio-politique qui fait que la solution percole ou ne percole pas. Et c'est ce que l'on doit aller quêter en décentrant l'attention sur la solution technique que l'on est en train de proposer.
Merci. Merci beaucoup de votre intervention, chère madame. On peut applaudir donc Myriam Merad. Merci. Qu'est-ce que ça nous donne en traduction dessin, là, Frédéric ? Rien ? Ah, bon, la suite alors ? Ah, quand même ! Moi, je prends l'hydrogène de Montélimar, il me plaît bien, bravo. Superbe. Merci beaucoup, on peut applaudir Frédéric, bien sûr, pour ses dessins. Justement, on va retrouver le CNRS maintenant avec un professeur et vice-président à l'Université de Franche-Comté. Membre de l'Institut universitaire de France, directeur adjoint à la Fédération nationale de l'hydrogène au CNRS. Il va nous parler de l'hydrogène vecteur de transition pour nos territoires. C'est Daniel Issel. Voilà, Daniel, merci. Merci. Donc, effectivement, il n'y a pas que les femmes qui bossent au CNRS. On va essayer de vous démontrer le contraire. Donc, je vais vous parler un petit peu, je vais presque faire une synthèse de tout ce qui a été présenté, y compris la dernière présentation de mes collègues, ce matin, en essayant de faire une synthèse, en montrant en quoi, sur certains territoires, et pourquoi, l'hydrogène peut être non seulement un vecteur énergétique, mais également un vecteur de transition. Alors... Je reprends un petit peu quelques éléments hein, qui amènent à cette réflexion. Le premier, c'est l'ère du pétrole. Donc, j'ai pris un document de General Motors. Hein. Voilà, donc, quand on prend un peu du recul, j'aime bien prendre du recul, d'avoir une vision un peu plus systémique des choses. On voit ici l'ère du pétrole ramenée sur l'échelle des temps, entre 0 et 2500. Bon, c'est pas grand-chose, hein, donc effectivement, on est complètement dedans. Mais il y a quand même à réfléchir sur la suite. Deuxième élément, si on ramène les émissions de gaz à effet de serre dans les années 90 à une échelle de 100 ici, on voit que malgré les efforts faits en Europe, en France, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement on vit tous sur la même planète et malheureusement on a augmenté de 50% les émissions de gaz à effet de serre quand on fait la synthèse à l'échelle planétaire. Voilà, donc quel futur par rapport à ça. Et puis effectivement, ensuite si on regarde un enjeu socio-technico-économique, donc on peut imaginer, on peut évidemment penser que tous les secteurs économiques vont donc être amenés à subir, accompagner, anticiper, profiter, alors vous choisissez le verbe que vous voulez là-dedans, des mutations déjà engagées, en particulier évidemment dans le contexte de l'hydrogène. Puis on a deux éléments supplémentaires, le contexte post-Covid 19, pardon, avec les volontés nationales, européennes, de relance économique, de relocalisation industrielle, c'est des termes qu'on a beaucoup utilisés, d'indépendance stratégique, sur l'hydrogène, mais sur beaucoup d'autres domaines. Et puis, le contexte évidemment actuel de la guerre en Ukraine, avec, alors même si c'est un petit peu réfréné actuellement, l'augmentation des prix de l'énergie, et notamment celui d'origine fossile. Voilà. Donc à partir de là, l'hydrogène peut apporter non pas la réponse, je tiens tout de suite à le préciser, mais un élément de réponse. Alors, des choses qui ont déjà été dites, c'est l'élément le plus abondant de l'univers, 75% en masse, 92% en nombre d'atomes. Donc quand on parle de transition, vous l'appelez comme vous voulez, écologique, environnemental, voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas s'intéresser à l'hydrogène quand même. On a parlé de la grande densité d'énergie, c'est 3 fois mieux que l'essence, et c'est 100 fois mieux que les meilleurs accumulateurs électrochimiques actuels, et malheureusement, quasi jamais à l'état naturel moléculaire sur Terre. Alors effectivement, il y a de l'hydrogène, alors je ne vais pas reprendre les couleurs, mais c'est ce qu'on appelle souvent de l'hydrogène blanc, c'est des émanations naturelles, donc qui sont encore difficiles à chiffrer, mais il y en a bien sûr. Donc, plus généralement, il faut le produire, et donc, bon, un petit élément ici, c'est évidemment un vecteur énergétique, on l'a dit, qui est ce qu'on appelle dual électricité, dans le sens où, à partir d'électricité, je peux fabriquer de l'hydrogène, à partir d'hydrogène, je peux fabriquer de l'électricité, l'électricité étant également un vecteur énergétique. Alors, un slide sur ce qu'est une pile à hydrogène, donc ça c'est la définition générale, hein, je crois qu'il vient au niveau européen, dispositif électrochimique, qui convertit de manière continue donc de l'énergie chimique d'un combustible et d'un comburant. Alors en 3 choses, l'énergie électrique, c'est souvent ce qui est prioritairement utilisé, de la chaleur, pas l'oublier, parce qu'on peut aussi la valoriser, ça a été évoqué ce matin, et différents sous-produits de réaction, alors souvent pour beaucoup de l'eau, mais pas que. Les combustibles et comburants, à la différence des batteries, sont stockés à l'extérieur et sont amenés au fur et à mesure des besoins. Donc l'intérêt de ce découplage permet
d'avoir une capacité de recharge très rapide, et c'est ce qu'on appelle un découplage entre l'énergie qui est le stockage, le réservoir d'hydrogène, et la puissance qui est quelque part la pile à combustible. Ce qui permet de faire la même chose qu'avec des batteries, mais avec un recharge beaucoup plus élevé, avec une capacité également de recharge beaucoup plus rapide. Alors, l'électrolyseur d'eau pour la production d'hydrogène, alors ici sur un électrolyseur PEM qui a déjà aussi été présenté ce matin, ben c'est l'élément inverse hein, pour simplifier. On va décomposer l'eau en oxygène et hydrogène grâce à un courant électrique. Alors, la production électrique, elle est aussi généralement exothermique, hein, donc on va aussi pouvoir valoriser cette capacité de cette production thermique, notamment dans des applications stationnaires, c'est assez facile. Et on va retrouver ce même type de découplage entre l'énergie et la puissance, donc avec les capacités de stocker notamment l'électricité, comme ça a été dit ce matin, sur de très longues durées. Alors, si on regarde maintenant ben, de cette production d'hydrogène aux usages, alors on peut appeler ça, on peut résumer qu'on a un écosystème hydrogène qui est en marche. Alors si on balaye cette frise de la gauche à la droite, on a la production électrique, différentes origines, de l'eau, de l'électrolyse, du stockage d'hydrogène, des applications dans le domaine de la mobilité au sens très large, et également des applications dans le domaine bâtimentaire. Alors évidemment, il y a de multiples acteurs hein, qui sont amenés à se mobiliser pour cela. Alors je les ai segmentés ici en quatre parties, production, stockage, distribution, usage, avec évidemment autour de cela, au niveau de nos territoires, un futur énergétique en termes industriels également à réinventer. Alors simplement sur la production d'hydrogène, voilà, donc différentes voies, je ne vais pas m'étendre dessus, on peut le produire à partir d'énergies fossiles, des énergies fossiles, de production électrique par électrolyse, donc d'origine nucléaire ou d'origine renouvelable, ou à partir de la biomasse, ça a été évoqué également ce matin. Voilà, donc il y a des... ici, c'est un document qui vient du CETIM, et ben, on voit les versions, enfin les éléments en vert, qui sont la production qu'on peut qualifier de décarbonée. Celle sur laquelle on va essayer, évidemment, par rapport à mon introduction, de prioriser notre action. Production d'hydrogène aujourd'hui, alors la réalité est un petit peu moins séduisante, hein, c'est qu'aujourd'hui 96% est basé sur des ressources fossiles, 4% uniquement sur l'électrolyse, voilà, et sur ces 4% d'électrolyse, on retrouve 0,25% de ces 4% qui sont basés sur des ressources d'électricité d'origine renouvelable. Donc voilà, ça c'est la situation actuelle, enfin 2019, et l'objectif c'est quand même, si on s'en tient à ce qui est affiché en termes de stratégie internationale, c'est de proposer à l'horizon 2050 18%, d'assurer en fait 18% de la demande énergétique globale, mondiale, avec un marché, parce qu'on n'est pas obligé, c'est évidemment pas découplé du marché, de 2500 milliards de dollars, de flux financiers associés. Évidemment, derrière, ça se décline en termes d'emplois. Hein, l'estimation est de 30 millions d'emplois liés à la filière hydrogène à l'échelle mondiale. Et évidemment, c'est évidemment important, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier ici de CO2, de 6 gigatonnes par an, pour info, hein, parce que dans l'absolu, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, c'est 43 gigatonnes émises en 2019. Donc c'est l'ordre de 15%, on va dire. Alors, deuxième typologie d'acteurs, au-delà de la production, c'est ceux associés au stockage. Alors le stockage, on en a parlé ce matin rapidement, au moins pour certains aspects, différentes solutions, stockage liquide, alors malheureusement à moins 253 degrés. Alors on connaît aujourd'hui la consommation, évidemment, donc c'est plutôt pour de la grande échelle, dans des volumes relativement limités. Alors l'acteur emblématique ou les acteurs sont ceux de l'aérospatiale. Et puis évidemment, l'idée, ça serait de transposer, ça a été évoqué, je crois, par Abdelalila Slaoui ce matin, l'aéronautique moyen et long courrier et les navires. Il y a du stockage liquide et organique, on en a parlé également ce matin, différents applicatifs envisagés, mais encore aujourd'hui un marché peu clair hein, autour de tout cela. Stockage liquide, alors ici j'ai mis une petite photo que tout le monde connaît sous forme d'ammoniac QUE, hein, voilà, qui est une solution aqueuse d'ammoniac. Bon, ma collègue, je ne sais plus où elle est, voilà, professeur Roussel a présenté ce matin toutes les applications. Alors je synthétise et on pourra en discuter éventuellement. Les avantages stockage long terme, une sécurité, une forte densité énergétique pour l'ammoniac C, mais une certaine toxicité qu'il faut gérer et si on veut l'utiliser dans des piles d'hydrogène, la nécessité de redécomposer en hydrogène. Et puis il y a du stockage évidemment sous pression, alors avec deux standards, un standard à 700 bars qui est utilisé notamment pour toutes les applications véhicules légers hein, que vous pouvez, qui sont commercialisées aujourd'hui. Un autre standard, entre guillemets, hein, à 350 bars, avec d'autres typologies de réservoirs, mais plutôt pour des applications où on a un peu plus de place, donc les véhicules lourds, les trains, par exemple, donc les camions aussi.
Et puis aussi une capacité de stockage, ce qu'on appelle sur des hydrures métalliques. Alors, c'est en gros des éponges métalliques dans lesquelles on vient insérer des petits atomes d'hydrogène. Donc là, on est sur des basses pressions et on est potentiellement sur des applications off-road et sur des applications potentiellement stationnaires également autour de ces sujets. Sur la distribution, là encore, on va pouvoir identifier un certain nombre d'acteurs sur la distribution de l'hydrogène. Alors, je me suis seulement focalisé ici, parce qu'il n'y a pas que la distribution en station-service, vous me direz, mais compte tenu du temps dont je dispose, voilà ce que j'ai essayé de mettre en avant. Donc, on a aujourd'hui des stations-service existantes, il n'y en a pas beaucoup hein, sur le territoire national, 31 en 2022 ouvertes au grand public en France, 61 existantes, alors certaines sont fermées au grand public parce que ce sont des stations réservées à des exploitants. 350 ou 700 bars évidemment en termes de distribution suivant les flottes de véhicules auxquelles elles sont connectées, et puis on a deux solutions: soit on produit l'hydrogène ailleurs, on alimente la station par des semi-remorques, soit pourquoi pas on produit l'hydrogène sur site par un électrolyseur d'eau à partir d'une électricité produite localement, rarement, mais au moins d'origine renouvelable souvent. Voilà. Alors, en termes de prix, hein, parce que ce sont souvent des questions qui sont posées, on va tourner, alors on peut discuter hein, voilà, autour de 10 euros le kilo prix à la station. Aujourd'hui, prix de vente au consommateur, je précise, sans aucune taxe. Ce qui n'est pas anodin, notamment ici. Évidemment, l'objectif, ça serait de baisser, toujours hors taxe, hein, ce prix à 6 euros le kilo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un kilo d'hydrogène? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les stations, alors, juste en Chine, hein, on est typiquement à la station à 5 euros le kilo, à peu près. Voilà. Alors, avec un kilo d'hydrogène, je fais quoi? Ben, je fais 100 km avec une voiture classique, segment C, 4 places, voilà, ça vous donne une idée. Donc avec un kilo d'hydrogène, je fais 100 km. Donc pour 10 euros, je fais 100 km avec ma voiture. Ce qui en fait, en fait, en gros, alors certes, d'un côté, il n'y a pas de taxe, de l'autre, il y en a, hein, quelque chose qui est sensiblement à parité aujourd'hui avec le prix de l'essence et du gazole, hors taxe. Voilà. Sachant qu'on est à, je ne sais plus, de l'ordre de 80% de taxes hein, sur les produits pétroliers en France. Alors, autre élément, et là je me tourne vers mes collègues, notamment en sciences humaines et sociales, ces tarifs n'intègrent pas ce qu'on appelle les externalités, ou plutôt ce que mes collègues appellent les externalités, qui sont fondamentales. C'est le prix de l'impact environnemental, dont on parlait au début, qui n'est jamais chiffré dans les solutions à base de combustibles fossiles. Le prix géopolitique aussi, hein, en termes de déplacement de devises, c'est-à-dire c'est de la... On a des devises qui sont générées en France, en Europe, qui sont ensuite, qui servent à assurer l'alimentation en gaz, en pétrole, en charbon, pourquoi pas, qui viennent d'autres pays. Donc effectivement, on peut s'interroger sur ces transferts de devises et le prix géopolitique associé à ça. On l'a vu récemment avec le conflit notamment avec la Russie. Il y a un prix de l'impact sur la santé. Effectivement, quand vous avez des gens qui habitent le long du périphérique, par exemple, vous avez effectivement des gens qui sont plus asthmatiques qu'ailleurs, donc effectivement, il y a un prix sur la santé. Et puis, de façon plus globale, il y a un prix en termes d'impact sociétal, potentiellement de déplacement de population, de migration de population liée au changement climatique. Voilà, tous ces prix-là, et là, je me tourne vers mes collègues, il y a du boulot au niveau du CNRS, voilà, je trouve du boulot, pour arriver à chiffrer tous ces éléments-là. En termes d'usage, alors on a évidemment toute une série d'usages en termes d'hydrogène, notamment pour la mobilité, mais pas que. Alors, la mobilité hydrogène, il y a deux axes possibles. Il y a de la mobilité basée sur des moteurs thermiques à hydrogène, et puis il y a de la mobilité électrique, via des piles à hydrogène en utilisant la production électrique pour avoir un véhicule électrique alimenté par une pile à hydrogène et de l'hydrogène, mais ça reste un véhicule électrique dans la finalité. Il y a deux fonctions qui peuvent être assurées. L'une, c'est la propulsion complète du véhicule. L'autre, c'est ce qu'on appelle des sources auxiliaires de puissance. Alors, deux exemples ici, hein, de sources auxiliaires de puissance. Vous en avez sur des semi-remorques frigorifiques, où la partie frigo, je ne parle pas du tracteur, mais la partie frigo est assurée aujourd'hui, donc sur un projet avec deux constructeurs, l'un chez Hero, l'autre Fruof, qui ont développé des semi-remorques frigorifiques. Donc, c'est le semi uniquement qui est alimenté en frigo, en hydrogène, pardon. Pour les applications de transport, ben, le véhicule électrique à hydrogène, c'est finalement l'idée, c'est de prendre quelque part le meilleur des véhicules électriques à batterie et le meilleur des véhicules thermiques, en laissant de côté ce qui est un petit peu moins bien. Alors je prends l'exemple des véhicules thermiques, ce qui est moins bien, c'est ce que j'évoquais, le carburant importé et les émissions évidemment de gaz à effet de serre. Ce qui est très bien, c'est l'autonomie, ce qu'on apprécie, hein, tout un chacun, c'est l'autonomie élevée, évidemment la rapidité de remplissage, peu d'impact des conditions climatiques, que vous soyez en hiver ou en été. Alors certes, ça peut mettre 2-3 secondes de plus à démarrer, mais c'est relativement
peu sensible. Et puis, vous avez une large échelle de puissance, hein, de votre petite voiture, votre tondeuse, jusqu'à des gros camions, des trains, etc. Et puis, sur les véhicules à batterie, on va garder les aspects zéro émission, le haut rendement, le fait d'avoir beaucoup de couples, d'avoir des motorisations silencieuses, et puis la capacité d'avoir recours à des sources énergétiques locales. Puis on évite, par rapport aux batteries, les autonomies relativement limitées, les temps de recharge extrêmement élevés, et puis les aspects volume-masse des batteries, sans compter l'impact des conditions environnementales, climatiques, en termes d'autonomie sur les batteries, des goûts passés en température négative. Moi, je viens du nord de la France, c'est très, très sensible. Alors, quel marché, du coup, dans le domaine des transports ? On voit, c'est pas... les deux ne sont pas antinomiques, ils sont complémentaires. Vous avez, pour les véhicules légers ou des véhicules dédiés de taille intermédiaire, l'électricité batterie répond parfaitement aux besoins et donc finalement propose une solution complètement performante. Et puis l'électricité hydrogène pour des véhicules plus gros, des flottes captives, des flottes de véhicules de type camion, etc. Et puis des sources auxiliaires de puissance, notamment, par exemple, dans les camions frigo, j'en parlais, mais pourquoi pas dans l'aéronautique également. Alors, on retrouve aussi, pas que dans le domaine de la mobilité, des usages de l'hydrogène autour d'applications stationnaires. J'en prends quelques exemples, c'est évidemment pas exhaustif. L'application stationnaire à grande échelle, donc là, une photo qui nous vient de Corse, hein, c'est la plateforme du laboratoire SPE de l'université de Corté, où on a des panneaux photovoltaïques assez conséquents, où on produit de l'hydrogène et de l'oxygène, en l'occurrence, là en plus ils sont stockés, et en fait on vient au soutien au réseau électrique, et on vient pourquoi pas, possiblement ailleurs, alimenter aussi des micro-réseaux électriques autour de ces solutions. On a un deuxième exemple qui nous vient de Polynésie française, là, c'est un projet qui est lié à un projet ANR en cours, donc on voit bien le récif autour de Papeete, mais il y a un conteneur devant, et dans ce conteneur, on a un système hydrogène, où l'hydrogène est produit à partir de panneaux photovoltaïques, et en fait, on s'en sert évidemment pour le stockage électrique, comme je l'évoquais, mais ici, en fait, ce qui va intéresser nos compatriotes, c'est plutôt... non pas l'eau chaude sanitaire, ce qui est assez classique, mais c'est plutôt d'avoir du froid, de la climatisation. Et ce projet-là transforme la chaleur en froid, avec des systèmes qu'on appelle thermochimiques. Donc on vient récupérer, alors je ne dis pas 100%, mais une grande partie de la production énergétique, mais on va l'utiliser directement sous forme de clim, de froid. Enfin, d'autres applicatifs qui sont aujourd'hui vraiment en gros développement, c'est tout ce qui est groupe électrogène. Là, vous en voyez un en pleine nature. Vous avez la bonbonne d'hydrogène, le groupe électrogène à côté. Ça ne fait pas de bruit. On peut les installer où on veut. Il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est ce qu'on appelle des groupes de secours. Et puis évidemment, on va retrouver aussi des applications, tout ce qui est lié, évidemment, pour les mêmes raisons en termes de groupes de secours, notamment sur les data centers, où tous les groupes data centers aujourd'hui existants ont des groupes de secours, souvent basés moteur diesel, avec des coûts d'entretien extrêmement élevés pour des facteurs de charge quasiment nuls. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, on est quand même dans un contexte, alors je reprends la phrase, vous l'avez vu souvent, je ne vais pas la redire, qui est quand même lié, qui n'est pas récent, qui est issu d'une dynamique qui est en marche depuis très très longtemps. Je précise aussi qu'avant même Jules Verne, le principe de base c'est 1839, c'est William Rowe qui avait présenté un premier article d'ailleurs scientifique sur cela. Peu de développement pendant près de 100 ans, avec évidemment... l'accès à une ressource quasi qui semblait à l'époque illimitée, tout ce qui est ressources fossiles, voilà, et avec peu de préoccupations, pour ne pas dire pas de préoccupations, sur les enjeux climatiques, évidemment, à cette époque. Alors, une petite frise, simplement, donc de Grove et de Jules Verne, on voit tout un tas d'applications qui ont émergé dans les années 50. Alors, je cite en particulier, évidemment, General Motors, qui a développé un premier véhicule dans les années 60, évidemment, les programmes Apollo et Gemini de la NASA, qui ont donné un coup d'accélérateur assez incomparable aux activités hydrogène. Un mot quand même sur une entreprise avec un H à l'époque qui s'appelait Alstom, qui développait dans les années fin des années 60 des piles à combustible hydrogène, avec pour objectif de les installer en 1972 sur les véhicules Peugeot. Bon, on n'en a pas vu beaucoup sur les véhicules Peugeot à l'époque, mais c'était l'objectif en tout cas. Et puis, ce qu'on peut qualifier de traversée du désert, et puis avec Daimler-Chrysler qui relance... ils ne sont pas seuls, mais c'est les premières dans les fins des années 90. Et puis aujourd'hui, tout un tas d'applicatifs. Alors évidemment, les véhicules off-road, les chariots élévateurs, notamment Plug Power. Les véhicules, j'en parlais. Des groupes électrogènes, j'en ai parlé. Un mot aussi sur les sous-marins. Par exemple, les sous-marins de l'armée allemande sont pour la plupart aujourd'hui, enfin,
ceux à forte autonomie sont sur des bases de piles à hydrogène. C'est un intermédiaire entre le sous-marin diesel et le sous-marin nucléaire, en termes de durée de plongée. Voilà, alors les axes de R&D, alors on ne s'est pas concerté avec Delila ce matin, mais bon, je pense qu'on ne va pas trop se tromper. Premier axe qu'on fait dans nos labos, c'est l'efficience énergétique. Je ne parle pas que d'efficacité, je parle vraiment volontairement d'efficience. Augmenter le rendement, bien sûr, valoriser la thermique, évidemment, mais aussi intégrer les aspects recyclabilité, seconde vie, analyse en cycle de vie, c'est de plus en plus important, y compris pour nos partenaires industriels. Deuxième axe, c'est la durabilité de ces objets. Donc typiquement, quand vous achetez un véhicule léger, une voiture, vous achetez 5000 heures à peu près de fonctionnement. 5000 heures à 50 km/h, c'est 250 000 km. Voilà, donc 5000 heures de fonctionnement. Voilà, donc on n'en est pas très loin. Beaucoup plus pour les camions, les applications stationnaires et ferroviaires, bien sûr. Le coût, évidemment, est un enjeu majeur autour de ces développements. Il y a évidemment les aspects de transition socio-technique avec un lien important, évidemment, avec l'acculturation, les politiques publiques. Autour de ces éléments-là. Alors, il y a l'Hindenburg à droite, hein, pour les plus anciens d'entre vous. Je vous rassure, hein, mes étudiants de master, maintenant, je leur parle du Hindenburg, il n'y en a plus un seul qui sait de quoi il s'agit. Donc, c'est plutôt positif pour la transition vers l'hydrogène, parce qu'il y a encore 20 ans, tout le monde me rétorquait que c'était hyper dangereux, pour preuve, voilà. Bon, c'est peu rassurant pour nos profs d'histoire, quand même. Et puis, la disponibilité d'un hydrogène vert. Évidemment, on en a parlé. Voilà. Alors, le potentiel... Donc de l'hydrogène, ici, vous le voyez dans les différents secteurs que j'évoquais, production, transport, énergie pour l'industrie, électricité, chauffage des bâtiments et matières premières pour l'industrie. La taille des bulles est proportionnelle à la quantité d'hydrogène que ça représenterait, on parle bien ici d'horizon 2050, et plus vous êtes à droite, plus c'est une part de marché significative. Donc on voit qu'il y a des grosses bulles sur la production d'énergie et le stockage d'énergie temporaire, mais que ça représente finalement une part de marché relativement faible, c'est la première ligne. En revanche, typiquement sur les volets ammoniac, matière première pour l'industrie, on voit que l'hydrogène là représente non seulement des volumes, mais également des parts de marché très significatives. Alors, tout ça est évidemment décliné aussi en lien avec une politique nationale, et puis on verra tout à l'heure territoriale, avec les priorités de la stratégie nationale qui ont été rappelées ce matin, produire de l'hydrogène avec... la volonté de développer des électrolyseurs, développer, je le disais, on en a parlé, utiliser l'hydrogène pour l'industrie et développer une offre de mobilité décarbonée, essentiellement pour des véhicules lourds. Ça, c'est la stratégie française. Les chiffres, quand même, voilà. 2018, plan Hulot annonçait à grand renfort de publicité 100 millions d'euros à l'échelle nationale en France. 2020, donc 2 ans plus tard, 7,2 milliards d'euros. C'est Bruno Le Maire, auquel Emmanuel Macron, dans le plan, alors là on est un petit peu à cheval avec le plan nucléaire, a rajouté 1,9 milliard d'euros. Voilà, ça vous donne, donc on a multiplié quasiment par 100 les volumes fléchés en 2 ou 3 ans. Alors, les feuilles de route, elles existent un peu partout, et ça c'est plutôt positif. Donc en 2021, vous voyez qu'à l'échelle mondiale, beaucoup de pays ont déjà rédigé des feuilles de route hydrogène ou sont en cours de rédaction. Et plus là également et au niveau européen, vous voyez en gros les pays qui ont indiqué ici tant en euros qu'en gigawattheure installés en l'occurrence, les objectifs en fait dans gigawatts pardon, gigawatts installés d'installation d'électrolyseurs et d'investissement. On retrouve des pays, bon, France, Allemagne. J'aurais presque tendance à dire, par rapport à la population, c'est relativement cohérent. Mais on voit les pays du Sud qui investissent massivement dans ces questions-là. Je prends l'exemple du Portugal, hein, qui met 7,2 milliards d'euros à l'échelle de la population. C'est considérable pour proposer d'être un pays susceptible d'alimenter le reste des pays européens en hydrogène décarboné. Alors, ensuite, comment ça se traduit justement en termes de translation de ces éléments-là sur nos territoires, en termes de création de valeur ? Alors, j'ai déjà fait à plusieurs reprises ce type de présentation. Alors, chaque fois, j'oubliais, évidemment, parce que c'est difficile aujourd'hui, vu le nombre de projets qui est à l'échelle nationale. On en oublie forcément. Donc là, j'ai fait le choix. Je fais un focus sur la Bourgogne-Franche-Comté. Je suis de Belfort. Voilà. Donc, on y va. On fait un focus sur ça. Mais c'est un choix assumé. Et même plus encore sur le Nord-Franche-Comté. Et on y reviendra pourquoi. Nord-Franche-Comté, c'est Belfort-Montbéliard. C'est un territoire industriel. C'est le lieu de naissance de 2 entreprises emblématiques en France, Alstom, Peugeot. Donc énormément de populations mobilisées dans le secteur industriel, dans la production, dans les usages, dans l'ingénierie, etc. Et avec récemment encore,
Aujourd'hui, c'est plus Alstom, c'est le General Electric aussi hein, qui s'est installé. Des plans sociaux dont tout le monde a entendu parler, massifs à l'échelle de ce territoire. Et donc une vraie prise de conscience à l'échelle territoriale de la nécessité d'un transfert de valeurs et de compétences. Alors, quelques exemples. Sur la production d'hydrogène, l'idée est en lien avec un tissu qui mobilise les acteurs de la recherche, les acteurs industriels, les pôles de compétitivité, évidemment les politiques, mais également le préfet, on en parlait. Alors, c'est l'intérêt d'un petit territoire comme le territoire de Belfort, je vous rappelle, c'est le plus petit département français, par l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde, tout est maillé, c'est quasiment une île enclavée, et donc tout le monde se connecte tous les jours, et donc c'est très facile de mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc ici, typiquement, donc McPhy a fait le choix de Belfort pour installer sa gigafactory d'électrolyseurs, 400 emplois directs à la clé, et évidemment en lien avec la tradition industrielle ancienne, les compétences déjà présentes sur le territoire, en ingénierie électrique, en mécanique, et la capacité de reconversion industrielle de ce territoire, évidemment soutenue et accompagnée également financièrement, largement, par les collectivités territoriales et même l'État. Deuxième exemple, Genai. Donc là, on est sur un autre type d'électrolyseur, AEM, qui s'installe également au voisinage de Belfort, avec 120 emplois, je mets en avant les emplois, directs créés à la clé, toujours pour de la production d'électrolyseurs dans une gamme de 50 kW à 4 MW, avec en gros les mêmes attendus par rapport à cette installation. Autre exemple, sur le stockage de l'hydrogène, alors Forestia, Forvia aujourd'hui, tout le monde connaît, équipementier automobile classe mondiale rang 1, a décidé d'installer son centre mondial de R&D sur les réservoirs d'hydrogène, ainsi que la production des réservoirs d'hydrogène, toujours sur ce même territoire. Donc 300 emplois, 165 millions d'investissements. Ça, c'est que des annonces qui ont été faites dans les deux dernières années. Alors pourquoi aussi ? Parce que a été mise en place ce qui s'appelle, ou est en cours de mise en place, l'ISTI, l'Institut du stockage de l'hydrogène, qui est, là c'est purement un investissement public, hein, qui a pour vocation de devenir une plateforme internationale de tests, d'essais et de qualification des réservoirs hydrogène. Donc en fait, l'idée, c'est que ces équipementiers, fabricants de réservoirs, puissent tester, valider, certifier leurs réservoirs également en local. Autre exemple, alors, dans le domaine des transports, alors là, ce n'est pas une entreprise qui vient s'installer, c'est un peu autre chose. C'est une entreprise familiale, vous en avez peut-être entendu parler, Gossin, c'est une petite boîte, je crois qu'elle a 80 ans, à peu près 120 personnes, et eux développent en fait des engins de mobilité pour les ports. C'est ce que vous avez en bas, là, qui transportent des transcontainers, on va dire, autonomes. Alors, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, parce que c'est des véhicules totalement autonomes, et là, donc, en fait, l'alimentation est faite par hydrogène également. Alors, beaucoup de communication, ils sont très très bons. Ils ont fait le premier camion hydrogène qui a fait le Dakar l'an dernier, qui l'a terminé, il faut le signaler. Ils ont fait le premier camion hydrogène qui a terminé le Dakar, et avec 80 kg d'hydrogène à bord et un ravitaillement en moins de 20 minutes. Alors évidemment, ça s'accompagne aussi d'une volonté des collectivités. Alors, évidemment, je parlais du maire, ben, évidemment, il faut qu'il franchisse le pas. Ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a décidé d'acheter des bus hydrogène. Et qui dit bus hydrogène, dit station hydrogène, forcément. Voilà. Alors la station est multimodale, elle n'est pas destinée qu'aux bus. Elle va être ouverte au grand public de l'autre côté et à tous les engins, finalement, voilà, qui permettent de délivrer. Typiquement, on va être, alors je ne l'ai pas marqué là, on va être autour de 80 kg d'hydrogène par jour au départ, et puis après, évidemment, ça va augmenter. Alors la livraison, j'avais mis avril 2023, ça sera plutôt août, hein, d'après les dernières nouvelles. Des start-up aussi qui sont basées sur les activités de recherche, RH26 qui développe des groupes électrogènes, vous en avez un exemple à droite là, avec aussi Emmanuel Macron qui l'avait testé il y a quelques années, il était que ministre à l'époque, hein, mais c'est pas grave, il était ministre de l'économie, donc développe aujourd'hui des groupes électrogènes. Donc ça c'est vraiment une spin-off d'un laboratoire CNRS, voilà, qui a été créé, 30 emplois aujourd'hui, qui se développe, qui continue à se développer et qui fabrique des groupes électrogènes. Vous voyez ici certains qui ont été utilisés et expliqués déjà par Enedis. Alors, je disais que tout est maillé. La préfecture du territoire de Belfort a commandé un groupe électrogène de secours, a remplacé son groupe diesel par un groupe H26 en soutenant l'économie territoriale. C'est la première préfecture du territoire français qui est alimentée par un groupe de secours à hydrogène. Voilà, c'est un choix politique, stratégique, géostratégique également. Dans l'habitat, le bailleur social a décidé de construire des bâtiments hydrogènes
Pourquoi le bailleur social? Parce que typiquement, en général, les locataires de ces barres HLM sont souvent les derniers à profiter des prodettes technologiques. Là, on a pris le programme à l'inverse, c'est-à-dire que les nouveaux bâtiments qui sont construits, au moins un, là pour l'instant c'est un démonstrateur, hein, bâtiment quand même avec des vrais gens dedans, on va dire, va être construit à l'hydrogène de façon totalement autonome. Production d'hydrogène sur site, stockage saisonnier et utilisation en priorité, non pas pour la production électrique parce qu'il y en a beaucoup trop, on va réinjecter une partie de l'électricité sur le réseau, mais surtout pour le chauffage. Donc on va utiliser l'hydrogène produit pour le chauffage sur place. Voilà. Et pour tester, comparer avec d'autres bâtiments exactement avec la même orientation solaire, pour comparer effectivement les capacités et les solutions que peuvent apporter ceux-là. Enfin, data center, j'en parlais, bah c'est aussi en cours, donc un projet de remplacement du groupe de secours du data center local par une solution à hydrogène, toujours en utilisant les compétences locales des entreprises présentes sur le territoire. On reste dans cette dynamique territoriale, projet soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté, financé par la région. Voilà. Et puis évidemment, gros enjeu sur la formation, à tous les niveaux. C'est pointé du doigt aujourd'hui. Pour information, c'est à peu près 100 000 emplois attendus en France d'ici 2030 sur l'hydrogène. Donc il va falloir qu'on s'y mette collectivement et très fort. Alors évidemment, il y a des reconversions professionnelles, mais il n'y a pas que ça. Et donc, premier cursus ouvert sur l'hydrogène au niveau Master en ingénierie, Master of Engineering au sens anglo-saxon, 2014, première formation. On a déjà la cinquième promo qui sort, de recrutement post-bac. Donc avec des gens qui sont très intégrés dans les laboratoires, avec trois objectifs ciblés. Domaine R&D pour ces ingénieurs dans des grands groupes ou d'autres entreprises. Poursuite, évidemment, d'études en doctorat pour des chercheurs. Et surtout, ce qui nous importe, créateurs de start-up. Voilà. Et puis, évidemment, ça se déploie aussi sur un campus d'excellence en lien avec tous les acteurs territoriaux, également industriels, pour décliner cette offre de formation, non pas seulement au niveau universitaire, mais également dans l'infrabac, où effectivement les besoins sont considérables. Et aujourd'hui, la dynamique de changement de formation dans ces domaines-là est relativement lente. J'en arrive aux conclusions, même si le temps est écoulé à l'instant. Voilà, donc un seul transparent de conclusion. La question que je vous pose, est-ce que l'hydrogène est l'échelon manquant de la transition énergétique ? On a la version actuelle hors hydrogène avec différents entrants qui permettent d'alimenter l'industrie, le transport et le bâtimentaire. Et l'hydrogène, l'intérêt, c'est qu'il fait le lien avec tout cela, qui peut être utilisé sous forme électrique, sous forme de chaleur, et également dans l'industrie. Voilà, je vous laisse à cette réflexion. Merci. Merci Daniel Issel. On va donc maintenant passer tout de suite aux questions-réponses, le petit jingle, et puis on y va. De musique. Allez, je récupère un micro et je vous le tends ou je vous l'amène. Qui veut poser la première question? Il y a une main qui se lève là-haut. Non, mais c'est que vous enfilez votre pull, c'est ça? Voilà. Ok. Voilà. Qui est-ce qui veut mettre la première question? Oui, monsieur, j'arrive. Allez-y. Oui, merci d'avoir mentionné le Zeppelin pour les anciens. Est-ce qu'il y a des problématiques risques et comment elles sont prises en compte alors sur l'ensemble de la filière ? Alors aujourd'hui, la problématique risque, évidemment, elle est intégrée sur l'ensemble de la filière dans la partie production, stockage, distribution, etc. Il y a encore besoin de normes partagées sur ces sujets-là. Typiquement, je prends un exemple concret. Nous, on est proche de l'Allemagne. En France, en gros, on a une problématique de déclaration en préfecture au-delà d'une tonne d'hydrogène stockée sur site. Vous faites 20 km à l'est, c'est 3 tonnes. Voilà. Donc il y a un problème d'harmonisation européenne. Je me tourne vers les collègues. Voilà. Il y a vraiment un besoin d'harmonisation européenne. Et en plus, après, évidemment, idéalement, d'harmonisation à l'échelle internationale. Mais là, c'est évidemment beaucoup plus délicat. Parce qu'effectivement, sinon, il y a des biais de compétitivité au niveau de nos entreprises et des emplois, forcément. Puisque si c'est plus facile d'installer une entreprise ou une usine de l'autre côté de la frontière pour des nous concernant, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, ça devient délicat ensuite de conserver les emplois sur site. Merci. Vous avez une question ici, donc, voilà, pour notre caméraman tout en haut de la salle. Patrick Portolano et Eosis. J'ai noté que dans les modes de stockage de l'hydrogène, vous ne citiez pas le méthane, ni le méthanol, ni les alcools de manière générale. Je sais que c'est un congrès sur l'hydrogène décarboné, mais il faut quand même se rappeler que, enfin,
on ne le sait peut-être pas assez, mais quand on produit du biohydrogène, on peut récupérer le CO2 à de fortes teneurs et pouvoir ainsi le stocker de manière très économique. Je voudrais avoir votre avis. C'est pas du tout un choix délibéré. Là, je me suis focalisé sur des solutions, je dirais, alors vous allez me dire, j'ai parlé de l'ammoniac, hein, mais voilà, mais souvent, j'ai considéré des solutions directes de stockage d'hydrogène, quoi. Effectivement, c'est pas un choix délibéré et c'est pas, voilà, effectivement, il existe d'autres solutions que vous évoquez autour de des alcools en particulier pour le stockage. Voilà. La question qui va y être associée, c'est d'où vient le carbone et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, c'est la question qui va être immédiatement associée à cette typologie de stockage. Merci, Madame a un micro, je crois. Voilà. Donc là, on se situe ici, s'il te plaît, tout à fait à ta droite. Voilà. Allez-y. Oui, voilà. Oui, Elisabeth Loujou, CNRS, côté bio de l'hydrogène qui est un petit peu absent là. Je voulais juste reposer la question sur le coût des piles à combustible. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer actuellement et quels sont les paramètres qui sont très importants au niveau des coûts ? Aujourd'hui, honnêtement, le principal levier de réduction des coûts sur les piles à hydrogène, c'est l'industrialisation. Ça reste... Alors, je prends toutes les précautions oratoires, hein. Ça reste quand même beaucoup de l'artisanat encore en termes de production, quoi. C'est-à-dire que les gros producteurs, j'avais vu les chiffres, le numéro 1 mondial, c'est Ballard, ça se compte en milliers de pièces produites par an, hein. Voilà, ça c'est le plus gros. Donc effectivement, alors même si aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à se mobiliser très fortement pour proposer des solutions d'industrialisation de la production, avec des machines-outils, hein, qui permettent d'aller beaucoup plus vite en termes de cadence et en termes de prix, c'est quand même celui-là le premier volet. Après, en deuxième niveau, évidemment, il y a les questions de la catalyse, évidemment, des questions autour des matériaux, voire du recyclage, parce qu'effectivement, c'est un enjeu majeur. Mais aujourd'hui, pour moi, le vrai sujet, c'est celui de la massification des marchés. Monsieur, au centre, voilà. Oui, bonjour. La question que je voudrais vous poser est très basique. Et elle a peut-être déjà été abordée, mais malheureusement, je n'étais pas là. C'est sur la sécurité, parce que, bon, certaines personnes... C'est le sujet suivant. Ah, d'accord. Donc, alors, si ça soit... C'est le sujet suivant. Je vois le premier slide. Vous allez voir toutes les réponses. Entendu, merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je vais faire glisser le micro jusqu'à ce monsieur tout à fait... Ah, ben, très bien. Voilà, regardez. Vous avez le micro devant vous. Merci. Tout au centre de la salle, donc. Voilà. Allez-y, monsieur. Il marche, oui ? Oui, ouais, c'est bon. Impeccable. Vous avez parlé de 6 euros, hop, voilà. 6 euros pour 100 km, donc effectivement avec une voiture. Donc vous signalez que du coup ça fait quand même 40 euros de plus au 1000 km que mon C3 Picasso, mais c'est un Citroën. Vu que vous êtes de Montbéliard et Peugeot, je comprends que vous l'avez pas signalé. C'était la boutade. Mais quel est le prix de revient donc, du kilo de H2, puisque vous dites qu'il est vendu 6 euros à peu près le kilo. L'entreprise le fabrique à combien ? C'est très difficile. Alors déjà, c'est hors taxe, hein, je tiens à bien le préciser. On n'est pas à 6 en France, je parlais plutôt de 10, hein, quand même, aujourd'hui. C'est plutôt la tendance, hein, 6 euros à terme, toujours hors taxe. C'est très difficile de répondre à votre question. C'est même pas que je ne veux pas y répondre. Ça dépend complètement de l'origine de la production d'hydrogène. Est-ce qu'on fait que de la distribution sur site avec une production centralisée ou une production locale? De la taille de la production. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent. Je pourrais vous donner un écart-type qui serait... Sans valeur, on va dire, d'un point de vue scientifique, quoi. On va vous donner un écart-type qui serait de 6 à 150, quoi. Voilà, c'est aujourd'hui l'objectif. De toute façon, typiquement, les 10 euros, c'est ce qui est proposé, par exemple, à des opérateurs de bus. Voilà, eux, ils travaillent en termes d'achat, de volume, à un coût défini. Après, effectivement, le coût de revient réel derrière, finalement, il renvoie à la question précédente sur la massification du marché, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On peut applaudir donc Daniel, remercier Daniel Issel de son intervention. Voilà, on va laisser le micro là. Donc, est-ce que ça nous a inspiré trois dessins ? Trois dessins, Frédéric ? Oh là là ! Alors, c'est le prix qui t'a inspiré, là, le prix de l'hydrogène ? Qu'est-ce qu'il nous propose ? Après l'hydrogène nougat. Ça, c'est peut-être pas mal, ouais. Tourisme industriel, ça marche bien. Hein. Bravo. Bravo pour ces interventions.
Alors, nous allons maintenant, puisque ça a été demandé par quelqu'un dans la salle, on va tout de suite répondre à son interrogation, parler de la sûreté donc, de l'hydrogène vis-à-vis notamment des explosions. L'état des lieux des connaissances va nous être présenté par une directrice de recherche au CNRS INSIS. Alors, c'est l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes, Nabia Chomex. C'est bien prononcé maintenant, ça va ? Oui, très bien. Je vous en prie. Vous devez avoir un micro qui est là. Et Daniel a laissé la petite zapette, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, et c'est parti pour une demi-heure. Bonsoir. Alors, attends. Il a éteint le micro, Daniel, avant de partir. Oui, c'est les économies d'énergie, ça, vous savez, maintenant, les intervenants, ils éteignent les micros avant de repartir. Voilà. Il n'y a pas de petites économies, donc les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais écoutez, bonjour, merci beaucoup d'abord à Abdou de m'avoir invité pour vous donner un petit overview de ce qu'on sait sur la sécurité de l'hydrogène. Et puis je vais le présenter essentiellement à partir de travaux qu'on a menés au CNRS, donc dans un laboratoire qui est une unité propre du CNRS, et dans des collaborations qui sont depuis des décennies. Ah, il faut que je vienne là. D'accord. Vous allez voir, je bouge, je parle avec les mains, donc vous risquez d'avoir un enregistrement pas au top. Donc je disais, et dans des études en collaboration beaucoup avec l'IRSN, avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et donc avec le bureau des accidents graves à Fontenay-aux-Roses, et donc plus particulièrement avec l'équipe de Monsieur Ahmed Bentayeb à l'IRSN. Donc là, vous avez sur ce slide une présentation. Donc le Zeppelin, le fameux Zeppelin. Je préfère qu'on se souvienne de l'histoire et qu'on se souvienne que cette explosion, qui finalement, pour des générations, ils ont été marqués par cet accident, et qui fait que l'hydrogène est considéré comme étant plus violent, plus dangereux, plus problématique qu'un autre hydrocarbure ou qu'un autre combustible ou qu'un hydrocarbure. Il faut savoir que ce n'était pas l'hydrogène qui était à l'origine de l'accident, mais bien une enveloppe qui a été mal choisie. Et donc la définition du système au départ, prendre les bons paramètres, les bonnes hypothèses et dimensionner un système en fonction est absolument nécessaire. Le deuxième exemple qui est beaucoup plus récent, qui est beaucoup plus proche de nous, c'est l'accident de Fukushima, donc, qui a été vraiment un désastre nucléaire avec toutes les retombées que l'on a vues sur ce pays. Et pour lesquels, effectivement, c'était de l'hydrogène qui a mené à des explosions de plusieurs réacteurs. Et encore une fois, c'est pas l'hydrogène au départ, c'était une conséquence. C'était un dimensionnement et une phénoménologie dont on n'a pas tenu compte au départ et qui a surpris les opérateurs. Il faut savoir qu'ils avaient réussi à arrêter le réacteur, donc à la suite du tremblement de terre. Et c'est le tsunami qui a mis le feu aux poudres, si j'ose dire. Et puis, un accident beaucoup plus proche de nous, donc, qui était dans une station de distribution d'hydrogène, donc en Norvège, et pour lesquels on a eu une fuite d'hydrogène et une explosion suite à cette fuite, et qui fait qu'avant de pouvoir reprendre, les stations-service qui avaient été dimensionnées de la même façon que celle de Norvège, entre autres en Allemagne, avaient été fermées jusqu'à ce qu'on comprenne d'où venait le problème. Finalement, quand on voit une explosion, donc là c'est un nuage d'hydrogène-oxygène, c'est impressionnant parce que c'est un très gros volume, mais finalement on va avoir une fuite de gaz ou une libération de gaz pour une raison ou pour une autre de cet hydrogène. Il va se mélanger à l'air, donc l'hydrogène tout seul ne nous pose pas de problème, c'est l'hydrogène mélangé à l'air qui est problématique. Et ensuite, il va y avoir un point d'allumage, quelque part, qui, dans l'accident, va être l'allumette qui va mettre le feu aux poudres. Et cette allumette peut être de très faible énergie, on verra un peu plus loin. Et finalement, on va avoir une inflammation et une propagation. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les effets de pression. Typiquement, pour vous donner un exemple, pour beaucoup d'entre nous, nous avons une gazinière à la maison. C'est pas parce qu'on fait du thé ou parce qu'on fait cuire des pâtes qu'on est obligé de refaire systématiquement la décoration de la cuisine, retourner chez le coiffeur parce qu'on est ébouriffé. Donc, on arrive bien à faire notre cuisine sans avoir le moindre problème. Et pourtant, avec ce même gaz, de temps en temps, on entend parler d'un pavillon qui a été soufflé, d'un appartement qui a été soufflé, et puis des vitres qui sont brisées, des vies humaines et des destructions. Donc, à partir d'un même combustible, on peut avoir des effets désastreux dont on ne veut pas,
ou une combustion qu'on est capable de maîtriser et qu'on est capable d'utiliser. Donc en fait, que ça soit dans l'explosion qu'il y a eu en Corée sur un électrolyseur, et donc encore une fois c'était une fuite d'hydrogène, ou en Norvège, et ben à chaque fois le risque d'explosion, finalement sur un plan fondamental, et ben ça fait appel à différentes disciplines. Et essayer de comprendre le mécanisme d'explosion, c'est déjà comprendre quelle est la cinétique chimique. Finalement, ce matin, on entendait parler de réactions chimiques en disant c'est des collisions. Ben, typiquement, H2 va entrer en collision avec O2 et va nous faire H2O. Finalement, on a une reconfiguration des liaisons atomiques avec une libération d'énergie. Ensuite, on a besoin de comprendre quel est l'impact de la turbulence, quel est l'impact du milieu, pourquoi cette combustion devient violente. On a besoin de la caractériser, on a besoin de savoir la mesurer, savoir dire quel est le niveau de pression qui va être libéré. Finalement, si j'ai l'hydrogène qui brûle avec zéro augmentation de pression, en cas de fuite, ce n'est pas grave, il va brûler, et puis on va le consommer, et puis ça s'arrêtera là. C'est bien parce qu'on a des effets de pression, et ces effets de pression vont détruire le matériel, détruire les vies humaines, que cela nous pose problème. Et puis, on ne peut pas faire toutes les expériences possibles et imaginables à chaque fois qu'on a l'intention d'installer de l'hydrogène quelque part. Donc la partie simulation devient très importante. Et la simulation, finalement, c'est rassembler ensemble tout ce qu'on a pu comprendre sur les aspects fondamentaux, tout ce qu'on a pu mesurer, tout ce qu'on a pu visualiser, et le retranscrire en un code qui va nous permettre de faire des évaluations et de faire des simulations. Donc en fait, pour vous donner un exemple, tout le monde connaît le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est à peu près 89 à 95% de méthane. Et quand on compare les propriétés qui sont vraiment importantes entre l'hydrogène et le méthane, pourquoi l'hydrogène pose plus de questions que le gaz naturel, c'est parce qu'on va voir qu'il a des limites d'inflammabilité qui sont très basses. Les limites d'inflammabilité, qu'est-ce que c'est? C'est quelle est la concentration minimale, quel est le pourcentage minimal de combustible que j'ai dans l'air qui permet d'avoir une flamme. Donc on voit qu'entre le méthane et l'hydrogène, il n'y a pas une très grande différence. Par contre, la limite d'inflammabilité supérieure, c'est quelle est la teneur en hydrogène maximale au-delà de laquelle il n'y a pas de combustion. Donc finalement, on voit que l'hydrogène brûle entre 4% et 75%, alors que le méthane va brûler entre 5,6 et 15. Donc on voit bien que l'hydrogène a un domaine d'inflammabilité qui est très grand. Et puis ensuite, il y a un deuxième facteur qui va nous donner un indicateur sur sa dangerosité ou sa capacité à aller vite. Il faut savoir que plus la combustion va vite, plus les surpressions sont élevées. C'est un raccourci, mais qui décrit assez bien le comportement. Et là, on voit qu'on a à peu près un facteur 10 entre la vitesse maximale de l'hydrogène et la vitesse maximale du méthane. Ensuite, les énergies minimales d'inflammation. 20 microjoules, il faut savoir que c'est tellement faible que si on a une étincelle entre nous quand on se charge électriquement, c'est suffisant pour enflammer l'hydrogène. Donc il va s'enflammer avec des énergies extrêmement faibles. Pour le méthane, eh ben, il faut 15 fois plus à peu près. Donc, et puis il y a un paramètre qui est très important, qui est ce qu'on appelle le délai d'auto-inflammation, qui est une caractéristique qui permet de caractériser la détonation, et je reviendrai dans les slides suivants sur la définition de ce que veut dire une détonation. Et finalement, si on veut initier directement cette détonation, et bien on voit que l'hydrogène il lui faut 10 kilojoules, alors que le méthane il lui faut 10 puissance 5. Donc on voit bien que la réactivité de l'hydrogène est beaucoup plus importante que celle du méthane, et c'est pour ça que tout le monde a le gaz naturel, achète une bouteille, ne se pose pas de questions. Par contre, pour l'hydrogène, eh ben, on a une certaine crainte en se disant, ben, finalement, bon, ben, écoutez, ça ne ressemble pas à la mise en forme initiale. C'était juste pour vous donner, finalement, on va regarder le graphique de gauche. Sur ce graphique-là, ce que vous avez, c'est que finalement, la quantité d'énergie que l'on va récupérer quand on a une certaine masse ou une certaine quantité d'hydrogène. Et on voit que quand on compare par rapport aux autres combustibles, ben, pour arriver à augmenter la densité énergétique ou la quantité d'énergie qu'on va récupérer par kilogramme, eh ben, on voit qu'il nous faut de l'hydrogène sous pression ou il nous faut de l'hydrogène liquide. C'est ce qui fait que quand vous avez vu les présentations de ce matin, eh ben on a des réservoirs qui sont entre 350 et 700 bars. Et puis ensuite, pour le cryogénique, je pense que c'était Christine qui avait présenté, eh ben on est obligé de descendre à des températures extrêmement basses, à 21 Kelvin, pour l'avoir sous forme liquide. Donc,
que ça soit la pression, que ça soit la température, on va utiliser une partie de l'énergie pour pouvoir l'utiliser, le rendre utilisable. En fait, finalement, l'hydrogène, si on regarde ses caractéristiques particulières, c'est un gaz qui est très léger avec une diffusivité très élevée. Donc ça va conditionner sa façon de brûler et sa façon de mener à des explosions. Il a une très grande vitesse de flamme, il a une énergie d'inflammation qui est très faible. Par contre, il a quand même des aspects positifs. Il n'a pas de carbone dans sa molécule. Du coup, il y a très peu d'effets radiatifs. Donc typiquement, si vous avez un jet de gaz naturel qui s'enflamme, ou quand vous regardez les torchères en sortie des puits de pétrole, finalement, on ne pourra pas s'approcher parce que le rayonnement est tellement fort, l'air environnant va chauffer. Et du coup, avant de pouvoir s'approcher de la source, on est brûlé ou nos poumons sont brûlés. L'hydrogène n'ayant pas de carbone, eh ben, les effets radiatifs sont beaucoup plus faibles et on va pouvoir se rapprocher beaucoup plus. Donc finalement, les premières interventions sont facilitées lorsqu'on a un incendie à base d'hydrogène par rapport à un incendie de quelque chose qui contient du carbone. Et puis, il n'est pas toxique, donc il diffuse super vite. Ça veut dire que si on est à l'air atmosphérique, eh ben, on n'a pas les mêmes risques que si on est dans un environnement fermé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc finalement, quand on regarde un scénario d'accident, quel qu'il soit, qu'on soit dans une installation de production d'hydrogène avec un électrolyseur, ou qu'on soit dans une installation de distribution d'hydrogène, ou une installation qui est un véhicule ou un chariot élévateur dans une usine, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de comprendre comment le rejet se fait, quelle est la taille de la fuite, comment ça va se disperser, est-ce que c'est un nuage en champ libre, on est à l'extérieur, on est dehors, on a moins d'inquiétude parce qu'il va diffuser super vite, ou est-ce qu'on est en milieu confiné, auquel cas l'accumulation est un problème. On a vu qu'il s'enflammait sur des conditions qui sont très importantes. Est-ce qu'on a un allumage immédiat, et auquel cas c'est une torchère qui vient s'asseoir donc au trou d'orifice, et elle va consommer l'hydrogène. À la limite, plus vite c'est consommé, mieux c'est. Comme ça s'arrêtera. Par contre, si effectivement il y a une fuite et un allumage retardé, et si on est en milieu confiné, alors c'est un problème. Donc, et puis finalement, on a parlé de réservoirs à haute pression, de réservoirs cryogéniques qui sont quand même soumis à la pression, et puis Christine parlait de l'ammoniac sous pression. C'est la même problématique, c'est que si j'ai une rupture de ce réservoir, il va y avoir deux effets différents. Si c'est un gaz à haute pression, non seulement je vais avoir cet effet de blast, cet effet d'onde de souffle qui va se propager dans le milieu, et ces ondes de souffle, eh bien, elles sont destructrices, mais en plus, l'hydrogène comme l'hélium, ce sont les deux seuls gaz pour lesquels, eh bien, quand ils se détendent, la température augmente. Et en plus, l'hydrogène, quand il va se détendre à très haute pression, il va s'auto-enflammer tout seul. Il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de source d'inflammation. Il n'a pas besoin d'étincelles. Il va effectivement mener à cette torchère qui va brûler. Et si on a du cryogénique sous pression, eh ben, l'ébullition brutale de cet hydrogène liquide va aussi fournir une surpression, et puis c'est ce qu'on appelle les explosions de vapeur. C'est un peu Bunsfield pour ceux qui connaissent, où on va avoir un blast très important. Donc je vais définir deux termes qui sont fondamentaux et qui sont fondamentaux pour nous qui faisons plutôt de la combustion. Il y a la déflagration. C'est vrai que dans l'imaginaire de monsieur tout le monde, quand on parle de déflagration ou de détonation, très souvent on associe ça à un tir ou on associe ça à une explosion. Donc on dit j'ai entendu la déflagration d'une explosion, j'ai entendu la détonation d'un coup de fusil. En fait, pas du tout. La déflagration, c'est la flamme. Sympa, mignonne, c'est votre gazinière, c'est la bûche qui brûle dans une cheminée, c'est les pelettes je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Enfin bref, c'est la petite flamme sympa, gentille, subsonique, que je sais maîtriser et qui me plaît bien, et c'est celle que j'utilise généralement pour produire de l'énergie. La détonation, par contre, ça n'a rien à voir. C'est une combustion qui est associée à une onde de choc. La première, elle se déplace à quelques mètres par seconde. La deuxième, elle se propage à plusieurs kilomètres par seconde. La première génère des niveaux de pression qui sont généralement gérables, entre 4 fois et 5 fois la pression initiale, dans un volume fermé.
quasiment pas d'augmentation de pression quand on est en milieu ouvert. La deuxième, que ça soit en milieu ouvert ou en milieu fermé, la pression est multipliée par au moins un facteur 20, voire un facteur 30. Supersonique, ça veut dire que je n'ai pas le temps de parler, que l'onde est déjà arrivée au bout de la pièce, donc avec des effets dévastateurs. Donc, dans tout le reste de la discussion, à chaque fois que je parlerai de déflagration, ce sont des flammes lentes, et la détonation, ce sont des flammes supersoniques. Donc, en réalité, quand on prend un... Donc là, ce sont des illustrations de différents régimes de combustion. Dans les deux premiers, vous avez des flammes plutôt de déflagration, et dans la dernière, des flammes qui se rapprochent de la détonation. Et finalement, quand on prend le domaine triangulaire qui est représenté ici, et qui permet de voir l'impact de l'ajout de la vapeur d'eau pour essayer de diminuer la combustion, on voit qu'on a une péninsule. À l'intérieur de cette péninsule, la combustion va se produire. Et pour arriver à ne plus être capable d'allumer un mélange qui contient de la vapeur d'eau, il faut avoir mis au moins 60% d'eau sous forme vapeur pour ne plus avoir de combustion. Donc, on voit que l'éteindre la combustion n'est pas si simple que ça. Donc, je vous disais, dans les surpressions qui sont liées à de la déflagration, ce sont des niveaux de pression qui sont très faibles en milieu fermé. Et puis, la détonation avec des pressions qui sont très élevées, des ondes de choc qui se déplacent dans le milieu. En réalité, si je veux initier de la détonation, il me faut 10 kilojoules. Pour initier une déflagration, il me faut 20 microjoules. Donc, vous voyez l'échelle d'énergie nécessaire. Dans un scénario d'accident, le premier, c'est vraiment la déflagration, 20 microjoules, c'est réellement accidentel, alors que 10 kilojoules, c'est intentionnel, on est rentré avec un détonateur, on n'est pas dans les mêmes scénarios. Par contre, une flamme, ça adore l'environnement, ça adore les obstacles, ça adore des objets sur son passage, et en fait, quelque chose qu'on a allumé et qui était au départ une déflagration va très vite se transformer en détonation. Et c'est ce type de scénario qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est ce type de scénario qui sont désastreux dans le cadre d'un accident. Donc on a besoin de comprendre qu'est-ce qui nous amène à cette transition depuis la déflagration vers la détonation. Donc, écoutez, je suis désolée, il y a des choses qui ont changé. Donc, bon. Donc pour résumer, lorsqu'on veut évaluer un risque d'explosion, lorsqu'on évalue un scénario, la première des choses, c'est de regarder... est-ce que je suis capable de l'enflammer ? Ça veut dire que j'ai besoin de comprendre quel est le domaine dans lequel il peut brûler, quels sont le type de sources d'inflammation que je peux avoir, et puis ensuite, est-ce que j'ai les conditions pour avoir une auto-inflammation et donc une détonation ? Ensuite, j'ai besoin de comprendre quelles sont ces propriétés vraiment fondamentales qui caractérisent la combustion indépendamment du milieu dans lequel on la prend. Donc, et c'est ce qu'on appelle le régime laminaire. On a besoin de caractériser sa vitesse de flamme, la manière avec laquelle cette combustion va s'installer. Et ensuite, on a besoin de comprendre comment elle peut s'accélérer, soit d'elle-même, et donc je vais vous montrer que l'hydrogène ne se propage pas à la vitesse de flamme laminaire, déjà de lui-même, parce qu'il est très léger, parce qu'il diffuse très vite, c'est une flamme qui est caractérisée par des instabilités, et ces instabilités vont être un booster, c'est de la vitamine C pour la flamme, donc elle va augmenter considérablement sa combustion. Et ensuite, la turbulence qu'il y a dans le milieu. Et puis finalement, aller regarder quels sont les scénarios ou quels sont les phénomènes qui nous amène à une accélération de flammes et à une transition vers des flammes rapides, et ensuite des flammes rapides vers la détonation. Donc en fait, il faut savoir qu'une flamme, quand vous regardez la flamme de bec benzène ou la petite flamme que vous avez sur votre brûleur, l'épaisseur de la flamme, elle est très inférieure au millimètre. Donc elle est la zone où toutes les réactions se produisent, où votre gaz naturel se transforme en vapeur d'eau et CO2, ou l'hydrogène qui se transforme en vapeur d'eau, c'est extrêmement petit. Et les échelles de temps, c'est de l'ordre de la microseconde. Donc, pour les phénomènes les plus rapides et pour la centaine de microsecondes pour les phénomènes les plus lents. Donc, en fait, on a des échelles de temps et spatiales qui caractérisent la combustion qui sont très petites. Et puis, à côté de ça, si par exemple on s'intéresse aux installations nucléaires ou à des installations industrielles de grande dimension, on a vu ce matin des photos d'installations de ces gigafactories, on va se retrouver avec des dizaines de milliers de mètres cubes. Et il va falloir
faire de la simulation, parce qu'on peut, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire des expériences à échelle réelle. Donc on va très vite se retrouver avec la nécessité de faire des simulations avec des résolutions très faibles et qu'on ne peut pas faire à grande échelle, ou alors on tacle les problèmes de grande échelle et on va avoir des mailles qui sont de l'ordre du mètre. Donc vous imaginez bien que quand l'épaisseur de flamme est inférieure au millimètre, on ne peut pas résoudre la combustion. Donc en fait, il va falloir avoir des codes et avoir des modèles qui ont la capacité de simuler toute la finesse de la combustion que l'on ne peut pas représenter dans les modèles à grande échelle. Donc je vous disais que les études qu'on a faites initialement étaient liées à l'industrie nucléaire, mais il n'y a pas que dans l'industrie nucléaire. Donc on pense aux installations nucléaires elles-mêmes, mais on a aussi toute la problématique des déchets nucléaires, la probabilité, les problèmes liés à ITER, dans la propulsion navale nucléaire. En fait, dans toutes ces industries-là, il y a de la production d'hydrogène et il faut en tenir compte dans les études de sûreté. Pour ça, donc, ce sont des installations, donc je vais présenter essentiellement des études expérimentales qui vont nous permettre d'étudier chacun de ces stades, comment le mélange s'enflamme, comment il s'accélère, comment il transite, et arriver à donner des modèles qui seront utilisés dans des codes industriels pour évaluer la sûreté dans une configuration particulière, mais aussi d'aller regarder les méthodes de mitigation. C'est bien parce que je comprends comment l'explosion se produit que je suis capable, dans ces cas-là, de voir comment l'arrêter si jamais elle est initiée. Quels sont les moyens que je pourrais mettre à ma disposition. Donc ça, ce sont différentes installations, mais vous allez les voir dans les transparents suivants, et donc je les détaillerai à ce moment-là. Donc en fait, la première des choses qui nous intéressait, c'est le nuage quand il est formé, quel est son domaine de dangerosité ? Quand est-ce que je peux dire que j'ai des surpressions qui sont suffisamment élevées pour que dans mon scénario, je puisse trouver impérativement des solutions de remédiation pour ne pas laisser cette explosion se développer ? Donc là, vous avez à droite, donc ce sont des enceintes sphériques qui ont différents volumes, qui tiennent des pressions élevées, qui ont des inflammations centrales, et donc vous avez gauche pour vous, à gauche un système avec de l'inflammation, un mélange qui s'enflamme, et puis à droite un mélange où on voit que l'énergie a été suffisante pour initier la combustion, mais elle n'est pas capable d'aller d'elle-même jusqu'au bout. Donc ce sont des études avec énormément d'essais, parce que ce sont des probabilités d'inflammation, et à partir de ces probabilités d'inflammation, on peut en déduire le comportement du mélange. Le problème, c'est que quand on regarde dans les domaines d'inflammabilité, vous avez toute une jaune orange là, pour laquelle la combustion, elle a bien lieu. Mais elle est tellement faible, elle est tellement lente, qu'en réalité, elle génère très peu de surpression. Donc finalement, on va pouvoir, dans ce domaine, dans cette représentation que je vous avais déjà montrée, où on a un domaine qui est plutôt pauvre, donc on a très peu d'hydrogène dans le milieu pour lequel la combustion est incomplète, on voit la flamme qui monte vers le haut et c'est tout. Et puis, par rapport au côté riche, où là, si ça s'enflamme, eh bien, on va avoir directement une explosion qui va être dommageable. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de faire de simuler ces limites d'inflammabilité ? Donc, je vous disais tout à l'heure, la combustion, c'est rien d'autre que des réactions chimiques dans un milieu, prises dans un environnement donné. Donc, théoriquement, la cinétique devrait pouvoir me permettre de déterminer des limites d'inflammabilité. Je vais rechercher les conditions pour lesquelles la chimie vaut zéro, il n'y a aucune évolution. En fait, on réalise que pour l'hydrogène, ça nous donne des limites qui sont bien supérieures à celles qu'on observe expérimentalement. Et c'est possible, pourquoi ? Parce que l'hydrogène diffusant très vite, en réalité, on va avoir une augmentation de la température des gaz brûlés, on va avoir une combustion qui va être favorisée par cette diffusion, et la cinétique, elle, toute seule, n'est pas capable de prédire les limites d'inflammabilité. On doit tenir compte de cette diffusivité préférentielle. Le fait qu'il soit léger et qu'il diffuse vite modifie son comportement et fait que la chimie est mise en défaut. Ensuite, vous avez vu que selon la teneur en hydrogène, en fait, on va avoir des flammes qui sont très limitées, avec des vitesses très lentes et des augmentations de pression qui sont très faibles. C'est ce qui est en bleu-gris à gauche. Et puis des combustions qui vont être beaucoup plus complètes, beaucoup plus rapides, et du coup avec des surpressions élevées. Et effectivement, si on trace l'évolution de la pression maximale qui est capable de délivrer le système par rapport à la pression théorique, donc en fait c'est les points violets par rapport aux points orange, on voit qu'on a tout un domaine
pour lequel, bah, même si ça brûle, c'est pas très grave. Donc il se passera rien. Donc si vous me permettez l'expression, ça sera un pétard mouillé. Il se passera rien. Donc finalement, quand on est sur des évaluations d'explosion, la limite d'inflammabilité à 4% n'est pas la limite de sévérité de l'explosion. L'augmentation de la pression, elle, elle ne sera visible qu'au-delà de 8% d'hydrogène dans l'air. Ce qui donne quand même une marge de sécurité quand on, selon le système auquel on s'intéresse. Ensuite, eh ben, tout ça, c'est du laminaire, tout est parfait, c'est vraiment le cas idéal qu'on ne rencontre jamais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, le gaz bouge, il est en mouvement, il y a tout un tas de perturbations. Et donc les chercheurs, en général, ce qu'on aime bien, c'est des conditions aux limites qu'on connaît bien, des conditions qu'on maîtrise, on sait exactement ce qu'on a mis dans le milieu. Donc là, ce sont des enceintes qui ont des ventilateurs qui permettent de générer une turbulence que l'on contrôle parfaitement. Ensuite, on enflamme et on regarde comment est-ce que la combustion se propage dans le milieu. Hein ? Bon, je ne sais pas. C'était censé vous montrer une flamme laminaire qui brûle quasiment pas et une flamme turbulente qui, elle, en présence de turbulence, en fait, elle va brûler et elle va consommer tout l'hydrogène. Donc, du coup, ça va donner une augmentation de la pression, et d'où l'importance de caractériser le comportement de l'hydrogène dans des conditions plus réalistes. Donc, ensuite, la question qu'on se posait, c'était finalement les sprays d'eau, comment ça agit ? Si j'ai une flamme d'hydrogène, est-ce qu'un spray d'eau, c'est une bonne idée ? Un spray d'eau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai des gouttelettes qui ont une vitesse initiale, donc elles sont en mise en mouvement. Et il faut bien imaginer que le but du jeu, c'est de refroidir le milieu et d'arrêter la combustion. Mais en même temps, la combustion, si vous lui dites que le milieu est en mouvement et qu'elle va se déplacer dessus, c'est comme un surfeur sur sa planche, il va aller super vite. Donc du coup, elle va beaucoup apprécier, elle va s'accélérer. Le but du jeu, c'était de comprendre dans quelles conditions on va vraiment avoir une modification des limites d'inflammabilité, une modification de la dynamique des flammes. Et on voit que malgré le fait qu'on mettait des quantités d'eau assez importantes, on n'a modifié qu'à la marge les limites d'inflammabilité. Le spray d'eau n'a pas modifié grand-chose sur la combustion, sur la capacité de l'hydrogène à brûler. Au contraire, dans certaines fois, il a favorisé. Donc là, c'est un scénario de centrale nucléaire, d'accident dans une centrale. On a des mélanges hydrogène-air-vapeur d'eau qui ne s'enflamment pas. Mais en même temps qu'on produit cet hydrogène et cette vapeur d'eau, on produit beaucoup d'aérosols radioactifs. Et le but du jeu, c'est de rabattre les aérosols au fond du bâtiment, parce que si jamais on a un défaut de ventilation, que les aérosols ne se retrouvent pas à l'extérieur. Le deuxième aspect, c'est qu'on veut absolument refroidir le milieu, parce qu'on veut maintenir la pression à l'intérieur de la centrale en dessous d'un certain niveau pour ne pas avoir de problème de tenue du bâtiment. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que quand on est les points noirs, ils sont en dehors de la péninsule, ils ne brûlent pas. Et quand on a mis en action la vapeur d'eau, eh bien on est systématiquement re-rentré dans le domaine d'inflammabilité et on a systématiquement brûlé. En réalité, quand on a refroidi, on a condensé l'eau. Quand on a condensé l'eau, on s'est retrouvé avec des mélanges hydrogénaires plus riches. Les mélanges hydrogénaires plus riches ont brûlé. Donc, eux, ils avaient toutes les conditions adéquates. Et ensuite, eh bien, la question qu'on se pose, c'est qu'une fois que j'ai fait ce mélange qui s'est enflammé, qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'il va s'accélérer et transiter vers la détonation ou pas ? Donc, pour ça, donc on va faire différents essais, encore une fois, pour essayer de caractériser la déflagration lente, la déflagration rapide, donc la transition de l'un vers l'autre, et puis ensuite la transition de la déflagration rapide vers la détonation, avec des effets de pression, comme je vous disais, qui étaient très importants. Donc la première des choses, c'est de regarder si la flamme d'hydrogène, quand elle brûle toute seule, eh ben en fait, elle va augmenter sa vitesse et elle va augmenter sa vitesse considérablement. Je vais le faire avec les doigts parce que j'ai pas de pointeur. Donc en fait, la flamme se propage le long de la courbe comme ça, tant qu'elle est laminaire et elle n'a pas d'instabilité qui apparaisse. Dès que les instabilités apparaissent, en fait, on a une augmentation drastique de la vitesse. Et on n'a pas mis de turbulence, le milieu est quiescent. La flamme s'est déstabilisée d'elle-même. Et on se retrouve avec des vitesses de flamme. Tout à l'heure, je vous disais, la vitesse maximale est autour de 3 mètres par seconde. Juste avec ce mécanisme, on va aller à 6, 10, 20, 30 mètres par seconde, alors qu'on n'a absolument pas mis de turbulence dans le milieu. Donc ça, c'est la première caractéristique.
La deuxième qui va nous intéresser, c'est que quand on met un niveau de turbulence donné, donc la turbulence pour nous, on caractérise les fluctuations de vitesse, les fluctuations d'échelle des tourbillons, et on regarde quel est leur comportement. Donc vous allez voir, là, sur le long d'une colonne, c'est le pourcentage d'hydrogène qui augmente, et le long d'une ligne, c'est la vitesse turbulente, l'intensité de turbulence qui augmente. On va voir des flammes qui vont se propager de plus en plus vite, qui augmentent considérablement leur surface, et qui vont se propager à des vitesses de flammes qui vont atteindre 200-300 mètres par seconde. Donc on va avoir des flammes qui vont être extrêmement rapides, et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est... On a regardé les conditions pour lesquelles on avait quelques mètres par seconde, les conditions pour lesquelles on va arriver à une centaine de mètres par seconde, et puis on veut savoir si on est capable d'aller jusqu'à la détonation. Pour ça, on utilise une installation différente qui s'appelle ENAX-F2, qui est à peu près 8 mètres de haut, qui fait à peu près qui fait 230 mm de diamètre et qui peut être équipée d'obstacles. Et donc là, on voit, elle a de très nombreux diagnostics qui nous permettent de caractériser et l'accélération de la flamme et les niveaux de pression qu'on atteint. Donc en fait, on voit que même pour des mélanges qui sont extrêmement pauvres, donc là, c'est typiquement un mélange à 13% d'hydrogène dans l'air, la richesse, elle est 0,32, c'est très bas, on atteint 600 mètres par seconde. 600 mètres par seconde, ça veut dire que la flamme va générer des ondes de choc. Elle va plus vite que le son. C'est comme un avion qui va plus vite que le son. Elle va générer des ondes de choc et ces ondes de choc vont interagir avec les structures. Donc, ce sont des flammes qui sont destructrices. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la détonation. Je n'ai pas besoin d'aller à 2000 mètres par seconde. On a déjà des flammes qui sont problématiques. Donc cette installation, je vous disais qu'elle avait de très nombreux diagnostics. On est capable de caractériser la combustion dans cet espace qui peut être chauffé jusqu'à 200 degrés, qui peut tenir des pressions très élevées et dans lesquelles on a tout un tas de visualisations, que ce soit par des photodétecteurs, des détecteurs de choc et des sections de visualisation. Quand on regarde ici l'impact... Oui. Ah oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on va. Non, mais allez-y, t'as conclusion quand même. Oui. Non, je vais aller à celle-là parce que j'ai fini. Donc, les études qu'on a faites montrent plusieurs choses. La première des choses, c'est que finalement, l'hydrogène a des particularités, certes, mais il n'est pas plus dangereux que les autres combustibles. En 2005, il y a eu l'accident à Bunsfield, en Angleterre, où c'est un dépôt de carburant. Et ce dépôt de carburant, toute l'installation a été détruite. Il y a eu une quarantaine de personnes de blessées. C'était à un moment, c'était très tôt le matin, je crois, et donc il n'y avait pas beaucoup de personnel sur cette installation. Il n'y a pas eu de mort, mais on imagine bien que dans d'autres considérations, il y aurait eu certainement plus d'incidences que ça. Donc, par contre... L'hydrogène a des particularités, il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte dès la conception. Donc, il faut, dès la conception des structures et des systèmes, lors de leurs exploitations, bien identifier les moyens de mitigation qui soient adaptés et des barrières de sécurité. Et puis, dans la mesure du possible, il faut éviter l'accumulation de l'hydrogène par différents moyens. C'est l'accumulation d'hydrogène qui pose problème. Donc, et puis, la prévention des accidents graves, je vais enfoncer... une porte ouverte, ce qu'a présenté M. Hissel. Effectivement, il faut vraiment avoir une bonne préparation des personnes, une bonne indication sur les plans, les installations. Il faut être capable d'avoir des logiciels et d'investir dans de la simulation pour pouvoir simuler les accidents et puis avoir une idée de la manière avec laquelle les moyens de mitigation peuvent être mis... Et puis, je vais passer directement là. Parce que ce travail, c'est un effort de longue haleine. Avec toutes les personnes en bleu ne sont plus au laboratoire, travaillent maintenant, mais ont fait leur doctorat ou leur post-doctorat dans l'équipe sur la sécurité hydrogène. Ceux qui sont en noir sont encore là. Et puis, je voudrais quand même, reconnaître ces travaux plusieurs décennies, ça a été vraiment avec une collaboration très importante avec l'IRSN et je voulais qu'on acknowledge, je ne sais plus comment on dit, les reconnaître dans cette partie où leur connaissance sur les grandes échelles est unique. Merci beaucoup.
Alors, sur ce sujet que nous attendions, je vais vous proposer de vous remettre bien, bien au centre de la scène pour les questions, voilà. Et donc, je vais proposer d'ouvrir le débat. Je vous passe la parole, Monsieur Giraud. Voilà. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Vous avez montré beaucoup de résultats expérimentaux qui sont vraiment bluffants. Qu'en est-il de la simulation ? Est-ce qu'on peut simuler tous ces phénomènes ou c'est trop complexe ? En fait, ça dépend. Si le système auquel on s'intéresse, la simulation, pour faire simple, ça peut aller de la DNS. La DNS, je ne fais aucune hypothèse sur rien. Je suis capable de résoudre toutes les équations, je suis capable de tenir compte de tout. Ça, on le sait le faire, allez, à l'échelle de la dizaine de centimètres. Donc vous imaginez bien que quand vous avez votre station-service ou vous avez une centrale nucléaire ou vous avez un électrolyseur, un gigafactory, ce n'est pas envisageable. Ensuite, on a des calculs CFD. Dans ces calculs CFD, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une partie qui résout vraiment les équations et puis il y a une partie où c'est des modèles. Donc on va supposer que ça se comporte d'une certaine façon. Ensuite, quand on veut simuler 80 000 mètres cubes, eh bien, en fait, on va encore avoir un troisième type d'outils qui sont des simulations globales, des lumped parameters. Dans le CFD, dans le lumped parameter, il faut absolument avoir des modèles qui représentent la physique et la chimie. Ça veut dire que ce sont souvent des équations qu'on rentre, analytiques, mais qui doivent avoir un comportement tel qu'attendu si jamais le partenaire les utilisait dans un domaine un peu différent de celui pour lequel ils ont été validés. Donc la grande difficulté, c'est quand on produit des données scientifiques avec une certaine, Myriam en avait parlé tout à l'heure, avec une certaine connaissance bien maîtrisée au laboratoire, puis ensuite on publie ou on donne à nos partenaires, et puis ben, moi je le connaissais très bien pour telles conditions. Ben, si vous extrapolez, ben non. Donc la difficulté, c'est vraiment lorsqu'on donne des équations globales ou lorsqu'on définit un fonctionnement global, de garder en mémoire que les asymptotes devraient être physiques, que quand on va l'extrapoler, ils ne sortent pas une valeur complètement dans les choux. Donc dans les partenaires ou dans les, qui s'intéressent à la sécurité hydrogène, ben, vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des codes qui sont très grossiers, qui vont être valables pour caractériser un régime de combustion particulier, mais pas avoir une vue très détaillée. Et puis, vous aurez d'autres codes qui seront très détaillés, mais qui peuvent calculer en caricaturant une cocotte minute, quoi. Donc, à l'échelle de l'installation industrielle, c'est plus compliqué. Donc, vous avez de tout. Ensuite, vous avez des organismes, donc je pense à l'IRSN, je pense au CEA, je pense à l'Air Liquide, une entreprise, pour lesquelles les développements des codes et la maîtrise des outils s'est faite sur de très nombreuses années. Donc du coup, ils ont acquis une expérience de la simulation ou de la prédiction d'un accident qui est quand même très importante. Et je trouve que l'industrie nucléaire et l'industrie du spatial a fait un très gros effort sur l'utilisation de l'hydrogène. Ce serait dommage de s'en passer en tant que société avec un grand S. Ce n'est pas parce que l'hydrogène a été étudié dans une centrale nucléaire qu'il ne s'applique pas à la station-service qu'il y a à CDG. Donc, l'hydrogène, c'est l'hydrogène. Lui, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontières, il n'a pas... Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment... Merci. Alors, vous avez monsieur qui est au centre de la salle, va poser une question. Voilà, allez-y. Oui, Christian Adjé, CEA. Donc, une question en ayant... Pardon. Ah, merci, je vous cherchais, excusez-moi. En plus, j'ai la lumière dans les yeux, donc... Oui, non. Une question concernant, en ayant travaillé un petit peu dans ces problématiques-là, il y a quelques années, on s'était aperçu que lors de transitoires de baisse de pression, lors d'une fuite, on favorisait l'explosion, finalement. On avait cherché des explications du côté de l'Ineris ou de l'Air Liquide, d'ailleurs, des explications, on n'avait pas vraiment eu de réponse et pas de compréhension là-dessus. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, on présentait les mécanismes d'explosion avec des mécanismes radicalaires, en fait. Est-ce que là-dessus, il y a eu de la modélisation? Parce qu'à l'époque, ça paraissait un petit peu les mécanismes propres pour passer à l'explosion était plutôt complexe finalement et pas toujours bien compris. En fait, le problème de l'hydro... Je vais juste vous demander, m'assurer que j'ai bien compris la première partie de la question. Quand vous parlez d'abaissement de pression, vous parlez d'un réservoir sous pression. C'est ça.
D'accord. Dans un réservoir sous pression, en fait, je ne sais pas si vous avez la notion d'un tube à choc. Un tube à choc, c'est un appareil qui permet de produire des ondes de choc d'une manière très facile. Donc, on met un gaz sous pression, on le détend rapidement dans un tube, et en fait, en se détendant, il va générer des ondes de compression. Ces ondes de compression vont se rapprocher, vont se courir après, les unes derrière les autres, elles vont générer un choc droit, et ce choc droit va se propager dans le tube. L'hydrogène sous pression, il se comporte comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il est sous pression et dépressurisé, il va former cette série de chocs et il va former ce qu'on appelle une surface de contact avec l'air. Donc lui, il va être à température plutôt basse. Ce choc va chauffer l'air et la diffusion à la surface de contact entre l'hydrogène et l'air. Eh bien, c'est ça votre allumette, et c'est ça qui va allumer. Et du coup, on va se retrouver avec un auto-allumage simplement par dépressurisation. Et il est aidé par le fait que l'hydrogène, quand il est dépressurisé, sa température monte. Vous savez, pour n'importe quel gaz, on dépressurise, la température chute, pas pour l'hydrogène. Donc lui, il ne va pas être refroidi à cause de la dépressurisation, et le choc va chauffer l'air, et vous avez la diffusion moléculaire entre ces deux interfaces, et c'est suffisant donc pour enflammer. La deuxième partie, donc en fait la cinétique chimique de l'hydrogène, donc tout le monde écrit H2 plus 1,5 de O2 donne H2O. Donc la réalité n'est pas vraiment ça, c'est à cause de l'énergie qu'il y a dans le milieu, ça peut être la question de la température, ça nous avait été présenté ce matin. H2 va se décomposer et il va donner 2H. Ensuite le H, super rapide, super léger, beaucoup d'énergie, il va attaquer l'oxygène, le O2, et il va lui arracher un O. Et il va faire OH plus O. Donc ensuite, le H, le OH et le O, eh ben, ils vont réinteragir avec le H2, avec le O2, et imaginer toutes les combinaisons possibles et imaginables jusqu'à ce qu'on arrive à H2O. Ça, c'est la cinétique chimique détaillée. Quand on explique les limites d'inflammabilité, quand je sais que ça va brûler ou ça ne va pas brûler, je regarde à quelle vitesse je produis les radicaux, parce qu'eux sont tellement rapides, tellement énergétiques, qu'ils vont maintenir la combustion, par rapport aux réactions de terminaison, ou au contraire, je prends H et OH et je fais H2O. Et à chaque fois que je fais H2O, j'arrête la réaction. La limite entre le fait d'emballer ou le fait de réduire dépend de la pression et de la température. Et c'est un système qui est extrêmement complexe. Quand on est proche de la pression atmosphérique, donc on va dire un peu inférieur à la pression atmosphérique et à 2-3 bars, on change de domaine non-stop, ça dépend de la pression. C'est ce qui rend très difficile les évaluations si on essaye de donner une chimie globale en disant H2 plus 1,5 O2 donne H2O, parce que ça ne reproduit pas la combustion de l'hydrogène. Donc c'est toujours de la chimie radicalaire. Il faut faire des radicaux pour arriver à avoir la propagation de chaîne et pour avoir la combustion. Et il faut toujours la recombinaison de ces radicaux pour donner H2O. Vous me direz, hydrogène, on en discute depuis longtemps. N'empêche que pour les limites d'inflammabilité, on réalise qu'on ne connaît pas si bien que ça la chimie de l'hydrogène. Et on ne parle que de H2. Non, ne parlons pas des molécules qui sont plus complexes. Allez, on prend vite les quatre dernières questions, parce qu'il y en a quatre. Donc, monsieur en haut, deux personnes ici et monsieur au centre de la salle. Je vais essayer de faire des réponses allez-y, courtes. On essaie des réponses rapides, vous êtes gentils, comme oui, ça, ça nous permet de... Allez-y. Très rapidement, et pardon, c'est peut-être extrêmement naïf. Voilà. Si on est dans des conditions de vide partiel, est-ce que ça change significativement ce que vous nous expliquez de façon très détaillée et passionnante? En fait, votre question, c'est si j'abaisse la pression totale dans le milieu, au lieu d'être à 1 bar, je suis à 0,5 bar ou je suis à 0,2 bar. En fait, il va y avoir une pression minimale en dessous de laquelle la combustion ne peut pas se produire. La flamme ne peut pas se propager. L'auto-inflammation, c'est quelque chose qui peut toujours se produire. L'impact de la pression sur les régimes de combustion est très importante et elle n'est pas monotone. Donc du coup, à chaque fois, il faut avoir une bonne connaissance de la cinétique détaillée pour pouvoir la prédire. C'était court. Super. Deux questions là, monsieur. S'il vous plaît, ce matin, on a eu le professeur Christine Roussel qui nous a parlé de l'ammoniac et de l'avantage de l'ammoniac. Est-ce que dans un cycle industriel où on fabrique de l'hydrogène et de l'ammoniac derrière, il y a toujours un risque d'explosion de l'hydrogène? Donc en fait, ça, c'est la question qu'on nous pose souvent, c'est
L'hydrogène brûle à 3 mètres par seconde, l'ammoniac brûle à 7 cm par seconde. Est-ce que quand j'allume, l'hydrogène va brûler plus vite? Ce que vous brûlez, c'est un système bifuel, si vous voulez. Vous avez et de l'hydrogène et de l'ammoniac. Donc ça, vous n'allez pas modifier considérablement les propriétés de combustion si vous avez beaucoup d'hydrogène. Ma question était différente. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un stockage d'hydrogène si on fait le cycle complet? Très rapidement, s'il vous plaît, parce que vraiment, chacun doit pouvoir poser sa question. Allez-y. La réalité, c'est sur un coût énergétique, je fais du H2, que je transforme en NH3, je le transporte, je reprends le NH3 et je fais du H2. Il faut se poser la question. L'Air Liquide exploite 900 km de réseau de tubes hydrogène dans le nord de la France, à la frontière avec la Belgique, depuis des décennies. Allez-y, monsieur. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je voulais juste signaler, et surtout parce que c'est local, bien sûr, donc, en fait, on applique les règles que vous avez dites, hein, puisqu'aujourd'hui, des dizaines de milliers de voitures roulent à travers le monde. Il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, à ce jour, un suraccident lié à l'hydrogène. Exactement. Donc, on applique vos préceptes, et c'est très important d'avoir des analyses complémentaires pour encore mieux comprendre. Mais je voudrais juste signaler qu'ici, à Aix-en-Provence, il y a l'ENSOSP, l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, oui. Et dans le cadre d'un projet européen, AirResponse a développé un module de formation pour les interventions des sapeurs-pompiers à un accident hydrogène. Et je pense que ça valait juste la peine de souligner. Voilà, ça c'est concret ici sur Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Oui, il y avait un des transparents qui parlait de AirResponse et de High Tunnel en disant qu'il faut relativiser les choses, l'hydrogène n'est pas si gravissime que ça. On ne s'inquiète pas du plombier qui ramène de l'acétylène à la maison. Hein. Allez, la dernière question de ce débat passionnant, c'est monsieur, allez-y. Il est au centre, voilà. Allez-y, monsieur. Je suis désolée. C'est bon. C'est une question sur les modèles de combustion sur lesquels vous avez évoqués et qui sont très complexes. Est-ce qu'il y a des possibilités ou des débuts d'utilisation des réseaux de neurones dans ce contexte-là? Tout à fait. En fait, dans les réseaux de neurones, ce qui va nous intéresser, c'est à partir d'une imagerie, les images que je vous ai montrées, à partir d'imagerie, est-ce que je suis capable de remonter au régime de combustion? Est-ce que je suis capable de répondre à une simulation en leur apprenant à considérer différentes conditions, différentes situations, et à essayer de me prédire? Parce qu'en fait, le nerf de la guerre dans une combustion, c'est l'augmentation de la surface de la flamme. Si je suis capable de prédire de combien la flamme augmente sa surface, je suis capable de prédire de combien son accélération elle sera. Donc oui, tout à fait. Donc c'est pas une réponse à tout, mais ça aide énormément. On peut, je crois, vraiment applaudir son intervention. Merci beaucoup. C'était super. Et je suis sûr que ça a inspiré Frédéric. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous a concocté. Alors notre dessinateur, Frédéric. Eh ben oui, voilà. Ça rappelle des souvenirs. Alors je ne sais pas si les saucisses de Montbéliard sont au programme de la pause, mais enfin maintenant, donc, on va marquer un petit temps de rafraîchissement. Assez court quand même, hein, donc quand on vous fera signe de revenir dans la salle, on a quelques minutes de retard, on vous demande de le faire rapidement pour les dernières interventions, la keynote, la cinquième de l'après-midi, et puis ensuite on aura le premier débat. Merci, à tout à l'heure. Voilà, eh bien écoutez, merci de nous avoir rejoints après cette pause. Donc c'est la dernière ligne droite de cette première journée, mais quelle ligne droite, hein, avec une intervention et puis ensuite la première des deux tables rondes de cette édition, 13e édition des tables rondes de l'Arbois. Donc je vais proposer tout de suite à Laurent Anthony de prendre le plateau. Il est directeur exécutif de l'IPHE, avec lui on va parler international et l'hydrogène au service de l'environnement et de l'économie. Je vous passe tout de suite la parole, Laurent, si vous voulez bien venir me rejoindre. Regardez, vous avez ici le micro. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette invitation en particulier. Merci Abdou.
Donc aujourd'hui, je vais peut-être prendre la zapette aussi. Elle est là. Voilà. Donc l'hydrogène au service de l'environnement et de l'économie. Les deux. Alors, comme je disais, j'ai deux petits dessins. Ce n'était pas pour faire concurrence à notre dessinateur aujourd'hui. Mais voilà. Donc, le sommaire aujourd'hui, c'est effectivement, on est dans un contexte international qui évolue très vite. Et on essaie de créer un marché international. On a une vision globale, mais après, il faut la mettre en œuvre, et ceci à partir d'actions locales. C'est le fameux Think Global, Act Local. Et j'essaierai de vous présenter, justement, quel est le rôle des collaborations multilatérales internationales pour accélérer ce développement de l'hydrogène. Alors, un contexte international qui évolue très vite. Il n'y a pas d'animation, mais c'est juste pour dire effectivement l'hydrogène au service de l'environnement et de l'économie. On a beaucoup parlé aujourd'hui du changement climatique, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, trouver des carburants et des énergies alternatives. Mais on a peu parlé aujourd'hui de l'impact sur la santé, et notamment la pollution atmosphérique, la pollution sonore. Donc il y a aussi, dans cette transition énergétique, avoir cet impact, comment améliorer notre santé. Et là, vous verrez, l'hydrogène a son rôle à jouer. Et économique, accessibilité à l'énergie, et aujourd'hui c'est encore plus critique, hein, avec les soucis qu'on a au niveau européen, on a vu l'explosion des prix. Donc la souveraineté énergétique devient de plus en plus clé aussi. Et il faut assurer non seulement cette souveraineté, mais aussi le fait d'assurer que tout citoyen, et c'est un des objectifs du Green Deal européen, c'est que tout citoyen ait accès à l'énergie à un prix acceptable. Et enfin, économie, justement, qui dit développement de nouvelles technologies, dit aussi création d'emplois. Et là, on voit toute l'importance d'être leader dans les nouvelles technologies. Donc vous voyez, à la fois environnement et économie de manière totalement complémentaire. Alors bien sûr, depuis Kyoto, vous me direz, il y a plein de choses qui ont été faites. On voit bien le chemin, et que notamment un point particulier qui était la COP21 à Paris. Mais en termes d'émissions globales de CO2, on ne voit pas vraiment l'impact de toutes ces actions depuis Kyoto. La décroissance, c'est lié au Covid, mais on sait bien que depuis, on a rattrapé la courbe précédente. Donc il faut agir encore plus. Alors agir plus, l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, a fait des scénarios. Comment arrivera-t-on à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et je pense que c'est important de faire la différence entre neutralité carbone et zéro émission. On ne sera jamais zéro émission, mais on essaie d'être neutre en émission. Donc il y a différents scénarios, tels que vous les proposez, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces scénarios ont la même vision que nous allons vers une électrification. Un facteur 2, un facteur 3 à l'horizon 2050, en fonction des scénarios, mais dans tous les cas, nous allons augmenter notre consommation électrique. Aujourd'hui, c'est à peu près 25%. Si on multiplie par 2, on va arriver à 50, 60%. Quid du reste? Donc l'électricité ne fera pas tout et ne peut pas tout faire. Un camion électrique qui fait 1000 km, peut-être pour transporter des chips, mais sinon on aura un problème de masse et de volume. Donc voilà. Et si ce qui conduit, il faut trouver des solutions alternatives, mais tout aussi respectueuses de l'environnement. Et c'est là que l'hydrogène intervient. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau international, il y a un consensus pour dire que on ne pourra pas se passer de développer l'hydrogène pour atteindre ces neutralités carbone. Ce qui ne veut pas dire, et c'est précisé tout à l'heure, c'est pas la silver bullet, comme on dit en bon français, c'est pas la solution miracle, mais c'est un élément que l'on doit considérer dans le schéma énergétique pour atteindre cet objectif. Et généralement, on aime bien le considérer, l'hydrogène, c'est la deuxième jambe de la transition énergétique. Je vous laisse le choix entre la jambe droite et la jambe gauche, mais il faut deux jambes pour avancer. L'hydrogène et l'électron sont ces deux jambes pour aller vers cette transition énergétique. Alors, à quelle teneur? Aujourd'hui, l'hydrogène, au niveau de la consommation énergétique mondiale, c'est un peu moins de 1%. Les prévisions, là, vous voyez les prévisions en fonction des instituts qui font ces modélisations, entre 12 et 22%, donc ce qui est quand même significativement beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et là, vous voyez, du bleu, du vert, du jaune, moi je suis daltonien donc j'ai du mal à voir les couleurs, mais on voit que entre 12 et 25%, la partie électrolytique est assez importante, et quand on regarde quelle va être la quantité d'électricité nécessaire à produire cet hydrogène, selon l'IRENA, donc c'est l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, en fait c'est à peu près la consommation de l'électricité mondiale d'aujourd'hui. Donc on voit bien cette augmentation nécessaire pour produire tout cet hydrogène électrolytique. Grande consommation d'électricité. Alors ça, c'est une des chances
pourquoi l'hydrogène se développe un peu partout dans le monde ? Bah, finalement, parce que tout le monde sait le faire et tout le monde peut s'en servir. Tout le monde sait le faire, il y a différentes manières, et ça a été déjà abordé ce matin, il y a plein de voies de production d'hydrogène. Et finalement, que j'ai produit l'hydrogène à partir de gazification du charbon, de vaporeformage du méthane, de l'électrolyse, de la pyrolyse, à partir de biomasse, là, les propriétés physico-chimiques de l'atome hydrogène sont les mêmes. C'est pour ça que je dis qu'il ne connaît pas de couleur. On connaît. Et donc, ce qui veut dire que tous les pays peuvent produire l'hydrogène dont ils ont besoin. Et leur besoin peut être très varié. Donc tout le monde a peut-être une ou plusieurs applications qui sera utile pour atteindre ces objectifs climatiques. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la force de l'hydrogène, multi-voies de production, multi-usage, en plus qui permet un stockage, donc finalement permet de répondre à tout le monde, à la hauteur de sa volonté, de ses capacités. Et en termes économiques, là aussi les projections montrent que finalement, on compare beaucoup aujourd'hui le prix de l'hydrogène et l'hydrogène fossile, alors qu'il y a un prix relativement bas, même s'il a augmenté ces derniers mois. Mais on voit que les projections entre 2030 et 2035, on peut arriver à parité soit par tiers d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, sachant qu'il faut prendre en compte aussi le coût du CO2 qui va augmenter, soit par les taxes, soit par les coûts de la séquestration. Donc il faut comparer le surcoût lié à la production d'hydrogène par voie fossile avec la capture et la séquestration du CO2 associé. Alors, essayer d'avoir une vision globale pour créer un marché international de l'hydrogène. Alors, ça a été mentionné un peu tout à l'heure. Là, vous voyez, c'est la dernière carte qui a été publiée par l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport annuel sur l'hydrogène. Donc là aussi, depuis 2019, l'Agence internationale de l'énergie publie chaque année un état des lieux de la situation du domaine de l'hydrogène. Donc il y en aura un de nouveau cet automne pour 2023, que même en 2022, 2021. Donc ça, c'est, on va dire, un peu la référence. Et on voit qu'il y a de nombreux nouveaux pays qui ont adopté une stratégie nationale de l'hydrogène, un peu partout à travers le monde. Alors, ou une feuille de route. Alors, quels sont les facteurs clés pour justement dire je vais ou non développer une stratégie hydrogène dans mon pays ? Premier élément, quel est le bénéfice environnemental ? Effectivement, quel est le poids que je donne à atteindre mes objectifs climatiques en termes de changement climatique, de qualité de l'air, de pollution sonore ? Deuxièmement, c'est comment assurer ma sécurité énergétique. Et là, ça va aussi dépendre, sécurité énergique, ça va dépendre aussi de quelles sont mes ressources d'énergie primaire, notamment les primaires renouvelables. On voyait soit du solaire, soit de l'éolien, on n'a pas les mêmes ressources en termes d'énergie. L'eau, la disponibilité de l'eau, souvent on pose la question de la disponibilité de l'eau, mais finalement, est-ce un vrai problème ? Là, je vous ai mis la courbe de consommation d'eau à l'horizon 2050. On voit que pour produire l'hydrogène renouvelable selon l'IRENA, c'est-à-dire un peu moins de 300 millions de tonnes, il faut à peu près 25 milliards de mètres cubes d'eau. Alors qu'en 2018, on en a déjà désalinisé 35. Et ça représente à peu près 1% de la consommation d'eau pour l'agriculture. Donc oui, localement, il peut y avoir un stress hydrique, mais globalement, il n'y a pas de problème d'eau. D'autant plus, et c'est là qui est intéressant, c'est que contrairement par exemple à la microélectronique qui va utiliser de l'eau pure, pris dans les nappes phréatiques, l'hydrogène va et commence déjà de plus en plus à pouvoir utiliser des eaux usées qu'on va pouvoir filtrer pour ensuite être mis dans des électrolyseurs. Et ça, c'est aussi un facteur important à avoir en tête. Et juste pour la boutade, si vous voulez avoir un chiffre de la quantité d'eau, pour produire 1 million de tonnes d'hydrogène, qui est un peu l'horizon actuel de la production d'hydrogène en France à l'horizon 2030, il faut à peu près l'équivalent de la quantité d'eau que l'on consomme aujourd'hui pour produire la bière que l'on boit. Ça, c'est généralement un chiffre qu'on aime bien. Voilà. Donc, vous voyez, et personne ne dit qu'on n'aura pas assez d'eau pour faire de la bière. C'est juste pour une petite boutade. Et un autre élément, c'est aussi les ressources en matériaux critiques. Et là, vous voyez, matériaux critiques, effectivement, on en a parlé, il faut du platine, il faut du cobalt, de l'iridium, du nickel, vous voyez la liste, et là aussi, en fonction du pays, il y a certains pays qui sont plus chanceux que d'autres. Et il y a certains pays avec qui c'est plus facile de faire du commerce que d'autres. Donc il faut aussi tenir compte de ces aspects-là quand on veut ou non développer une stratégie hydrogène.
Enfin, il faut aussi prendre en compte le côté stabilité et résilience de votre réseau. Alors, quand on parle réseau, c'est soit réseau électrique, soit réseau gazier. On parle beaucoup de produire de l'hydrogène renouvelable à partir de la voie électrolytique. Mais si vous n'avez pas le réseau électrique capable d'absorber et de transférer cette électricité vers vos électrolyseurs, vous faites quoi ? Inversement, si vous n'avez pas un réseau gazier au niveau, vous n'arriverez pas à transférer votre hydrogène non plus. Donc là aussi, c'est un élément, et investir coûte très cher. Donc c'est un élément à prendre en compte. Et enfin, c'est l'aspect économique. Là aussi, est-on ou non une force d'innovation technologique ? A-t-on une industrie forte et qui peut répondre pour produire soit les composants, soit les systèmes complets qui sont liés à la chaîne de la valeur de l'hydrogène ? Les matériels, mais aussi les hommes. Et ça, on en reparlera. Il faut aussi, c'est pour ça que ça a été abordé tout à l'heure par Daniel Hissel, le côté compétences métier va devenir de plus en plus critique. Ça fait 6 ans qu'on essaie de pousser sur ce sujet-là. C'est bien d'avoir des gigafactories. C'est bien déployer l'hydrogène, mais si on n'a pas des personnels pour faire tourner ces gigafactories, pour faire la maintenance, l'opération, et ceci aussi bien au niveau ingénieur, bien sûr, mais jusqu'à l'opérateur. Et ça ne se forme pas forcément en 6 mois, et c'est de la formation initiale ou c'est de la requalification d'emploi, notamment d'industrie déclinante. Donc c'est un peu un aspect reconversion. Voilà, alors quels sont les principaux challenges auxquels il faut faire face pour arriver à un marché global? L'innovation, ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir en tête que, certes, l'hydrogène se développe, se déploie, mais ça reste une technologie jeune. On dépense encore aujourd'hui des milliards pour développer des moteurs à essence ou à gasoil. Plus forcément très longtemps en Europe, mais ailleurs, ça continuera à se faire. Et on ne va pas nous expliquer que l'hydrogène, c'est bon, vous avez tout trouvé, on n'a plus besoin d'innovation. Non, au contraire, c'est le moment d'accélérer même et d'augmenter nos budgets recherche pour retrouver ces ruptures technologiques dont nous avons besoin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi former des jeunes, attirer les jeunes talents vers la filière hydrogène, du docteur, de l'ingénieur, jusqu'à l'opérateur, technicien et à l'opérateur. Enfin, si on veut développer un marché, il faut limiter au maximum les incertitudes. Et limiter les incertitudes de marché, c'est mettre en place des réglementations, des politiques stables, durables et compréhensibles. Et aussi, en termes de marché, assurer une transparence. Il faut que l'utilisateur d'hydrogène soit convaincu que l'hydrogène qu'il utilise est bien aussi propre et vertueux qu'on essaie de lui vendre. Et ça demande une transparence. Et enfin, comme vous nous dites, pour tout mettre en place, il faut effectivement investir énormément dans les infrastructures comme dans les usines de production. Et je veux dire, de ce point de vue-là, l'Europe, avec le PIEC, permet justement d'investir dans ces gigafactories. L'État français va justement utiliser cet outil européen pour pouvoir financer des usines de fabrication d'électrolyseurs ou de systèmes piles à combustible. Et on voit déjà aujourd'hui qu'il y a déjà des prémices de mise en place d'échanges mondiaux. Là, vous voyez des premières routes. Il y a des pays qui sont exportateurs, des pays qui sont importateurs. Importateurs soit pour consommer, soit comme pays hub. Par exemple, l'Allemagne va consommer. Les Pays-Bas, la Belgique vont plutôt être un pays hub pour amener cet hydrogène, recevoir cet hydrogène qui vient par bateau et ensuite le transférer vers des gros pays consommateurs comme l'Allemagne. Même s'ils vont consommer eux-mêmes, on est bien d'accord. Donc vous voyez, il y a ce schéma qui déjà se met en place aujourd'hui, et là il y aura tout un aspect technique, économique, et de délai de mise en place des différentes technologies. Sachant que certains, comme la France, va favoriser l'autoproduction et l'autoconsommation de cet hydrogène. Alors, agir, comment déployer cette vision? Alors au niveau européen, parce que là je vois que Bart Beboy qui est là aujourd'hui, directeur exécutif du Clean Hydrogen Partnership, moi-même à l'époque j'étais président d'Hydrogène Europe Recherche, et la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, est venue lancer officiellement le nouveau partenariat européen sur l'hydrogène propre, c'était en novembre 2021, pour donner un nouvel élan, un nouveau souffle pour favoriser l'innovation dans le domaine de l'hydrogène au niveau européen, avec un budget de 1 milliard, auquel on va rajouter 200 millions pour les écosystèmes, les vallées hydrogène. Donc ça, c'est un signe fort au niveau européen. Et parmi ces innovations, pour déployer localement l'hydrogène, un axe fort, se sont développés les écosystèmes hydrogène, ou les vallées hydrogène, ou les hubs hydrogène, en fonction du pays dans lequel vous êtes.
Et il y a trois, on peut classifier ça en trois niveaux. Il y a soit des petits écosystèmes, avec des électrolyseurs, vous voyez, de quelques mégawatts, qui vont déployer au niveau assez local. Ensuite, vous avez un écosystème intermédiaire, où là, on va plutôt rentrer dans la centaine de mégawatts. Là, essentiellement, on va pouvoir viser une application, et notamment les applications industrielles, qui sont les plus demandeuses en termes d'hydrogène, mais aussi, du coup, cette production centralisée va pouvoir desservir d'autres applications connexes, comme l'habitat, mais surtout les transports. Alors, on disait tout à l'heure, avant le transport, s'il nous en reste, aujourd'hui, il y a peu de transport, mais le transport est un levier de croissance très fort de l'hydrogène dans les années à venir, et c'est ce qu'on voit bien au niveau national. Aujourd'hui, il y en a peu, mais d'ici 2030, ça risque d'être un facteur très important. Donc, on va aussi faire de l'hydrogène pour les transports. Et enfin, les grandes vallées, là, on parle de plusieurs centaines de mégawatts ou du gigawatt. Là, c'est soit vraiment pour de la distribution massive, voire pour l'export. Et là, ce type de vallée, en Europe, il y en a, comme vous voyez, quelques dizaines. Au niveau mondial, aussi, ça se développe. Et on en a un peu une quarantaine. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100 vallées d'ici 2030. Vous voyez, c'est un peu réparti, un peu partout à travers le monde. Et j'ai eu la chance, la semaine dernière, d'aller visiter le site. Donc là, c'est la plus grande mine de platine à ciel ouvert au monde, en Afrique du Sud. Et ça, c'est un élément, je vous parlais tout à l'heure de matériaux critiques. En fait, ça ne concerne pas que l'hydrogène. Il faut décarboner l'extraction de matériaux critiques pour les renouvelables, mais pour tous les biens, pour les batteries. Et donc, un des moyens de réduire cette empreinte carbone de ces matériaux critiques est de décarboner notamment les transports. Dans cette mine, 80% des émissions sont liées à la consommation du gasoil. Là, vous voyez le camion. Là, je suis en photo. Vous voyez, c'est au niveau de l'axe de la roue. Donc, ce n'est pas de la petite majorelle, ce n'est pas de la petite voiturette. C'est impressionnant. Là, voilà, l'axe de la roue était là. Un camion qui roule depuis un an à l'hydrogène, 800 kW de pile à combustible, 1,2 MW de batterie, 50 kg à bord, et associé juste à côté du camion, une station hydrogène avec deux électrolyseurs de 1 MW et l'hydrogène produit à partir de panneaux photovoltaïques. Le système génération est opéré par Engie et Anglo-American utilise ce camion comme preuve de concept et ils ont déjà, après un an d'expérimentation, décidé de passer à l'étape 2 qui est, ils ont passé commande pour 3 à 5 nouveaux camions d'ici 2025 et transformer l'ensemble de leur flotte de 40 camions d'ici 2028. Donc là on voit, ça c'est du réel et ça aura un impact direct sur justement l'empreinte carbone du platine extrême. Et là, pareil pour l'eau, il est justement envisagé d'utiliser des effluents des deux villes proches de la mine, qui sera utilisée pour produire cet hydrogène. Bel exemple. Alors, quel est le rôle, justement, de l'international? Là aussi, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui, un pays n'y arrivera pas tout seul. Donc, il est important d'unir nos forces à tous les niveaux, au niveau de la recherche, mais aussi au niveau industriel et au niveau institutionnel. Alors, les challenges que vous voyez là, en fait, on parle beaucoup de coûts de production, coûts de transport, mais il y a bien d'autres soucis à résoudre avant. C'est un peu, j'aime bien cette image de l'iceberg. Il y a les aspects économiques, il y a les aspects techniques, il y a les aspects commerce, il y a les aspects politiques, géopolitiques. Donc vous voyez, c'est pas si simple finalement, il y a plein d'aspects à faire. Alors bien sûr, l'innovation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, va fortement aider, mais la collaboration internationale à tous les niveaux est également un facteur déterminant. Et c'est exactement, et quand on regarde aujourd'hui cet aspect international, j'aurais présenté cette diapo il y a 5 ans, 6 ans peut-être, il y en aurait eu 2 ou 3. Aujourd'hui, il y a un foisonnement, c'est comme les projets, c'est devenu à la mode, donc tout le monde se met à l'hydrogène, même ceux qui ne savaient pas écrire le mot hydrogène il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, ils sont experts. Et donc, on peut se dire, avec ce foisonnement, est-ce qu'on ne crée pas de l'entropie, plus qu'autre chose? Et un des objectifs, justement, de ce Breakthrough Agenda qui a été lancé lors de la COP26 il y a 2 ans à Glasgow, a été un peu d'essayer de coordonner un peu ce foisonnement de partenariats publics, privés, international, national, régional, sur différents secteurs. Voilà, donc essayons de coordonner cette approche. Et ça, ça a été donc l'objectif du Breakthrough Agenda, à l'initiative du Royaume-Uni. Alors, justement, parmi ces actions, il y en a 5 qui ont été définies pour coordonner le développement d'hydrogène. La première, c'est accélérer le développement des normes, des réglementations et de la certification hydrogène.
Ça, c'est un premier point. Et l'IPHE, que j'ai le plaisir de diriger depuis le début d'année, a été, on va dire, adoubée, nommée comme instance internationale coordinatrice de cette activité avec la plateforme collaborative hydrogène de l'Agence internationale de l'énergie et l'IRENA. Mais il n'y a pas que les aspects réglementation. Il y a aussi un des problèmes aujourd'hui de l'hydrogène, c'est avoir ce qu'on appelle les off-takers, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment dire « je m'engage et je me lance à consommer cet hydrogène ». Donc il faut travailler sur cette demande. L'offre se développe, il y a du soutien, encore faut-il qu'il y ait une demande en face de l'offre pour justifier les investissements. Et du coup, il faut aussi travailler sur quel axe de financement. Et enfin, ben, comme je vous ai dit, déployer, c'est développer notamment les écosystèmes hydrogènes. Et ça, c'est l'item H.3. Voilà. Donc vous voyez, on essaie au niveau international, malgré le foisonnement d'organisations, d'institutions qui se lancent dans le domaine de l'hydrogène, de nous coordonner pour ne pas créer de l'entropie, mais créer de l'énergie positive. Et on a maintenant, on va dire, un jalon annuel que sont les COP. Donc là, on va devoir rendre des comptes à la fin de l'année pour la COP28. Et c'est ce qui explique que finalement, quand vous regardez au niveau international, il y a plein de stratégies, mais finalement, il n'y a pas une stratégie. Vous voyez en vert, c'est les pays qui vont favoriser l'hydrogène renouvelable, en bleu, plutôt l'hydrogène bas carbone, d'origine électrolytique ou fossile, ou les deux. Ce qui veut simplement dire que, bah, en fonction des facteurs précédents, on va favoriser soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais qu'il faut avoir en tête notamment que les deux solutions sont complémentaires, du moment que l'empreinte carbone est la plus faible possible. Et c'est l'objectif justement donc du partenariat que je dirige, l'IPHE, qui est donc un partenariat international intergouvernemental pour développer l'économie de l'hydrogène. On est aujourd'hui non plus 21, mais on a adopté deux nouveaux pays la semaine dernière, la Belgique et Singapour, qui se rajoutent à cette liste, pour essayer de nous coordonner, d'échanger deux fois par an au niveau ministériel, d'échanger des informations des derniers déploiements, des dernières politiques, et favoriser les collaborations internationales et lancer des travaux sur certaines actions spécifiques, lesquelles que je vais maintenant balayer. Actions spécifiques, on parlait de réglementation, mais encore faut-il savoir où sont les trous dans la raquette. Donc là, c'est un travail qu'on a mené il y a deux ans, de dire bah, parmi les différentes thématiques sur l'ensemble de la chaîne de la valeur hydrogène, production, distribution, consommation, au niveau réglementaire, en fonction des pays, quelles sont les difficultés pour déployer, pour développer. Et il en est sorti ben, deux groupes de travail spécifiques, qui est la réglementation au niveau transport maritime, et on a vu que tout à l'heure, avec toutes les voies internationales que l'on voit, ben, aujourd'hui, le transport maritime est un axe à développer, mais encore faut-il mettre en place la réglementation. Et là, il faut travailler avec l'IMO, l'Organisation mondiale maritime. Et un autre sujet, on en parlait tout à l'heure, c'est le stockage, notamment le stockage souterrain massif. Pareil, tout le monde en parle, il y a des premières expérimentations, mais il faut aussi voir, on suit quelle réglementation pour pouvoir le faire, qui sera responsable à moyen long terme. Donc ça, c'est des actions concrètes pour dire, bah, voilà les trous et voilà les actions de normalisation à développer à court terme. Deuxième HP, je vous ai parlé du commerce. Alors effectivement, une autre action, c'est l'hydrogène étant nouveau, on cherche à développer l'hydrogène en tant que commodité. Mais y a-t-il des soucis en termes d'échanges commerciaux qui devraient remonter à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce? L'analyse qui a été faite au niveau IPHE montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de barrière. En revanche, il y a plein de questions. Parmi les questions, ben, nous avons bien vu, entre l'IRA, les mécanismes de soutien européens, français, américains, les Indiens, chacun met en place des mécanismes de soutien. Mais est-ce que finalement, en fonction du mécanisme, on n'est pas en train de créer de la distorsion de marché? Donc voilà, il faut aborder ce sujet-là. Parce qu'effectivement, si moi je peux soutenir mon hydrogène à 3 $ du kilogramme, alors qu'il m'en coûte 4, je vais arriver à 1, ce qui est mon objectif du 1-1-1 américain, mais c'est plusieurs dizaines de milliards à injecter. Et tout le monde ne peut pas forcément mettre 10 milliards pour soutenir la production d'hydrogène. Voilà, c'est ce type de question. Autre question, on parlait d'ammoniac, mais l'ammoniac que je vais exporter, est-ce que je l'exporte en tant que molécule, en tant qu'énergie, en tant que carburant? Et les frais de douane ne sont pas forcément les mêmes. Comment gère-t-on ça au niveau international? Voilà, c'est ce type de questions sur lesquelles les différents États vont devoir se pencher et voir quelles sont les solutions pour éviter d'avoir de vrais conflits au niveau commerce international.
Autre sujet important, on parle tous d'hydrogène, l'hydrogène propre, l'hydrogène vert, jaune, rouge, bleu, décarboné, bas carbone. Mais au fait, c'est quoi? Personne n'a une définition propre internationalement acceptée. Et donc, pour arriver à des schémas, à des certificats hydrogène, encore faut-il s'accorder sur la définition de cet hydrogène, donc de créer des labels hydrogène. Et ça, c'est une action qu'on a développée maintenant, ça fait 3 ans, sur lesquelles on travaille, s'accorder au niveau international sur une méthodologie de calcul de l'empreinte carbone, de la production, conditionnement, conversion et transport de l'hydrogène jusqu'au point de consommation, de manière totalement agnostique. Là, vous voyez les différentes voies de production, aussi bien de l'électrolyse que du vaporeformage, que de la gazification du charbon à partir de biomasse. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait une méthodologie applicable à tout le monde. Pour le conditionnement, on a considéré le cryo, l'hydrogène cryogénique, l'ammoniac, des LOHC, et on est en train de finir la partie transport. Et ça, ce document a été publié, la version 2 pour la dernière COP, a été aujourd'hui transféré à l'Organisation internationale de standardisation ISO pour en devenir un standard international, pour s'assurer que tout le monde va quantifier l'empreinte carbone de la même manière, en prenant les mêmes hypothèses. Et là, l'objectif, c'est d'avoir un premier document pour la fin de l'année. Et l'étape d'après, une fois qu'on est d'accord sur le calcul de l'empreinte, on veut mettre en place des certificats. Alors, on passe souvent des schémas de certification. Là, c'est une tâche qui a été faite aussi, mais on voit bien que finalement, même en France, vous pouvez avoir différents schémas de certification. Les Allemands en ont plusieurs, les Australiens en ont, les Japonais. Mais comment m'assurer, in fine, que quand, par exemple, je produis mon hydrogène en Australie, je suis certifié comme hydrogène renouvelable bas carbone, suivant, par exemple, la directive européenne, comment je peux éviter que je dois être recertifié une fois qu'il arrive en Europe? Donc là, c'est un grand débat, c'est comment arrive-t-on à arriver à une reconnaissance mutuelle des schémas de certification au niveau international. C'est simple à dire, plus compliqué à faire, sachant que quand on dit certificat, on ne prend pas en compte que l'empreinte carbone, il faut en prendre aussi les contraintes environnementales, de durabilité, et les critères socio-économiques. Et on en parlait tout à l'heure, qui dit critères socio-économiques, en anglais on appelle ça DEIA, diversité, équité, intégration et accessibilité. Mais la définition de ces termes, ce qu'on met derrière ces termes, diffère d'un pays à un autre. Et quel poids va-t-on donner à ces aspects-là? Voilà, donc ça, c'est des discussions en international pour accélérer, faciliter l'échange de l'hydrogène et en faire vraiment une commodité au service de tout le monde. Et enfin, je voulais juste finir par mentionner le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié il y a trois semaines, avant la réunion du G7 sur l'hydrogène mi-avril qui a eu lieu à Sapporo sous la présidence japonaise. Et ce rapport vraiment essaie de faire comprendre qu'il faut arrêter d'utiliser la coloration de l'hydrogène pour différencier l'hydrogène. Ce qui est important, c'est son empreinte carbone. Peu importe l'énergie primaire utilisée, ce qui compte, c'est quelle est l'empreinte carbone de l'hydrogène que j'utilise. Et en France, on est bien placé, l'énergie nucléaire émet moins de CO2 que le panneau photovoltaïque, en analyse de cycle de vie complète. On l'oublie. Voilà, donc c'est ça qui compte. Et l'objectif, c'est d'essayer de créer des labels en fonction de cette empreinte carbone et de rajouter des critères de durabilité, utilisation des sols, utilisation de l'eau, impact sur la biodiversité et ses aspects socio-économiques. Et de créer en quelque sorte un passeport de l'hydrogène en disant, moi j'arrive avec mon hydrogène, il est compatible avec les actes délégués de la RED 2 en termes d'empreinte carbone, en termes d'additionnalité, ou avec d'autres critères qui ont été fixés par d'autres pays. Et comme ça, ça permettra aussi de suivre cet hydrogène et d'aller vers des garanties d'origine, des garanties de traçabilité ou des certificats en fonction du schéma utilisé. Donc, vous voyez, c'est ce rapport, je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore fait, il est très intéressant. Voilà, en conclusion, on m'a chanté une diapo. Le deuxième dessin a été squeezé, désolé. J'espère que je vous ai réussi à vous convaincre qu'aujourd'hui, l'hydrogène, ce n'est pas la solution miracle, mais que sans considérer le vecteur hydrogène, on n'arrivera pas... Ah, c'est moi qui l'ai fait. Ah non, la diapo a bien été chantée. Bon. Donc, sans considérer l'hydrogène, on n'arrivera pas à atteindre la neutralité carbone. Deuxième point, l'hydrogène est intéressant pour plein de pays parce qu'on peut le produire de manière très diverse et il est utilisable pour de diverses applications. Donc finalement, chacun peut
utiliser l'hydrogène à la hauteur de ses besoins et de ses capacités. Et enfin, on voit qu'au niveau français, européen, mais aussi des dizaines de pays, ont adopté leur propre stratégie nationale de l'hydrogène parce qu'ils ont tenu compte de ces critères-là. Et enfin, on est bien d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le business as usual, comme on dit, n'est plus suffisant, vu la pression qu'il y a en termes d'énergie, de climat et de demande sociétale. Donc il est crucial que les gouvernements, au niveau international, favorisent justement le développement de ce marché de l'hydrogène. Et c'est un peu des objectifs de ces instances internationales comme l'IPHE. Et en marge, je répète, effectivement, c'est la collaboration internationale est importante à tous les niveaux, institutionnels, industriels et recherche. Et donc l'innovation reste un élément clé pour accélérer le développement du marché de l'hydrogène. Et je suis top dans les temps. Merci beaucoup. Nous n'avions aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, on va lancer le jingle pour les questions-réponses. Alors, j'avais dû laisser peut-être un micro en haut tout à l'heure, mais qui est-ce qui veut intervenir? Ah ben, il est là, magnifique. Superbe, merci beaucoup. Alors, qui veut poser la première question? On est en haut. Vous avez le micro? Alors, allez-y, passez-le à monsieur ou à madame, je ne sais pas. Monsieur, pardon. Désolé, j'étais dans le contre-jour. Bonjour, monsieur. Vous évoquiez les facteurs environnementaux et les ressources telles que l'ensoleillement dans la production de l'hydrogène. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure les pays d'Afrique du Nord peuvent accompagner l'hydrogénisation de l'Europe, notamment par cette proximité et par l'infrastructure d'interconnexion électrique existante? Alors effectivement, comme je l'ai dit, en fonction des pays, certains vont être exportateurs, d'autres importateurs, en fonction des ressources disponibles. Alors l'Afrique du Nord a beaucoup d'ensoleillement, mais a aussi du vent, donc on peut aussi utiliser l'éolien. Et en fonction des capacités de développement de cette production, on va pouvoir éventuellement avoir de l'hydrogène en excès. Parce que je pense qu'il y a aussi un élément important dans les aspects socio-économiques. Certains pays, comme la Commission européenne, dit « ne faisons pas de néocolonialisme ». Donc il faut s'assurer que quand on produit de l'hydrogène dans un pays, que d'abord ça serve au pays lui-même, et ensuite qu'il puisse aussi exporter. Et ça c'était un des objectifs du premier vice-président exécutif de la Commission européenne, M. Timmermans, qui dès son audition d'introduction avait dit, lui il rêverait de pouvoir importer de l'hydrogène renouvelable d'Afrique du Nord. Alors l'Afrique du Nord effectivement c'est pas très loin de l'Europe, il y a déjà des réseaux de pipelines qui existent, donc c'est encore d'autant moins difficile et moins cher. Parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que transporter de l'hydrogène par réseau gazier, c'est moins cher qu'un transport maritime. Et surtout, on sait faire quasiment tout de suite. Voilà, donc ça c'est. Donc l'idée, c'est en fonction des capacités de production, des investissements dans les pays d'Afrique du Nord, de leur utilisation, puisque le Maroc, je pense qu'il veut aussi faire beaucoup d'ammoniac, de voir soit je vais exporter ou utiliser l'ammoniac pour créer mes propres fertilisants et améliorer l'agriculture dans mon propre pays, soit je vais favoriser l'exportation d'ammoniac pour différents usages, ou alors je vais utiliser des réseaux de pipe pour exporter cet hydrogène en Europe. Merci. Alors, quelqu'un d'autre a le micro, je crois, monsieur, en haut. Oui. Voilà. De nouveau, Patrick Portolano et Osis. Alors, moi, je voudrais parler d'un sujet qui serait l'hydrogène au carbone. Vous savez qu'un des problèmes importants aujourd'hui, c'est d'arriver à séquestrer le carbone atmosphérique et à le capturer. Et une des façons de le faire, c'est par la biomasse. Et quand on fermente de la biomasse, on produit à peu près la même quantité de méthane et de CO2. Et c'est très facile à ce moment-là de récupérer ce CO2 et de pouvoir le séquestrer géologiquement. Et également, on peut ensuite utiliser ce méthane comme source pour de l'hydrogène par pyrolyse, comme on l'expliquait ce matin. Et je voulais savoir si dans donc les schémas que vous envisagez dans votre organisation, ce genre de procédé ou de méthode va être pris en compte. Alors en fait, l'utilisation de la biomasse pour produire de l'hydrogène, l'intérêt est très variable d'un pays à un autre. Tout dépend de sa ressource. Par exemple, le Brésil est très intéressé d'utiliser la biomasse qui est très disponible pour produire de l'hydrogène. D'autres pays, beaucoup moins. Parce qu'ils n'en disposent pas. Il y a ce qu'on peut faire et quelle est la ressource existante pour pouvoir produire de l'hydrogène ou du biométhane. Et personnellement,
Je ne vois pas l'intérêt de produire de l'hydrogène à partir de biométhane, alors que nous avons un tel besoin en gaz. Utilisons le biométhane en tant que biométhane, plutôt que de refaire des étapes de transformation avec des rendements inférieurs à 1 pour en faire de l'hydrogène. On a d'autres moyens pour faire de l'hydrogène. Ça, c'est un avis purement personnel. Bien. Est-ce que vous avez une dernière... Oui, alors il y a une dernière question là, voilà. On va ensuite installer le plateau pour la table ronde. De toute façon, le sujet, à mon avis, est quand même très proche de celui qui est en train d'évoquer M. Anthony. Donc, on verra après, par la suite, donc, comment peut-être continuer les questions et commencer à installer le plateau. Allez-y, en tout cas, madame. Merci. Mademoiselle. Merci pour la présentation. Marie Noguer, je suis ingénieure d'études chez Acodis. Je fais de la recherche sur production d'hydrogène décarboné. Vous avez mentionné des études des bilans d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des méthodes de production d'hydrogène. Est-ce que ça intègre les effets des fuites d'hydrogène à différents niveaux? Je mentionne sur ce sujet une étude du CNRS de fin 2022 où ils ont fait une modélisation qui aboutit au constat que le rejet d'une tonne d'H2 dans l'atmosphère correspondait à l'émission de 13 tonnes d'équivalent CO2 par effet de serre indirect. Et ils mentionnent qu'il faudrait drastiquement limiter ces fuites pour avoir un bénéfice maximal donc de l'économie hydrogène. Et on entend assez peu parler de ces considérations. Donc, est-ce que pour les différents modes de production, etc., est-ce que vous considérez, je ne sais pas, la dimension des pipelines, la longueur, les infrastructures ? Merci pour la question. C'est effectivement un sujet important qui est mentionné de plus en plus souvent. Alors, par rapport à la méthodologie, la réponse est oui. Puisqu'en fait, dans le calcul de l'empreinte carbone, nous prenons en compte aujourd'hui la quantité d'hydrogène livrée au point de consommation. Pas la quantité qui a été produite ou chargée. Donc s'il y a des fuites d'hydrogène, si j'ai mis 100 et que j'ai des fuites pour des raisons XY et j'en ai que 90 à l'arrivée, au point de consommation, je devrais considérer ces 90 par rapport à l'émission totale des gaz à effet de serre qui ont été faites sur l'ensemble de la chaîne. Donc ça, c'est la réponse oui, aujourd'hui. Sur l'aspect de l'impact de l'hydrogène sur le réchauffement climatique, donc le potentiel de réchauffement, le GWP, Global Warming Potential. Vous l'avez dit, l'hydrogène n'est pas un gaz à effet de serre, au sens physique du terme. Les satellites ne voient aucun réchauffement lié à l'hydrogène, contrairement au gaz naturel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dans l'équation du GIEC. Alors effectivement, il y a un effet indirect qui est de prolonger la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Et il y a l'autre impact qui est la vapeur d'eau dans l'atmosphère, notamment dans les très hautes altitudes. Mais le vrai problème, ce n'est pas l'hydrogène. Le vrai problème, c'est la quantité de méthane qu'on a dans l'atmosphère. Donc il ne faut pas lutter contre l'hydrogène, mais il faut lutter contre l'émission de méthane dans l'atmosphère. C'est ça le vrai problème. Après, oui, il faut réduire les fuites d'hydrogène. Il y a un très bon papier qui est sorti fin d'année dernière. C'est un papier franco-américain sur, justement, la modélisation et l'impact de la voie de production d'hydrogène sur la réduction globale du CO2 en fonction du taux de fuite et en fonction donc de la quantité de CO2 émise. On voit même en utilisant de l'hydrogène d'origine fossile avec capture et séquestration du CO2, malgré des fuites de l'ordre de 5%, on a un effet très positif de réduction globale des gaz à effet de serre. Et si on passe en renouvelable ou en électricité bas carbone, il n'y a même pas photo. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit autoriser un taux de fuite. Et là, je pense que même des organisations non gouvernementales s'accordent quand on leur dit « l'hydrogène est tellement cher à produire, je n'imagine pas un industriel qui va essayer de réduire les fuites. » Pas forcément pour la planète, même pas pour la planète, mais pour ne pas perdre de l'argent. Donc il y a effectivement pas mal d'activités de recherche pour réduire les fuites sur l'ensemble de la chaîne. Voilà. Donc si à la fois on évite des émissions de CO2 et on réduit les fuites, l'hydrogène, oui, on dit qu'elle a un facteur entre 10 et 13 en fonction des études, pas un facteur 200 comme certaines organisations l'ont déclaré il y a quelques années. Parce que là aussi, je pense qu'il faut bien avoir en tête, on prend le GWP à l'horizon de 100 ans, pas de 2 ans ou de 10 ans, comme l'a fait cette organisation de manière un peu pas très honnête, on va dire.
on prend 100 ans comme les autres, et là, effectivement, on peut avoir un effet indirect avec une valeur de l'ordre de 10. Mais comme dit, malgré ce facteur de 10, globalement, il y a une réduction très significative des émissions de CO2 par rapport aux voies classiques de vaporeformage de méthane. Merci, merci Laurent Tony. Je crois qu'on peut applaudir donc notre intervenant. Je vais récupérer le micro. Et puis donc maintenant, bah, me tourner vers Frédéric. Hein. Ça vous a inspiré, ça t'a inspiré Frédéric? Alors, eh ben oui, voilà. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd les propos que vous avez employés tout à l'heure. Pourquoi pas? Il faut y penser. Bravo, merci Frédéric, on peut l'applaudir. On va vous proposer quelques instants de pause. Restez avec nous si vous avez juste besoin de passer un coup de fil ou de vous absenter quelques instants de la salle, n'hésitez pas. Mais là, on va équiper maintenant donc, le plateau pour la table ronde qui va suivre et qui va clôturer cette première journée. Donc on va remettre un petit peu de lumière, un peu de musique et on se retrouve vraiment dans quelques instants. Il y en a pour 3-4 minutes. Donc si vous voulez passer un coup de fil, passez un coup de fil, mais ne vous échappez pas, il y a encore donc une table ronde qui va être passionnante sur l'aspect politique aujourd'hui de cette approche de l'hydrogène. A tout de suite. Voilà, nous en sommes donc maintenant à notre temps fort de ce début de soirée avec la table ronde sur la dimension politique du développement de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Et nous allons donc lancer le jingle de présentation de la table ronde. Je vais donc appeler les participants qui vont venir s'installer. Philippe Busquin, ancien commissaire européen qui a lancé l'hydrogène à l'Union européenne. Bart Biebuck, qui est directeur exécutif. Jean-Paul Poncelet, ancien ministre des Armées, directeur général de Foratom. Paris Mouratoglou, qui est le président directeur général d'EREN. Gérard Hett, qui vient de Sao Paulo, qui est conseiller du gouvernement brésilien et allemand. Et Hoang Bui, qui est coordinateur national de la stratégie hydrogène décarboné. On vous applaudit, messieurs, et merci d'être avec nous ce soir. Venez vous installer donc Philippe Busquin, ancien commissaire européen, qui a donc lancé l'hydrogène à l'Union européenne en 2002. Bart Biebuck, qui est directeur exécutif du partenariat européen Hydrogène Propre. Jean-Paul Poncelet, ancien ministre des Armées, membre de l'Académie royale de Belgique, actuellement directeur général de Foratom, l'organisation de l'industrie nucléaire européenne, et secrétaire général de la European Nuclear Society. Paris Mouratoglou est président directeur général de la société EREN. Gerhard Hett, donc, qui vient de Sao Paulo, est chercheur industriel, conseiller du gouvernement brésilien et allemand. Il a posé de nombreuses questions au cours de la matinée. Et puis vous avez donc également Hoang Bui, qui est coordinateur national de la stratégie hydrogène décarboné. Voilà. Alors, je vais vous proposer, messieurs, donc, de vous poser quelques questions avec des réponses courtes, comme on l'a fait tout au long de cette journée. Et puis ensuite, on échangera évidemment avec la salle qui vous posera plusieurs questions. On a déjà abordé cette dimension politique du développement de l'hydrogène, le rapport à la fois aux chercheurs, le rapport à la population, le rapport, on l'a vu tout à l'heure, à l'industrie, les notions même de lien entre le monde public et le monde privé. On va revenir sur tous ces points. Une petite contrainte de temps de M. Hoang Bui nous amène peut-être à lui passer la parole en tout premier. Donc vous êtes coordinateur national de la stratégie hydrogène décarboné. Hoang Bui, est-ce que vous pouvez nous présenter cette stratégie, nous dire comment on va, en effet, ça a été abordé à l'instant par M. Anthony, vers le rôle de l'hydrogène dans la neutralité carbone et comment tout cela aussi se situe dans les projets de développement industriel qui ont été annoncés pour la France avec des horizons 2030, par exemple, qui sont assez importants. M. Hoang Bui, c'est à vous, 5 minutes, et puis on passe après à d'autres intervenants. Bonjour à tous. Je remercie M. Antonin d'abord de me faciliter la tâche parce qu'il a fait une présentation qui est très claire et je n'ai plus qu'à la décliner en fait pour la France. Donc, la France a une particularité, c'est qu'elle a inscrit sa stratégie hydrogène comme un levier de décarbonation de son économie. Donc voilà, l'hydrogène c'est pour décarboner l'économie et la raison pour laquelle on le fait ainsi c'est parce que l'hydrogène ça coûte cher en énergie à produire. Donc si on peut décarboner l'économie
directement en utilisant l'électricité, bah, il vaut mieux utiliser l'électricité. Voilà. L'hydrogène réservé quand on ne peut pas faire autrement. Et il y a plein de secteurs industriels où on est obligé d'utiliser l'hydrogène. Donc on peut penser effectivement à la sidérurgie, on peut penser notamment à la production d'engrais. Donc il y a un certain nombre de secteurs, y compris pour la mobilité lourde. Hein, on a cité les camions, il y a aussi les bateaux, les avions. Même si effectivement l'avion, il y a aussi les ISAF, hein, donc, qui est une solution alternative. Voilà, donc l'hydrogène, c'est pour décarboner notre économie. Une fois qu'on a dit ça, on a l'impression que l'hydrogène, c'est le parent pauvre de la décarbonation. En fait, il n'en est rien, parce que M. Antonin l'a bien illustré. Quand on regarde tous les usages de l'hydrogène dans tous les secteurs industriels et la mobilité, à la fin, ça finit par faire beaucoup. Et la France, à ce titre, vous savez, dans le cadre de sa stratégie nationale, en 2020, fin 2020, a consacré d'abord 7 milliards pour soutenir le développement de l'hydrogène en France. Et le président de la République, avec le lancement de France 2030, a rajouté 2 milliards supplémentaires. Donc on est à 9 milliards de soutien au développement de l'hydrogène décarboné en France. Alors ces milliards servent à la fois évidemment en innovation, en R&D, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça sert aussi notamment dans les gigafactories, hein, puisque la France a un objectif ambitieux de produire elle-même son hydrogène, environ 600 kilotonnes. Donc on a besoin à peu près de 6,5 gigawatts. Alors ça fait quand même pas mal de tranches nucléaires, hein, quand on dit 6,5 gigawatts. Et pour être sûr finalement d'avoir ces électrolyseurs, ces gigafactories à temps, ben, il fallait qu'on les finance. Donc on a financé dans le cadre de l'IPCEI qui a été cité, les gigafactories de production d'hydrogène. Voilà, en quelques mots, la présentation très rapide de la stratégie française sur l'hydrogène. Et votre rôle de coordonnateur, pourquoi il faut un coordonnateur pour tout ça ? Alors ça, c'est une excellente question, parce que la stratégie hydrogène est forcément transverse. Voilà, donc elle intéresse forcément la Direction générale de l'énergie et du climat, le ministère de la transition énergétique, parce que c'est pour décarboner, parce que ça utilise énormément d'électricité, parce qu'il y a une stratégie globale de la chaîne énergétique à penser, hein, donc c'est-à-dire que est-ce qu'il faut faire la biomasse pour produire l'hydrogène, est-ce qu'il faut utiliser la biomasse pour produire l'hydrogène, de quelle quantité d'électricité on a besoin, combien de CO2 on va pouvoir abattre. Voilà, donc ça c'est des questions qui intéressent évidemment le ministère de la transition énergétique, mais ça intéresse aussi effectivement le ministère de l'industrie et Bercy, parce que toutes ces gigafactories et Madame Borne a déjà lancé effectivement la première les premiers IPCEI, les 10 projets IPCEI, on a quand même investi 2,1 milliards dans ces 10 gigafactories, hein, de production d'électrolyseurs, de piles à combustible, etc., de trains même à hydrogène. Donc c'est des vraies stratégies industrielles, hein, de conquête effectivement du marché européen. Voilà, donc vous avez deux ministères, vous avez d'autres ministères, hein, vous avez évidemment l'aviation civile, puisqu'on parle aussi effectivement d'hydrogène pour l'aéronautique, et vous avez bien sûr aussi le ministère des Transports. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut une animation interministérielle, et je ne parle pas des enjeux évidemment aussi réglementaires et de régulation économique, régulation de marché. C'est tous ces sujets qui doivent être traités en même temps pour réussir une stratégie hydrogène. Merci beaucoup de votre intervention. Je vais revenir maintenant peut-être un petit peu sur le passé. Philippe Busquin, vous avez lancé en 2002 l'hydrogène à l'Union européenne. Peut-être quelques mots sur le chemin parcouru depuis, quand on voit aujourd'hui que quelqu'un nous dit mais il ne pourra pas y avoir de neutralité carbone sans hydrogène, vous avez été un des pionniers en la matière. Qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette stratégie il y a quelques années maintenant ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que je vais vous parler de préhistoire. Après avoir entendu tous les exposés très intéressants depuis ce matin, j'ai le sentiment que nous étions dans un autre monde. Je parle de 2000. En 2000, et monsieur, dans un slide, on a vu que c'était la traversée du désert de l'hydrogène. On n'en parlait pas, pratiquement. Ce qu'on voulait, nous, au niveau européen, c'est construire une stratégie de recherche et développement à l'échelle européenne. Et donc, en 2000, il y a eu ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne. En ce sens que le premier ministre portugais de l'époque, qui était António Guterres, avait réuni la commission, et la commission et le Parlement, bien entendu, comme il y a toujours des conseils chaque année, et nous avions préparé, nous, à la commission, qui était présidée par Romano Prodi, la stratégie de Lisbonne.
Alors, c'était quoi la stratégie de Lisbonne à ce moment-là? C'était d'abord de créer un espace européen de recherche, dont j'étais un peu l'initiateur comme commissaire à la recherche. Il y avait aussi le développement du numérique. C'était les débuts du numérique et l'Europe avait un retard. Elle l'a toujours un peu peut-être, mais à ce moment-là, il était important. Et bien entendu, on commençait à parler des énergies renouvelables. Mais de l'hydrogène, vraiment, ça n'a pas été le sujet de Lisbonne. Que s'est-il passé pour qu'il y ait ce développement? Mais peut-être un facteur humain étonnant, en ce sens que Romano Prodi, par son passé professionnel, était très intéressé par l'innovation industrielle. Il avait été d'ailleurs directeur en Italie d'un institut. Et il avait invité, à l'époque, un essayiste futuriste américain, Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin avait écrit un livre à l'époque qui était la troisième révolution industrielle, je parle de 2001-2002, et l'ère de l'hydrogène. Et donc, Prodi a invité Rifkin, nous avons participé à une réunion avec lui, bon, c'était comme toujours dans les essayistes, un peu futuriste, et un peu, bon, mais c'était interpellant. Et de là est partie l'idée de développer aussi l'hydrogène au niveau de l'Union européenne. Et comme au niveau de l'Union européenne, l'instrument de recherche, c'est ce qu'on appelle le programme cadre, et qu'en même temps, il y avait aussi la composante énergie, eh bien, on a commencé à lancer des projets. Ma collègue Loyola de Palacio, qui était commissaire à l'énergie, a fait un projet de démonstration de bus à hydrogène, les premiers, à Madrid, madame. Moi, j'en ai, je crois, disons, subventionné un ou deux à Bruxelles, mais ils n'ont pas fonctionné longtemps parce que c'était un grand problème de maintenance, un problème aussi des modifications climatiques. Et donc, on a eu des projets de démonstration. J'ai pour ma part été en Islande voir les réseaux d'autobus en Islande parce que là, ils avaient déjà développé, grâce au fait d'une électricité bon marché produite par la géothermie, ils avaient commencé à faire des bus à hydrogène qui fonctionnaient, je vous parle de 2002. Et donc, nous avons lancé cela, et dans le système européen, je vous dis qu'il y a un instrument qui s'appelle le programme CAN, mais comme on voulait créer un espace européen de la recherche, en même temps, on créait, j'ai créé à l'époque, ce qu'on appelle les groupes de haut niveau, comme on disait cela, liant des industriels et des chercheurs. Et à l'époque, c'était M. Benoît Potier, qui était le président d'Air Liquide, qui a été l'animateur de ce groupe. Et il a fait ça, je crois, tout un temps, je ne sais pas maintenant où il en est, mais il était à la base de ce groupe entre des industriels, des centres de recherche, un centre de recherche qui était performant à l'époque, et qui pourra l'être encore maintenant, c'était Jüglik près de Cologne. Là, on avait déjà les piles à combustible, et on l'a rappelé que le principe des piles à combustible est vieux, puisqu'il a été fait en 1839, et que Jules Verne en a reparlé. Mais, objectivement, ça restait un peu de la recherche académique, et très peu de développement industriel. Et aujourd'hui, donc, comment vous voyez les choses, alors qu'on a des pays qui ont en Europe des stratégies énergétiques très différentes, hein. On peut citer, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais l'Allemagne et la France, comment vous voyez aujourd'hui une Europe se mettre d'accord sur l'hydrogène? C'est quelque chose qui vous paraît politiquement faisable? Le problème, si je peux dire quelque chose au niveau de l'Europe, c'est que l'Europe a toujours eu difficulté avec le débat énergétique. Nous sommes avec une Europe divisée sur le fait, par exemple, du nucléaire, avec les Allemands qui refusaient le nucléaire, les Français qui étaient pour le nucléaire, et ainsi de suite. Et donc, nous n'avons jamais su avoir une politique stratégique, et encore maintenant, je crois que c'est difficile, une politique stratégique européenne importante. Par contre, pour la recherche et le développement, là, on a pu développer d'abord, comme je viens de dire, ce qu'on appelle une plateforme technologique, et puis en 2008, je crois, on a commencé à faire ce qu'on appelle un instrument de politique qui s'appelle un joint undertaking. Un joint undertaking, c'est un financement par l'Europe avec les industries, avec les privés et le public. C'est ce qu'on appelle des partenariats public-privé.
Et d'ailleurs, le responsable de ce jeune undertaking est M. Bibeck, ici présent, et qui était déjà, que j'ai connu déjà à l'époque pratiquement, puisque c'était ses débuts. Et donc, cela a été, disons, le moteur, et encore aujourd'hui, le moteur de la politique européenne de la recherche, c'est ce jeune undertaking, puisqu'il y a environ 1 milliard d'euros à chaque programme cadre. Donc, cela permet de financer de la recherche. Cela permet de financer des projets de démonstration et cela vise à la formation. Donc, si je me résume, 2001-2002, c'est vraiment été le début et ce n'était pas dans l'air du temps. Alors maintenant, je vois que l'hydrogène est plus que dans l'air du temps, c'est devenu une nécessité. Et donc, je crois que maintenant, plus que jamais, l'Europe doit trouver des moyens de jouer son rôle de coordination, si possible, avec tous les programmes nationaux. Parce que c'est bien d'avoir des programmes nationaux, mais à l'échelle européenne, il faut une coordination. Et je pense que le John Undertaking peut jouer ce rôle. Merci. Alors peut-être donc, Monsieur Poncelet, puisqu'on parle beaucoup aussi du nucléaire aujourd'hui, comment on peut articuler nucléaire et hydrogène? On voit que il n'y a pas une solution unique, il y a un mix européen, on pourrait presque dire ça maintenant, qui va s'imposer en matière énergétique. Je vous dois d'abord une précision, parce qu'au-delà des titres ronflants que vous m'avez attribués, j'ai une fonction actuelle que je dois signaler. Je suis administrateur d'un groupe industriel qui s'appelle John Cockerill, dont on a parlé ce matin. Et donc, je ne voudrais pas que ce soit caché. D'ailleurs, il n'y a pas de raison. Donc, l'énergie, c'est de la géopolitique, essentiellement. Et donc, il est normal que ce soit des États ou des organismes supranationaux qui s'impliquent. Et l'Europe, comme Philippe Busquin vient de le dire, n'a jamais pu le faire depuis plus de 20 ou 30 ans pour des raisons de division interne que tout le monde connaît et qui sont essentiellement relatives à l'énergie nucléaire. C'est un facteur de division entre Européens et c'est un facteur de division dans la plupart des opinions publiques de nos pays. Donc je pense que là, il y a peu d'espoir que ça change. Et c'est l'intérêt des initiatives européennes aujourd'hui en matière d'hydrogène. Je pense que tout le monde a fait son deuil d'une politique énergétique intégrée dans l'Union européenne, mais sur, je ne vais pas oser appeler ça une niche parce que ce n'en est pas une, mais il y a maintenant des initiatives de soutien public, parce que si l'énergie est géopolitique, n'oubliez pas qu'en Europe, toutes les formes d'énergie sont subventionnées. J'ai participé dans une vie antérieure à l'ouverture des marchés de l'électricité, mais ça n'a pas duré 2 ans avant que les Allemands financent largement des subventions pour les énergies renouvelables, et donc il n'y a pas de marché de l'électricité en Europe, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est subventionné, c'est géopolitique, donc les États ont un rôle à jouer. Et la bonne nouvelle, je pense aujourd'hui, c'est que non seulement la Commission a un certain nombre de propositions des espèces sonnantes et trébuchantes pour financer des projets, mais aussi que les États membres le font, certains d'une manière plus ou moins coordonnée. Alors ça donne quoi? Philippe vient de parler de la préhistoire. Moi, je vais parler du néolithique, alors peut-être. Je ne sais pas comment il se doit dire. Mais dans l'entreprise dont je viens de parler, il y a 6 ans, nous avons acheté une société en Chine qui fabriquait des électrolyseurs de 1 à 2 mégawatts il y a une demi-douzaine d'années. Et aujourd'hui, on fabrique des électrolyseurs de 5 mégawatts unitaires. Je dis ça pour vous dire d'abord que ce chemin-là n'a pas été simple à faire, mais je voudrais que vous mettiez ces chiffres en regard de ce qu'on a entendu ce matin quand on vous dit 20 gigawatts, non 40, dans un délai de 7-8 ans. C'est déraisonnable. À mon avis, c'est totalement déraisonnable. C'est peut-être un moteur pour faire des choses, mais quant à m'engager à ce qu'on atteigne ces objectifs, je n'y crois pas une seconde. Vous venez de dire à l'instant, l'énergie, c'est un sujet éminemment géopolitique. Ce matin, j'ai entendu un intervenant nous dire, si on ne résout pas le problème de l'énergie et si les industriels ne trouvent pas de l'énergie à bon marché, dans de bonnes conditions, pas loin de chez eux, les industries partiront aussi. Donc cet aspect géostratégique, il est sur l'énergie, mais aussi sur l'industrie. C'est incontestable. Il y a depuis quelques mois, aux États-Unis, une loi qui s'appelle IRA, qui ne veut pas dire Armée républicaine irlandaise, mais Inflation Reduction Act, 360 milliards de dollars qui sont affectés à des encouragements de recherche-développement dans des technologies nouvelles. Ce phénomène attire dès aujourd'hui des entreprises européennes, allez voir dans la chimie, le groupe Solvay, les Allemands de la chimie, tous ces gens vont partir de l'Europe si on ne prend pas en main une politique industrielle d'implantation en Europe. Et ça, c'est essentiel.
Alors justement, Bart Bibuc, je vous passe maintenant la parole, puisque vous êtes en charge aussi ces opérations de partenariat européen. Dans le terme, il y a hydrogène propre. C'est quelque chose d'important par rapport à la notion d'acceptation par les populations dont on parlait tout à l'heure, la notion d'hydrogène propre. So, sorry, I will answer in English. So, yeah, well, we are the Clean Hydrogen Partnership. I think we had already discussed a little bit on the colors of hydrogen, that we should not use colors, but we should use carbon intensity. I can only agree to that. No, this was a political agreement to call it clean hydrogen, let's put it like that. There is no real reason behind it, but our objective is to work only on renewable hydrogen, so hydrogen which is produced from renewable energy. This is very clear. Et le lien avec le plan Biden dont on vient de parler, c'est une défense de l'Europe. L'Europe doit se défendre par rapport à cette volonté américaine de mettre beaucoup d'argent sur la table pour cette transition énergétique et industrielle. Of course, it's a bit of a race, of course. I mean, it's geopolitics, 100%, absolutely. But Europe was actually investing already quite early, thanks to the initiative of the commissioner at that time. And so we actually leading this technology. But of course, and we have been pushing this technology a lot as well into the world. And I think it was quite visionary what Mr. Bousquet saw at that time, because without him, Europe would not be today where we are in this in hydrogen world at all. But so the IRA actually came after the inflation and COVID. But what was interesting in Europe, what happened already, I mean, we started the research in 2008 and it was renewed in 2014. Each time the budget went up, it was renewed now again in 2020. But hydrogen got actually a couple of boosters. And actually each crisis was a boost for hydrogen. So after COVID, or when COVID happened in July, the European Commission decided on the hydrogen strategy, the 40 gigawatt that was mentioned by 2030. So that was really a booster. And then now with the war in Ukraine was again a booster, because then the Repower EU came and we need to build 20 or produce 20 million tons of hydrogen per year by 2030, 10 million tons in Europe, 10 million tons importing. I mean, we're talking now only for Europe to build, I mean, the 10 million tons is 100 gigawatt, so it was again doubled. I mean, will we get there? Probably not. It's too much renewables. But I mean, it really shows the ambitions that Europe has. And then, of course, the Americans, because I was in the meeting with Kadri Simpson, our European commissioner, when we had a meeting, bilaterals with the US, they were jealous on Europe. They said, oh, you have a hydrogen strategy, you're doing so much. So this was when the new Joe Biden administration came in, and they said, we need to do something similar. And indeed, they did that. Okay, they went beyond. I have to say, they did their homework quite well. But I think now as well, I mean, they put a lot of money. And everybody's the industry say, well, it's very simple. I mean, we get $3 per kilogram, and it's renewable energy, hydrogen. Only now, they start to think about the consequences. And actually, we have been debating now 3 years, 4 years on a delegated act in Europe. And what you see happening now is that also in US, just now, they start to also discuss when can you build, I mean, when can you use the renewables to make hydrogen and all this thing. So they will still debate a couple of years. So I think we are still leading on policy, regulatory. I'm not too much afraid of the IRA. I think that the IRA gives us fantastic opportunities for European companies, because European companies will be able to go there. I mean, just recently, I also saw Symbio, actually, which is a company of France, just opened a factory as well, or will open a factory in the US. So it's a way to export our technology over there. And I think I'm not too much worried that, for example, hydrogen will come to Europe. I mean, I cannot imagine that American taxpayers' money will be used to subsidize European energy. I don't think that will happen. So I'm more positive side. Of course, Europe will need to do something, and that's why we came up with the European Hydrogen Bank. And so it was announced last September by the President, Ursula von der Leyen, because she also felt, okay, we need to give a signal. And so at the moment,
there will be a pilot auction, because it's an auction system for hydrogen, so there will be a pilot auction in September, October coming. We will see the rules and the conditions in June, they will be announced. But it's also the idea to give a fixed premium for 10 years, and I believe this is an answer to the IRA as well. So it's beautiful to see this kind of continuous race, basically Europe and US, they are continuously pushing each other to the next level. And we need crisis apparently also to be more ambitious each time. Thanks. Alors, on va poursuivre avec les interventions en anglais avec Gerhard. Je vais vous passer la parole. Deutschland and Brazil policy and hydrogen, c'est des sujets en Allemagne, au Brésil, qui sont importants aussi, autant que ce qu'on a vu pour la France. C'est des questions importantes, ces questions sur l'hydrogène pour le Brésil and Deutschland. Sorry, could you? Alors, vous pouvez peut-être lui traduire, parce que je ne savais pas qu'on aurait des intervenants qui s'exprimeraient en anglais, je suis désolé, donc peut-être avoir la position d'un conseiller du gouvernement allemand, du gouvernement donc brésilien, sur ces questions concernant l'hydrogène. Ok, good. Brazil is changing a lot with the hydrogen position. To start in about 20 years ago, but in the last, we developed two politician map for the hydrogen, but today we have more than 30 documents to develop the hydrogen economy in Brazil. And on the past, we had more companies that working with the new companies that are working with hydrogen. With the crisis of the hydrogen economy, the first company closed, and today, 2 years ago, start again. New companies have, and the market increase from the hydrogen. The company, big company that we have there, triplicate the production of electrolyzer is big plant, 20 megawatt plant, and with the new government that we have now, still working with hydrogen. This is very good. What is important for Brazil is with the political and is true, could see the Zemut, the north, that we need to have certainly that we need to invest. Nothing happened. Didn't change the law. This is very important for us because we invest more than money, our life, for that. And this we need to be sure that we are on the good and correct position, good road. Merci. On va parler des acteurs industriels maintenant. Et puisque nous avons avec nous Paris Mouratoglou, je vais vous demander de nous présenter bien sûr la société EREN. Mais on a parlé aujourd'hui des différents acteurs. On a même eu un débat entre les acteurs publics, les startups, les grandes entreprises. Vous êtes un peu au croisement de ces deux, parce que EREN, si j'ai bien compris, ça regarde aussi beaucoup l'entreprise Total, qui s'appelle maintenant d'ailleurs Total Énergie, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des énergies qui intéressent ces grands groupes. Est-ce que quand même, quand vous avez créé EREN, vous vous êtes dit, il faut qu'on soit plus agile que les grandes majors, il faut peut-être qu'on trouve un modèle économique et industriel différent pour être plus rapide, plus pertinent sur ces questions? Lorsque j'ai créé, en fait, j'ai commencé à faire du renouvelable il y a à peu près 44 ans. Donc ça fait quand même un bout de temps. Effectivement, à l'époque, il fallait vraiment y croire. C'était les énergies renouvelables étaient tout à fait anecdotiques. J'ai développé des affaires aux États-Unis. J'ai coté ma société en bourse à New York. Puis je me suis associé avec EDF, on a coté en bourse en 2006 à Paris, et maintenant nous sommes associés avec Total. Alors, on est peut-être plus mobile parce qu'on est plus petit, mais de notre côté, il y a des très grands groupes qui font du renouvelable dans le monde, et on n'est pas du tout les seuls. Hein.
Les deux sont possibles. En tous les cas, au départ, le fait qu'on soit petit et agile, ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, le relais a été pris par les grands groupes. J'ai vu dans la présentation des rennes que vous faites à la fois donc, l'ensemble des énergies, vous travaillez aussi sur les matières premières, vous travaillez aussi sur le sport et la culture, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les aspects sociétaux dont on a beaucoup parlé cet après-midi, c'est là aussi un ensemble et qu'il faut, pour embarquer les gens, être sur des problématiques qui sont autant sociétales que techniques. Oui, en fait, on a trois grandes verticales dans le groupe RN, qui est donc la holding du groupe. On a une branche sport, effectivement, avec du tennis, mais pas seulement le tennis, toutes sortes de sports, notamment les trampolines, les clubs de loisirs, etc. Qu'on développe, c'est l'Académie Mouratoglou, qui est... Mouratoglou, c'est pas moi, c'est mon fils. Hein. Moi, je ne fais qu'emprunter le nom de mon fils. Voilà. Donc ça, c'est l'Académie Mouratoglou qui a beaucoup de succès. Par ailleurs, on a une branche énergie renouvelable classique qui est en fait éolien et renouvelable, qui s'appelle Total RN. Nous sommes associés avec Total, avec la BPI, avec la famille Peugeot et d'autres, et Tikiro notamment. Et en fait, on développe du photovoltaïque et l'éolien dans 22 pays, d'Australie, en Asie centrale, en Inde, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, on est aux Philippines, Israël, on est en Afrique, en Égypte. Et Maroc, c'est d'ailleurs Maroc, on n'a pas encore d'usine en fonctionnement, mais en Égypte, on a du photovoltaïque et de l'éolien. On est en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, au Chili, et on a des projets dans toute l'Amérique centrale. Et là où on n'est pas, c'est aux États-Unis, parce qu'on a été, avec ma précédente société, on a été très présent aux États-Unis, et on a voulu changer de terrain de jeu. On a été dans des endroits plus compliqués, mais qui ont beaucoup de ressources, et qu'on peut donc produire de l'énergie renouvelable à prix compétitif avec le réseau. Voilà. Excusez-moi, je sais pas. Alors, dernier point, et puis on a toute une activité industrielle en dehors des énergies renouvelables, qui constitue à produire, à faire des économies d'énergie avec plusieurs technologies, à produire de l'énergie renouvelable thermique, pour le bâtiment, pour les usines, et également on a des projets dans les mini-centrales nucléaires, les MSR, on a des projets, et pour finir, pour que les énergies renouvelables intermittentes fonctionnent, il faut de l'hydrogène, donc on a une activité très importante dans l'hydrogène. Alors, j'aimerais vous entendre tous, et puis après je passerai la parole à la salle, sur la notion de partenariat public-privé. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrivera à quelque chose si les acteurs du public et les acteurs du privé, vous représentez, le panel a été très bien fait, parce qu'il y a les deux types de personnes et d'institutions représentées et d'entreprises représentées. Est-ce que la bonne solution, c'est ça, c'est le partenariat public-privé, ou comme quand on a eu un petit débat en fin de matinée, est-ce que quand même, on n'a pas aujourd'hui une baisse, notamment en Europe, de la puissance publique, des États qui devraient avoir un rôle, on parlait à l'époque de politique industrielle, de politique de l'énergie. Comment ça doit se passer en 2023 et dans la perspective à la fois de 2030 pour des États comme la France et puis surtout donc de la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, la solution, elle est publique, privée ou le mélange des deux? Enfin, en ce qui concerne mes 45 ans de renouvelables, je n'ai jamais eu de partenariat avec les États. En revanche, j'ai toujours partenaire avec des grands groupes industriels, avec la Compagnie Générale des Eaux, avec EDF, maintenant avec Total. Et eux, ils ont des rapports avec les États. Mais le partenariat avec le public, à notre avis, ça ne ferait que nous ralentir. On s'inscrit en fait dans la politique des États. Les États ont leur politique et on s'inscrit dans cette... Mais on n'a pas de partenariat. Monsieur Busquin, je crois que vous vouliez intervenir sur ce sujet. Non, je voulais simplement ajouter que sur le partenariat public-privé, au niveau européen, on a fait des grands progrès. C'est-à-dire qu'on a fait des analyses juridiques. Et donc ce partenariat public-privé en recherche et développement est particulièrement efficace. Je ne dis pas par la suite, mais je pense même qu'on peut faire du partenariat dit public-privé entre institutions publiques, ce qui simplifie beaucoup les démarches. Nous, en Belgique, nous avons par exemple des productions de radioisotopes. Et les radioisotopes sont, disons, créés, disons, irradiés à Mol. Et puis nous avons un centre de recherche à Fleurus où nous faisons, par exemple,
du molybdène, mais maintenant nous allons faire du lutécium pour les luttes contre le cancer. Eh bien, pour pouvoir faire un partenariat de ce type-là, ce n'est plus une difficulté, parce qu'auparavant, on aurait dû faire un marché public qui aurait compliqué énormément les choses, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires non plus. Et on est dans des domaines de recherche et développement de pointe, et là, on ne peut jouer qu'avec quelques partenaires, mais même à l'échelle européenne, on peut faire un partenariat public-privé entre une université ou un centre de recherche belge et une entreprise française. Et M. Buy, c'est comme ça que vous travaillez aussi ces questions dans votre coordination aujourd'hui ? Alors, je vais vous répondre autrement. Alors, je ne parle pas a priori du partenariat public-privé, mais du fait qu'aujourd'hui, l'économie d'hydrogène, elle ne peut pas voler de ses propres ailes. Donc, au jour d'aujourd'hui, tous les projets sont déficitaires s'il n'y avait pas le soutien, au moins de l'État, des États, au début, pour leur permettre finalement d'accélérer. L'objectif, c'est bien d'accélérer la décarbonation et c'est de démarrer en fait cette économie d'hydrogène. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des écosystèmes hydrogène qui sont créés dans les territoires avec les collectivités, avec des acteurs, la mobilité lourde, etc. L'ADEME et l'État, France 2030 et le ministère de la Transition énergétique cofinancent ces projets écosystèmes pour les faire émerger. Sinon, ils n'émergeront pas. Voilà, donc il faut commencer à créer des usages, commencer effectivement à donner aux collectivités les moyens de s'approprier, entre guillemets, finalement, et faire l'expérience de l'hydrogène, et puis créer le marché pour nos gigafactories qu'on est en train de lancer. Voilà. Donc, il y a besoin, au moins encore aujourd'hui, du soutien de l'État, jusqu'à ce que, évidemment, l'hydrogène vole de ses propres ailes. Quand, effectivement, l'hydrogène décarboné sera au même prix que l'hydrogène fossile, il n'y aura plus besoin d'aide publique. Monsieur Poncelet, c'est vous qui, tout à l'heure, disiez que toute l'énergie est subventionnée aujourd'hui en Europe, donc on est quand même sur des approches qui sont peut-être nécessairement des approches de collaboration entre le public et le privé. Oui, mais je pense que les partenariats dont on parle, ils existent déjà dans les faits, et tout simplement parce qu'il y a des aides publiques considérables dans la plupart des pays pour investir, pour encourager la recherche, pour investir dans des entreprises, dans des réalisations. La société dont je vous ai parlé construit une gigafactory en Alsace, la même à Liège, dans la région belgeoise, en Inde, en Espagne, peut-être un jour au Maroc. Donc c'est déjà un fait. Je pense qu'il y a une difficulté dont on n'a pas beaucoup parlé, et quand on faisait allusion à la préhistoire il y a seulement 20 ans, c'est ce que je veux dire, c'est la rapidité avec laquelle il faut aujourd'hui décider. Pour une entreprise qui est relativement souple et flexible, c'est déjà difficile. Si en plus, avec tout le respect que je dois aux institutions publiques, si en plus il faut que des institutions publiques soient à ce point flexibles, le monde d'il y a 2 ans n'est même déjà plus du tout le monde d'aujourd'hui. Et donc ça c'est une difficulté, c'est que globalement les pouvoirs publics sont un peu plus lents à réagir. Donc on a besoin de décisions extrêmement rapides et il faut le partenariat, oui, à condition que d'une certaine manière la dynamique soit la même de tous les côtés. Ça me paraît vraiment essentiel. Et Bardet-Gluck, votre idée de ce partenariat, quand on dit partenariat pour vous, ça signifie quoi en fait ? Oui, mais pour nous, je veux dire, le partnership est autour de la recherche. Et la recherche, par sa définition, prend un peu plus de temps. Et donc, ça fonctionne assez bien parce que nous avons un budget limité à la fin. Et nous voulons faire en sorte que nous dépensions chaque euro pour son maximum impact. Et donc, but the fact that you're sitting together with the industry, but also with the researchers, because it's very important that we also have the research community with us on the table, and we try to discuss every year where should we put the money, where do we have the biggest impact, and so basically this makes. I mean, even if something's changed in the technology, we can detect it very quickly. And we can also then put topics or funding to where it has the biggest impact, but also where it has the biggest interest for the industry, because we do not fund 100%. There are some cases we do very, very low blue sky research, but when we go really to more higher technical readiness levels, then we want also that the industry put in the money, put in skin in the game. Because if you just give 100% funding,
I mean, they just take the money and they do something. When they have to put their own money into it in addition, yeah, they are more serious about it as well. And so this is why this public-private partnerships are very strong in research. I agree if you go beyond research and you go to commercial, that might be a different case. Speed is extremely important, I fully agree. And maybe another way of working together with governments might be necessary. Une vingtaine de minutes sur l'emploi du temps qu'on s'était donné, si je puis dire. Je vais maintenant passer la parole dans la salle, peut-être pour des questions. Voilà, je vois qu'on en a déjà une première. Et n'hésitez pas donc à lever les mains pour intervenir. Oui, merci pour ces échanges. Daniel Issel, directeur adjoint Fédération Hydrogène du CNRS. J'ai une question. Vous parlez de soutien public à ces initiatives à l'échelle nationale ou européenne, en l'occurrence, dans le domaine de l'hydrogène. Je me tourne vers vous pour avoir votre opinion sur la commande publique et l'impact que la commande publique dans le domaine de l'hydrogène pourrait avoir sur le déploiement des marchés et finalement l'accélération de l'industrialisation. Parce que la commande publique, à mon sens, est un levier également essentiel. Allez-y. C'est vrai que c'est souvent un levier de l'action publique de passer par des commandes, et dans le domaine militaire en particulier, il y a de nombreuses situations similaires. Mais j'ai envie de répondre, est-ce que c'est nécessaire ? Il faut vous rendre compte que la demande privée ou des entreprises est énorme, notamment dans le secteur des électrolyseurs, et qu'on est dans une situation probablement un peu inversée. Je peux vous dire que, dans un pays d'Asie, nous avons des commandes du type take or pay, c'est-à-dire que nous allons construire des électrolyseurs dans une usine d'un gigawatt, et nous avons déjà, de la part d'un co-investisseur, l'assurance qu'ils prendront comme livraison de ces électrolyseurs, quoi qu'il arrive. Et s'ils ne prenaient pas livraison, ils les payeraient quand même. C'est pour vous donner quel est le sens de la dynamique du marché. Le marché est vers la demande, et il y a donc non seulement ce type de mécanisme take or pay, mais il y a aussi ce qu'on appelle, pardonnez-moi du jargon, des slots, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont intéressées par des électrolyseurs dans un grand projet et qui sont prêts à payer des down payments, des avances, simplement pour être le moment venu dans le plan de charge. C'est une situation qu'on ne rencontre pas dans beaucoup d'industries. Je vous dis ça pour vous montrer dans quelle dynamique on est. Donc, je ne suis pas sûr que des commandes publiques, d'ailleurs, des commandes publiques, pourquoi ? Ce qui importe, c'est de faire toute la chaîne industrielle. L'électrolyseur, c'est essentiel, mais ce n'est qu'une partie du business. Il y a tout ce qui est en amont, et moi, je voudrais vraiment qu'on parle de l'énergie électrique devant, parce que ça, ce sujet n'a pas été beaucoup abordé, mais je pense que l'impasse, elle est de ce côté-là. Et puis, tout ce qui est en aval, c'est-à-dire quelles sont les grandes entreprises, quels systèmes industriels de quels systèmes industriels ont-elles besoin dans la chimie, dans la pétrochimie, dans la construction, dans la sidérurgie, dans la seule sidérurgie. Si on veut décarboner la sidérurgie avec de l'hydrogène, ce qui est techniquement possible, il faudrait entre 600 et 700 gigawatts d'électricité, de puissance électrique en plus. 600 à 700 gigawatts de puissance électrique en plus. Pour ceux qui le savent, la puissance nucléaire en France est de l'ordre de 50. Voilà les ordres de grandeur. Donc, ça, c'est, donc commande publique, je ne pense pas que ce soit nécessaire. En tout cas, le marché, à ma connaissance, ne le demande pas. Mais par contre, il faut que les pouvoirs publics préparent un certain nombre d'autres choses qui encadrent le marché. Allez-y, si vous voulez, Monsieur Berbuck. Sorry, I would like to also react on that question. I think that the role of the public authorities is even bigger. So that's why we developed the Hydrogen Valleys concept. Because in every Hydrogen Valley, because we pay in, we fund Hydrogen Valleys, but there is a need that also the authorities are part of the Hydrogen Valley, because it goes much more than only ordering maybe the buses or whatever. They need to give the permitting. They need to look into supporting also maybe financially some of the chain, value chain. So most of the time, somehow, the government is also part of the first movers. I mean, if you take, for example, the buses, I mean, a lot of governments are part of the buses, and maybe they have some shareholders. Trains, for example, same thing. They are shareholders or somehow. So they can really work with them in order to speed up the,
the demand or to participate in this kind of projects. So that's why we developed the hydrogen valleys concept. It's about hydrogen production, it's about hydrogen distribution, it's about using hydrogen in multiple sectors like transport, like industry, and so and share and work all together. So, and I see there a very, very important role of the authorities set up an ecosystem locally and work on this ecosystem. Monsieur, vous avez une question, allez-y. Oui, je voudrais dire qu'en tant que citoyen européen, je suis vraiment très triste de voir qu'il n'y a pas de politique de l'énergie à l'échelle européenne et que nous sommes très divisés. C'est quand même un signe qui est tout à fait regrettable. J'aimerais avoir l'avis des membres du panel sur la raison la plus fondamentale qui explique ce blocage d'avoir quelque chose qui est pourtant tellement, tellement nécessaire. Alors, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais on va y revenir, donc je vous laisse la parole. Qui veut... Alors, le monsieur est ici, qui pose la question. Voilà. Est-ce que je peux commencer ? Bien sûr, allez-y, monsieur. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison politique institutionnelle. Il y a un traité qui s'appelle le traité de Lisbonne. Et dans le traité de Lisbonne, qui pour la première fois donne une compétence dans le domaine de l'énergie à ce qu'on appelle l'Union européenne, il y a deux paragraphes. Le premier établit le principe d'une compétence et le second, juste après, dit « Mais attention, pour les grands choix de la politique de l'énergie, les investissements, etc., c'est la compétence exclusive des États membres. » Donc cette disposition politique institutionnelle traduit en fait le désaccord profond qu'il y a entre les États membres sur le rôle de l'institution supranationale. N'oubliez jamais que l'Europe, c'est une institution supranationale, c'est la seule du genre. Donc il y a un blocage institutionnel, et l'histoire de ce blocage, il ne faut quand même pas se la cacher, c'est la divergence de vues sur l'énergie nucléaire entre les pays membres qui ne veulent pas que l'un impose à l'autre de le faire ou que l'autre empêche l'autre de le faire. C'est l'élément fondamental de la division. Philippe Busquin a fait référence à Madame de Palacio, qui était commissaire à l'énergie il y a une vingtaine d'années. Elle a pensé faire ça au pas de charge, malheureusement, pour pratiquement une des seules fois, la proposition de la Commission n'a pas été retoquée par le Conseil, ce qui n'arrive jamais. Donc c'est pour vous dire, il y a des obstacles politiques, institutionnels, profonds, et qui sont la traduction de l'opposition entre l'Allemagne et la France, notamment, sur ce sujet. C'est un des éléments moteurs de la division. What you also see is that when crisis starts or happens, they are member states would like to work closer together. And I think we saw that very nice with the energy crisis that we had the past 2 years. Suddenly, joint purchasing of natural gas. Could you imagine that 5 years ago? I could not imagine that ever. Now, the member states are buying together natural gas. So sometimes you need sparks or a crisis to move something, but it's about each country's independency, and so once it makes sense to work closer together, the countries will make sense and will work together for sure. And this we see happening every single day, and many, many things. COVID was the same, and the medicines. I mean, we bought all together also the vaccines. I mean, could you imagine that 10 years ago? Probably not. So you see really this working together. And of course, what is the next step is, of course, maybe policies will get aligned more and more together. And on hydrogen, for example, there's a very, very nice common policy in Europe at the moment. So it goes that direction, but it takes time. Vous avez le micro, monsieur, ouais. Allez-y. Merci. En fait, je m'appelle Philippe Lawson, je suis journaliste, je suis ici, monsieur Busquin. C'est juste deux questions. Une pour M. Wong, pour le coordinateur. Vous disiez tout à l'heure que le secteur de l'hydrogène doit être soutenu par les pouvoirs publics jusqu'à ce qu'il ne vole de ses propres ailes. Est-ce qu'on sait dans combien de temps ça sera le cas? Et la deuxième question, c'est pour tous les membres du panel qui se sentent concernés. En fait, on voit des projets en Afrique. La question de savoir si les projets qui sont menés en Afrique vont profiter aux Africains ou bien on va encore exporter ces productions d'hydrogène vers l'Europe et que ça devienne une sorte de néocolonialisme en quelque sorte. Merci.
Alors monsieur Antonin a projeté donc les courbes tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, qu'effectivement à un moment le prix de l'hydrogène décarboné pourrait croiser la courbe de l'hydrogène fossile, alors vers 2030 et peut-être même un peu avant. Bon, je pense que ça c'est déjà une bonne base de se dire finalement on met beaucoup d'argent public, mais on le met avec un objectif finalement d'une économie solide qui peut voler de ses propres ailes. Il ne s'agit pas de subventionner vitam aeternam dans une voie sans avenir. Voilà, donc je pense qu'il y a cette perspective effectivement d'une économie qui vole de ses propres ailes et il y a un enjeu à accélérer puisque ça, je vous ai dit tout à l'heure, on a mis, alors le chiffre paraît énorme, dans les 10 gigafactories dont John Cockerill, on a mis 2,1 milliards, mais ça crée 5200 emplois. Donc ça crée 5200 emplois directs hein, donc, dans ces gigafactories et on les fait pour avoir des électrolyseurs, suffisamment d'électrolyseurs à 2030 parce que sinon on pourrait ne pas avoir suffisamment d'électrolyseurs pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Et la deuxième question donc, sur le néocolonialisme que ça pourrait amener, donc, qui veut répondre ? Allez-y, monsieur. Je suis désolé, je ne vais pas monopoliser, mais je voudrais prendre le contre-pied de ce que vous avez dit. Nous avons, l'entreprise dont je parle, a acheté la technologie en Chine, a valorisé cette technologie et nous construisons des usines en Europe. C'est un peu le monde à l'envers. Souvent, on pense qu'on va investir en Chine. Je pense que le marché est tel qu'il y a de la place pour tout le monde et dans tous les pays. Ce qui importe, mais ça c'est un défi qui n'est pas propre à l'hydrogène, c'est de garder la compétence technologique, la compétence scientifique. Et tout à l'heure, on a évoqué le problème du personnel. Je puis vous dire que dans le domaine de l'hydrogène, il y a une surenchère auprès des personnes compétentes. Vous n'avez pas idée. Ces gens sont débauchés du matin au soir d'une entreprise vers l'autre parce qu'ils sont rares. Et donc nous avons un grand défi, mais c'est aussi une responsabilité politique, c'est de continuer à former, à encourager la formation, l'éducation d'une nouvelle génération de jeunes filles et de jeunes gens qui s'investissent dans ce domaine. La mauvaise leçon du nucléaire, c'est que pendant 25 ans, on a perdu totalement l'expertise pour cette raison-là. Donc les talents, je pense que si nous continuons à entretenir les talents, nous avons largement de quoi faire face à la concurrence internationale. Je voulais juste compléter sur les talents. Je pense que ça, c'est un point très important. Hein. Donc, notamment, par exemple, sur l'hydrogène, dans le cadre de ce qu'on appelle de l'appel à projet compétences et métiers d'avenir, on a déjà injecté 42 millions d'euros dans des établissements de formation existants pour vraiment amener les gens, attirer des jeunes ou diversifier un peu les compétences de techniciens en génie énergétique, par exemple, etc., sur les enjeux de l'hydrogène. Alors, il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets de piles à combustible, il y a des sujets d'électrolyseurs, voilà, donc il y a tout un enjeu énorme. Hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je vous le dis, les projections qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est une création d'à peu près 100 000 emplois d'ici 2030 en France, emplois directs et indirects, pour accompagner le développement de la filière hydrogène. Donc on n'est pas aujourd'hui, les 100 000 emplois, on ne les a pas. Donc il faut vraiment accélérer les formations, c'est pour ça qu'on finance des projets de formation. Education will be key. I mean, we have calculated that by 2050, to meet all the European hydrogen demands, we will need 5.4 million people working in this sector. 5.4 million. So, we need to hurry up with education. That's why the European Commission, and through our joint undertaking, we will this year launch the European Hydrogen Academy. So it will be a European academy to teach all kind of levels, technician, engineers, PhD, so all to teach them about hydrogen, because the national programs are not fast enough adapting, I'm really honestly. I mean, if you go now to CEOs of companies, and I'm asking what is your biggest problem today, it's people. So we really need to speed up our national education system to integrate hydrogen much more. And because honestly, today, if you ask a student about hydrogen, only students who work in a science field or an engineering field might be able to answer questions on hydrogen. All the others, they don't. So we really have a lot of work to do there.
Mais je voudrais juste quand même qu'on revienne à la question politique de monsieur. Néocolonialisme, le terme était... Il n'y a pas eu vraiment la réponse, non. Je voudrais savoir si, monsieur Busquin, puisque vous avez quand même eu des responsabilités importantes à l'Europe, est-ce que l'hydrogène, ça peut être une chance de faire mieux travailler deux continents qui sont en plein développement, mais on le voit bien avec des développements qui sont très différents, le développement démographique en Afrique, le développement industriel peut-être en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité de mieux travailler ensemble et de ne pas forcément entendre parler de termes comme ceux qui ont été évoqués? Je vais prendre la question. Entre l'Europe et d'autres pays, il faut savoir qu'on a parlé beaucoup d'hydrogène, mais il y a, dans l'hydrogène, il y a la production d'hydrogène, et puis il y a toute la technologie de pour le transformer l'énergie primaire en hydrogène, puis en un élément qui est utilisable dans l'énergie. En fait, faire de l'hydrogène en Europe, je pense que ce qu'on peut faire en Europe, c'est toute la partie technologique, les électrolyseurs et puis tout ce qui est en amont, en aval, pardon. En revanche, faire de produire de l'hydrogène en Europe, ça me paraît très difficile parce que s'il est décarboné, évidemment, aujourd'hui on sait faire de l'hydrogène, il n'y a aucun problème, mais de l'hydrogène décarboné, il faut une énergie primaire décarbonée, il faut donc du renouvelable. Or, déjà, la transition énergétique, il va falloir qu'on double la production d'électricité en Europe et qu'on triple dans le monde. En Europe, c'est déjà très difficile de doubler la production d'électricité en Europe, surtout décarbonée. Il faut décarboner la nouvelle, les 100% de plus d'énergie nécessaire, et il faut décarboner l'énergie actuelle. Donc c'est tout ça jusqu'avant 2050. Donc c'est une mission presque impossible, très difficile. Mais si en plus on veut faire de l'hydrogène, il faut qu'on triple cette énergie. Donc forcément, le développement de l'hydrogène va passer par une coopération mondiale. Il faut utiliser les ressources renouvelables, là où elles sont. Il faut dire qu'en Europe, on n'en a pas beaucoup. Il y a des pays où il y a beaucoup, beaucoup plus de ressources renouvelables, beaucoup, beaucoup plus de vent. Mais évidemment, on ne sait pas importer le vent. Par contre, chez nous, ce qu'on peut importer, c'est l'hydrogène. Donc il y a forcément des coopérations entre les États. Et finalement, les États, si on ne fait pas ça, les États qui ont des ressources, eh bien, nos industriels vont s'installer là-bas pour profiter des ressources. Donc il faut absolument une coopération. Parfait. Peut-être quelques mots. Oui. Non, moi je crois qu'il faut simplement ajouter que l'Europe a toujours eu, par exemple dans le domaine de la recherche, une ouverture que d'autres n'ont pas. Les programmes européens de recherche sont ouverts dans le monde entier. On peut y participer. Et donc, par exemple, cette réunion ici avec l'Université Polytechnique Mohamed VI est une belle illustration des relations qui peuvent avoir lieu entre l'Europe et une université marocaine. Et les têtes de pont qu'il faudra faire entre l'Europe et l'Afrique sont indispensables. Dans les programmes européens, il y a aussi toute une définition des relations avec l'Afrique, des programmes Erasmus, des développements de recherche commune. Donc je crois que cette idée de parler de néocolonialisme n'a pas de sens, en tout cas dans le domaine du développement de l'Afrique. Votre voisin souhaite intervenir sur le sujet aussi. Non, mais c'est parce que je pense que la question est extrêmement pertinente et qu'il y a quand même un risque. Si, par exemple, nous décidons collectivement d'investir des sommes considérables dans un pays en développement pour produire localement de l'hydrogène qui est importé par nous, la quantité d'électricité nécessaire pour ça sera nécessairement prélevée sur les besoins du pays. Et donc je pense qu'il y a un véritable risque si nous faisons ça au détriment des besoins élémentaires d'électricité. N'oubliez pas qu'il y a 2 milliards de personnes sur la Terre qui n'ont même pas une ampoule électrique. Donc si avec notre argent nous investissons dans ces pays à notre bénéfice, en continuant à laisser de côté une partie de la population à l'égard des besoins élémentaires d'électricité, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors ça, c'est politique. Ben tout à fait, c'est le sujet d'ailleurs de cette table ronde. Alors, il a le micro depuis bien longtemps, là, donc je passe la parole à Monsieur Giraud qui voulait intervenir. Je voulais juste vous poser une question à propos de la Chine. On a très peu parlé aujourd'hui. Les électrolyseurs chinois coûtent à peu près moitié prix des électrolyseurs européens. Les piles à combustible REFIRE au graphite coûtent bien moins cher que les piles à combustible européennes. Les trains à hydrogène chinois roulent à 200 à l'heure. Est-ce que vous voyez la Chine comme une menace pour la politique hydrogène de l'Europe ?
of course, now China is really moving fast on fuel cells and also on electrolyzers. I think we need to go faster, for sure. Are they already cheaper with fuel cells? I would like to split, because fuel cells, they are not yet at the same level as Europe. I mean, I know that they're still buying European fuel cells at the moment in some of their products. And so, but they get there as well. I mean, they will move forward. I think what is important for us to go to scale, really in production, faster. And that's why we have the IPCEIs, European Projects of Common European Interest, that will help to scale up as well. On the electrolyzers, yes, China is moving also very fast, but they are also not there yet on the same, I'd say, performance as Europe, although it will come. Huh? So we will need to make sure that, yeah, that we keep the lead, and that's why Europe has also made this Net Zero Industry Act that Ursula von der Leyen has announced, that a number of percentage, and I think for electrolyzers, I think it was 40 or 60%, needs to be produced in Europe. So this will become a regulation. So this is a way of, yeah, I would say, protecting ourselves in a way, but making sure that we, yeah, I mean, that we keep also the technology somehow here, because we don't want to be depending anymore like we were with all the equipment during the COVID, or also now with the gas, we are depending on Russia. So we want to try to avoid that, and so that's why the Net Zero Industry Act was there. I think this is a fantastic act, and let's see how it, I mean, how it will be implemented, because it's now only a proposal from the Commission. Je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, je pense que l'enjeu est en Chine, de concurrence, mais il est aussi beaucoup aux États-Unis, parce que la Chine a les subventions et le savoir-faire, mais les États-Unis ont maintenant un système de subventions extrêmement puissant, et en plus, ils ont beaucoup d'énergie renouvelable, et donc ils ont tout ce qu'il faut pour construire une filière complète de la production d'hydrogène jusqu'à la filière à l'utilisation finale. Donc ça va être des concurrents redoutables, y compris pour les Chinois. Hein. Alors la dernière question, c'est monsieur qui a le micro, je vais m'approcher de lui. Regardez, c'est sur votre droite, messieurs du panel, là. Voilà, ici. Je suis Dominique Bournonville, j'avais une question en rapport avec l'outil financier partenariat public-privé. Pour être un peu pédant, si on remonte au Moyen-Âge ou autre, un certain nombre de religions monothéistes, dont le catholicisme, par exemple, ne faisaient pas de prêts à usure. Et aujourd'hui, malheureusement, ce dont je vais parler porte le nom de financement islamique, donc ça pourrait avoir une connotation un peu péjorative. Alors l'idée, c'est que, puisqu'on a à nouveau un retour de l'inflation, si on utilise l'argent comme une marchandise, ça, le fait de financer des gros projets rajoute à l'inflation mécaniquement. En revanche, si on est sur un dispositif que certains appellent dans la finance islamique, donc par exemple, ça consiste à, pour acheter un bien immobilier, à avoir une SCI, par exemple, où les parts sont au début 99% à, entre guillemets, la banque, et à la fin de l'opération, 0% à la banque. Donc c'est l'acheteur dont le pourcentage dans la SCI change, mais il n'y a pas à proprement parler de marchandise qui soit un montant financier. Donc il y a même ici dans cette université une thèse qui a été soutenue sur ce thème, avec d'ailleurs le titre « Finance islamique ». Alors c'est peut-être un outil dans les PPP, la banque est un partenaire majeur, voire prépondérant. Il y a peut-être là une astuce financière qui ne renforcerait pas l'inflation. Alors là, je vous laisse répondre à cette question pointue. Qui est-ce qui veut, peut-être sur les aspects de financement en général, hein, peut-être pas de s'inspirer du financement islamique, mais enfin du financement, donc sur l'aspect financement général de ces politiques de l'énergie, est-ce que vous avez des points à développer? Est-ce que vous avez des solutions par rapport à la question de monsieur qui évoquait le monde d'inflation dans lequel nous sommes aujourd'hui, et donc peut-être les nouvelles techniques financières? Non? Allez-y, monsieur Poncet. Oui, je ne suis pas au courant de propositions dans ce sens-là. Je vous ai dit que
Pour ce qui nous concerne, nous avons des plans de construction d'une usine en Inde, aux États-Unis, en France, en Europe, enfin, en Belgique et dans quelques autres pays. Je ne suis pas au courant que de tels problèmes se poseraient. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait de véritables problèmes de financement en tant que tel. Il y a beaucoup d'argent disponible. Si vous avez un jour l'occasion, je vous invite d'aller voir les valorisations boursières des entreprises du secteur. C'est quelque chose de phénoménal, parce que les marchés des capitaux croient qu'il y a des opérations à mener. Donc, je ne dis pas ça par irrespect à l'égard de l'idée, je n'en sais vraiment rien, mais je n'ai jamais été personnellement confronté à ça. Très bien. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres réponses à cette question et pas d'autres questions, je vais vous proposer de balayer l'ensemble de nos débats de dessin et donc de demander, parce que je vois qu'il est encore en train de plancher, à Frédéric de nous faire part de sa toute dernière production. Et puis on mettra comme un feu d'artifice l'ensemble des dessins de la journée. On les affichera pour terminer cette première étape des 13e tables rondes de l'Arbois. Alors, que nous a proposé donc Frédéric? Vous pouvez regarder sur votre écran de retour, sur le grand écran pour les participants, le temps qu'on cale la caméra. Pas très encourageant, mais enfin bon. Ah, ça c'est pour Monsieur Matoglou, ça. Voilà, on va peut-être retrouver l'ensemble des dessins. Je vous propose d'applaudir le panel d'intervenants de ce soir. Merci à Frédéric, à tous ceux qui nous accompagnaient, Je voudrais que vous remerciez aussi l'ensemble des techniciens. Il y a deux équipes techniques qui font un travail formidable, donc je crois qu'on peut les applaudir très très fort sur le travail réalisé au cours de cette journée. Et je vous donne donc rendez-vous demain matin à 9h pour un café d'accueil et à 9h30 pour le début de nos travaux pour cette deuxième journée. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée, à moins qu'on ait... Voilà, pas d'autre chose à nous dire, d'accord, de la part de la technique. Merci, bonne soirée à tous.